Et bonjour à tous et bienvenue sur Eurogaming pour ce pré-show des quarts de finale des championnats du monde. Pré-show placé sous le signe de la neutralité, évidemment. Pour parler des matchs de ce matin, j'aurai avec moi Twix et Chips. Comment allez-vous, messieurs? Et surtout, parlez-moi de ces beaux t-shirts, s'il vous plaît. Tu es magnifique. Super t-shirt. Tu es magnifique. Super t-shirt. Ouais. Écoute, ça super va maillot. Extrêmement bien. Super Merci. Maillot, super c'est casquette. Vrai. Super casquette. Ça va très bien. Un match de légende, des matchs de légende qui nous attendent aujourd'hui. Et la France au sommet. Bah absolument, la France au sommet et l'Europe au sommet surtout, puisqu'on aura nos deux équipes européennes restantes. Fnatic a été éliminée hier. J'aimerais bien qu'on reparle un petit peu justement de ce qui s'est passé hier, puisque j'en ai parlé avec Tréton et Zaboutine, mais pas avec vous deux. Maintenant que la défaite de l'Europe a eu le temps un petit peu de s'écouler, j'ai envie de dire, j'y ai réfléchi et je pense que finalement c'était assez attendu. Il n'y a pas de honte à perdre contre le first seed chinois. Peut-être qu'on s'est vu un petit peu trop beau, Fnatic n'était pas au niveau, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, ce qui est sûr, c'est que je pense que Fnatic n'a pas joué au maximum de ce qu'il pouvait faire, je pense, dans ce BO. Voilà, enfin la première game notamment est terrible, la deuxième est vraiment elle fait mal au cœur également. Ils étaient pas assez bons. Fnatic était pas assez bon. Je pense qu'à leur plein potentiel, il y avait parfaitement un univers où ils gagnaient ce quart. Mais bon, bah, pas hier. Plein potentiel ou pas, je me demande, puisque pendant la conférence de presse, c'est Reckless qui déclarait que les joueurs n'avaient pas eu un seul moment dans l'année où les joueurs étaient heureux en même temps. Donc plein potentiel ou alors équipe en fin de course, Twix? Équipe en fin de course, c'est totalement plausible, je pense. Ça fait beaucoup d'échecs qui sont accumulés par la même line-up, à part Nemesis qui, lui, n'a pas expérimenté la déception de 2018 en finale. C'est entièrement possible, même si je trouve qu'il faut quand même relativiser un petit peu. Certes, la manière de la défaite a été un petit peu décevante dans les parties disputées, mais First Seed chinois et top 8 monde. Et on se souvient de Fnatic au printemps, c'était pas la folie. Un first seed chinois qui a l'air de faire peur et qui affrontera donc Invictus Gaming. Invictus Gaming qui a gagné sans réel effort, j'ai l'impression, contre Griffin. Griffin, pareil, on le rappelle, qui était une équipe en difficulté depuis le début du tournoi, qui avait eu un espèce de second souffle dans ces group stages où il paraissait assez fort, mais finalement, Griffin en BO5, on sait que ça ne marche pas toujours. Hier, c'est pas passé contre les champions du monde en titre. Non, mais on a eu des Griffin. Pourtant, tout n'était pas à jeter, mais bon, ils ont essayé de mettre notamment Chovy sur des Sion. Quand tu sais que c'est sans doute leur joueur le plus capable de carry, ça peut poser des... Même s'ils gagnent une game avec Sion, on a quand même eu un pentakill de Viper. Ils ont donné les Griffin hier, mais je pense que... Enfin, voilà. Ils n'étaient pas assez bien préparés. En tout cas, leur préparation n'allait pas suffisamment dans le bon sens, je pense. Et Sword aussi, top, a commencé à souffrir de la comparaison par rapport à The Shy. Absolument. Et il déclarait lui-même d'ailleurs en conférence de presse que bah voilà, la différence s'est principalement faite sur la top lane. C'est dur, joueurs coréens d'Invictus Gaming, quel niveau hier, The Shy et Rookie, incroyable. Ouais, absolument incroyable. Le témoignage de Sword m'a beaucoup étonné. On ne voit pas souvent des pro players comme ça dire « tu étais vraiment, vraiment plus fort, tu m'as soulevé, tu étais le meilleur ». Et pour Griffin, tellement de perturbations internes à l'arrivée des Worlds qu'au final, on ne sait même pas ce dont cette équipe aurait pu être capable de meilleures conditions. En tout cas, deux équipes qu'on suivra pendant l'off-season, Fnatic et Griffin. On verra ce qui se passera pour la line-up. En tout cas, on aura une demi-finale intégralement chinoise, donc Invictus Gaming contre Fun Plus Phoenix. On avance de l'autre côté de l'arbre cette fois-ci, puisqu'aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est Damwon versus G2 et SKT versus Plyce. On va regarder le parcours de Damwon versus G2 pour arriver jusqu'en demi-finale. On se retrouve juste après. Pour finir la journée, on terminera par un BO5 hyper sympa entre Damwon et G2 Esports. On commence avec Damwon et les sites 3 de Corée sont vraiment chauds. Comme Splice, ils ont fait toutes les étapes des Worlds, mais eux ont terminé premier de leur groupe devant Invictus Gaming et Team Liquid, ça annonce la couleur. Leur point fort, c'est avant tout leur trio top jungle mid qui est très 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 solide. Les solo laners des Damwon, Nuguri et Showmaker, c'est aussi des monstres. Et face à G2 qui aime bien se battre, je pense qu'on va avoir un BO5 spectaculaire. Mais le point faible de cette équipe, à mon sens, ça reste la bot lane. Nuclear est vraiment en dessous de ses coéquipiers. On n'est pas à l'abri de le voir faire des moves très bizarres pendant les games, et si ça arrive, vous penserez à moi. Maintenant, nos G2, je pense qu'on commence à bien les connaître. Ils ont fait une phase de groupe très propre, avec une fin un peu dégueulasse face à Griffin, mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'ils ont bien l'air focus dans leur Worlds, ils trollent pas, et ça fait plaisir à voir. On notera aussi la très bonne performance de Caps, normalement c'est un joueur capable du meilleur comme du pire, mais là pour le coup il nous fait vraiment de très bons Worlds, et faut qu'il soit au meilleur de sa forme pour affronter Showmaker.
Le pilier de l'équipe, ça reste Perks qui est vraiment monstrueux en ce moment, et je pense qu'avec Mikix, c'est probablement la lane qui pourrait faire le plus la différence face aux Damwon, surtout quand on connaît la faiblesse de l'équipe coréenne. C'est un BO5 qui risque d'être très serré, et dans ces conditions-là, l'expérience de nos G2 pourrait être très importante alors que les Damwon n'ont pas l'habitude de ça. Et clairement, j'espère que comme moi tout à l'heure, vous ferez partie de ces supporters qui spammeront 10 toutous to help G2. G2 eSports, donc, qui affronteront Damwon ce matin en deuxième match de la journée. Qu'est-ce qu'on peut penser de, on va en parler rapidement, qu'est-ce qu'on peut penser de G2, de ce qu'on a vu d'eux en group stage? Parce que selon moi, Damwon, qui viennent quand même du play-in, n'ont cessé de grandir depuis leur début de parcours. Absolument, G2, pour faire très très court, j'ai l'impression que tout va très très bien et que pour l'instant, ils n'ont pas été particulièrement défiés sur leur potentiel de jeu. Je pense qu'on a vu que la surface et ils n'ont eu besoin que de la surface pour sortir du groupe, même s'ils ont témoigné que FunPlus, c'était quand même pas des blagues. Damwon, clairement un gros step-up. La botlane va beaucoup mieux. Faut confirmer maintenant si c'est une histoire de Kai'Sa ou non pour Nuclear. Ils auront des gros clients en phase 2 ce matin. Chips, Damwon, c'est quand même la première équipe coréenne à devoir jouer dans le play-in, mais aussi du coup premier seed 3 à s'emparer du seed 1 de leur groupe. Bah oui, ils ont été très bons en phase de groupe et c'est vrai qu'ils ont vraiment monté en puissance tout au long de la compétition. Ils m'ont laissé un peu sceptique en play-in, bon, dans le sens, dans tous les cas, ils ont gagné, on ne pouvait pas s'attendre à autre chose de leur part, mais ce n'était pas super convaincant, notamment la botlane. Je trouve que Nuclear et Beryl, notamment Nuclear, c'est quand même un peu plus mis au niveau sur le group stage. Donc, il y a eu une montée en puissance hein, généralisée vraiment de Damwon. Quand on regarde Showmaker, c'est un des seuls joueurs avec Chovy à sortir... Et avec Nuclear à sortir avec plus de 10 de KDA ouais. De la phase de poule, il avait quand même IG et Liquid dans la phase de poule, donc il y avait des clients, c'était pas évident, mais les Damwon ont été convaincants. Mm-hmm. Et un autre chiffre qui illustre vraiment l'exception de Damwon, on va dire, dans ces Worlds, c'est le nombre de games en solo queue effectués par Nuguri. Oui, c'est sûr. Et Canyon est passé. Il a plus de 300 games, oui, Nuguri. Il est arrivé il y a moins d'un mois en Europe. En vrai, genre. Et il est passé devant Caps en plus sur le ladder solo queue. Mais on en parlera après ça. Je voudrais juste qu'on se penche sur le deuxième quart de finale. Et voilà, oui, c'est des tarés, mais on sait que les joueurs coréens jouent énormément de solo queue. On va regarder le deuxième quart de finale qui est donc le premier qu'on aura ce matin. Splice contre SKT. Regardons comment les deux équipes sont arrivées jusqu'en quart de finale. Il y a quelques mois, si on m'avait dit que Splice affronterait SKT en quart de finale des Worlds, j'aurais probablement rigolé. Et pourtant, voilà ce qu'on a comme première affiche aujourd'hui. Et avant que ça commence, je voudrais vous présenter un peu plus en détail les deux équipes, en commençant par SKT. SKT, c'est peut-être l'équipe qui a été le plus insane à mon goût pendant la phase de groupe. 5 victoires, 1 défaite dans le groupe de la mort, tu sens qu'ils sont pas arrivés premiers par hasard. Pour faire simple, ils ont un niveau macro impressionnant, ils grittent pas, et en plus ils savent très bien jouer quand ils sont derrière et qu'ils n'ont pas l'avantage. Donc même si Splice a le lead, ils sont pas à l'abri de se faire retourner en fight. En plus de ça, c'est l'équipe qui a la plus grosse expérience internationale et tous les joueurs de SKT sont à leur top niveau actuellement. Maintenant qu'on connaît les favoris, place aux outsiders. Splice vient de loin. Ils sont passés par toutes les étapes de ces Worlds pour en arriver là, et pardonnez-moi l'expression, mais ils en ont bien chié en jouant les tie-breaks pour aller en phase de groupe et les tie-breaks pour aller en quart de finale. Mais sur les derniers matchs, Splice nous a montré un visage qui m'a vraiment scotché. Leur game était hyper propre. Leur point fort, je dirais que c'est leur macro. Ils arrivent très bien à mettre en place leur plan de jeu et à ne pas jouer sur leur temps faible. Et ce point-là est sûrement dû aux enseignements de notre Duke national, et j'ai vraiment hâte de voir ce que l'Homo Draftus nous a préparé pour affronter SKT. Malheureusement, il y a quelques points faibles, et le premier c'est Vizichachi au top. Je suis d'accord que sur les derniers matchs il était bon, mais là face à Khan, ça risque de pas être le même niveau, et ça me fait un peu peur pour lui. Ensuite, il y a aussi Norskeren qui est pas vraiment super stable. S'il est pas sur ses pics de confort, c'est possible qu'il passe à côté de son BO. Et pour finir, c'est la première apparition de Splice aux Worlds, et la première année d'humanoïde à ce niveau, donc on sait pas comment le joueur va être psychologiquement face à Faker. Enfin bref, SKT c'est The Boss de fin qui paraît invincible, et Splice est le héros qui tu sais pas par quel moyen doit le battre. Donc Dukers, Dukette, je veux voir une pluie de serpents pendant tout le BO5 dans le chat. Et il va falloir croiver très 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 fort pour Splice. Ok, d'accord. Très bien. La force du serpent. La force du serpent et de l'Homo Draftus sera-t-elle avec Duke ? Ce matin, ça va être compliqué. C'est littéralement David contre Goliath. On parle d'un remake de Misfits contre SKT et on se rappelle des espoirs qu'avait donné Misfits à cette époque. Sauf qu'on en parlait hier en post-show. On n'est pas du tout face à la même équipe SKT et je sais pas si Splice pourra les matcher ici. Qui disait hier, c'était FunPlus, un jeu, c'était
Le support de Fun Plus Phoenix qui disait que pour l'instant, je crois, Splice apparaissait comme étant la meilleure équipe européenne. Il était en train de troll, en fait. Il répondait. Enfin, c'était pour Tone Fnatic. C'est pour Tone Fnatic. Après, peut-être qu'il pense vraiment que Splice est meilleur que Fnatic sur ces Worlds. Pas. En tout cas, on a vu la réaction des joueurs G2, je rebascule sur le BO, suite au tirage au sort contre Damwon. On peut nous passer le tweet qu'a publié G2 eSport en régie, et ça ne part pas de rien, puisque, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques semaines, Yankos se plaignait sur Reddit que les équipes asiatiques étaient trop fortes, etc., qui les malmenaient, et bien il s'agissait de Damwon. Damwon qui a littéralement explosé G2 en scrim avant la phase de groupe, donc voilà. Qui a du sens, selon moi. Ouais, j'aime toujours ces mèmes-là. Mais ouais, c'est inquiétant. Enfin, comment dire, d'un côté, ils connaissent l'adversaire, donc finalement, ils savent à quoi s'attendre. De l'autre côté, s'ils se sont fait étaler à chaque fois qu'ils les ont rencontrés, c'est pas forcément bon signe. Ouais, mais après, oui, c'est sûr que les scrims ont quand même de la valeur, mais il y a d'autres équipes Scrim God dans l'histoire des Worlds qui sont sorties par la petite porte. Les Fong Vu Buffalo, notamment, l'an dernier. Ouais, et moi surtout, pour quelque chose qui parle plus aux Européens, il y a Fnatic 2015. Beaucoup de bruit pour Fnatic 2015 pour se prendre quand même un 3-0 incontestable en demi-finale, et c'était les Scrim God. Donc, tranquille avec les Scrim God. Moi, j'accorde beaucoup moins de crédit à une réputation de Scrim God qu'à une équipe qui a de l'expérience et des victoires en BO5. De l'autre côté, pour sa qualification, Duke nous a taxé d'un tweet plus ou moins optimiste où il accueille déjà G2 eSport en demi-finale. Bon, on va pas se le cacher. Je pense que de toute façon. Il est élégant. Il est juste derrière toi. Incroyable. Quel homme, vous le voyez ici, l'homo draftus. Mais ouais, je pense que de toute façon, c'est un rêve pour toute équipe de pouvoir affronter les triples champions du monde. On va pas dire que Splice s'attendait forcément à sortir des groupes ici. Ils le font avec la manière. Et affronter SKT, je pense que c'est une belle récompense, mine de rien. Oui, absolument. Bah voilà, enfin, on peut vous en parler, mais on a discuté avec Duke de tout ça. Ils sont très contents chez Splice de jouer SKT, parce que de façon générale, ils se pensent pas forcément au niveau de tous les autres quarts de finalistes. Donc, en tout cas, tous les autres seed 1 étaient, dans tous les cas, des très gros poissons pour eux. Donc, dans tous les cas, ils sont contents de jouer une équipe où ils vont pouvoir, a priori, développer leur jeu sans pression. Personne ne s'attend à ce qu'ils gagnent. Donc, ils vont pouvoir jouer sans pression. Pour les joueurs, pour le staff, bah, c'est quand même un peu un rêve. Tu joues SKT en BO5 aux Worlds. Quel joueur, quel staff ont pu faire ça dans leur carrière dans League of Legends? Pas beaucoup. Est-ce qu'il aura encore l'opportunité de le faire un jour, Duke? On ne sait pas, donc c'est du plaisir et il faut y aller en se disant bon bah on affronte la meilleure équipe de tous les temps sur League of Legends. Absolument. Essayons de faire quelque chose. Et Duke nous a laissé un petit message, on le regardera un petit peu plus tard dans ce pré-show, mais avant ça, retour sur Yankos. Yankos, j'aimerais en parler puisque selon moi, depuis le début de ce qu'on a vu de G2, c'est pas forcément le joueur qui perf le mieux. J'ai envie de dire que lui et Mickey notamment sont pas à pointer du doigt, mais il y a des choses à modifier ici. Et c'est ce qui m'inquiète dans ce quart de finale contre Damwon, justement ce match-up entre Yankos et Canyon dans la jungle. Tout à fait, ça peut être une inquiétude quand on compare les résultats KDA, etc. de la saison régulière d'Yankos avec le groupe Stage des Worlds. Cependant, il faut quand même pas mal relativiser. C'est un peu normal que ce soit le poste de support et de jungler qui soient les plus exposés niveau statistique, on va dire, puisque c'est eux qui ouvrent le jeu au final. Et quand tu compares, par contre, quand tu relativises avec les stats des solo laners, même si je mettrais Wunder un petit peu de côté, tout va relativement bien quand même chez G2 eSport. Alors, les bavures en groupe Stage, je pense pas que ce soit vraiment hyper important. Et puis, moi, en regardant les games de G2, oui, les KDA de Yanko, c'était un petit peu marquant, mais Sakiana, par exemple, qui se faisait soulever par Cloud9, elle faisait son travail, quoi qu'il arrive. Donc, je ne suis pas si inquiet que ça. Je suis d'accord. Et on l'a dit, je pense que c'est bien de se prendre les pieds dans le tapis avec Griffin en group stage. Espérons qu'ils auront appris leurs erreurs, même si c'est des choses qu'on a pu leur reprocher depuis le début de l'année. Messieurs, pour cette approche du groupe, de cet arbre de quart de finale, je me suis dit que finalement, c'était Europe contre Corée. On a la dynastie SKT contre les nouveaux Damwon. On a G2 eSport qui sont pressentis pour le titre contre Splice, qui sont ici les underdogs. Donc j'aimerais qu'on se penche sur plusieurs match-ups. On va commencer par la top lane pour voir un petit peu comment toutes ces équipes évoluent ici. Est-ce que tu peux me parler justement de Cannes par rapport à Tchatchi? J'ai des stats à l'appui ici. Bah écoutez, Cannes, c'est déjà un joueur qui a commencé par se distinguer par des prouesses mécaniques qui lui ont
ont valu une réputation de monstre sur la top lane, monstre de Jace notamment, qui je pense a été sa première réputation internationale. Visichachi, c'est beaucoup plus la force tranquille, c'est un peu c'est l'eau, Visichachi, c'est-à-dire que il va simplement prendre la forme adaptée pour survivre de manière consciencieuse à son match-up, tandis que Khan, c'est clairement le feu. Voilà, c'est comme ça que je comparais les deux. Comment est-ce que Khan s'en sort? Comment est-ce que Chachi, pardon, s'en sort justement face le, à Khan? Je pense que le feu bat vraiment beaucoup l'eau. Voilà. Mais après. Pourtant, normalement, dans la nature, ça ne fonctionne pas trop comme ça. Bah écoute, dans Pokémon, ça marche comme ça. De l'autre côté, on en aura Nogori contre Wander. Ça, pareil, c'est un match-up que j'ai hâte de voir. Puisque c'est Wander, la glace, dit Chachi. C'est la glace. C'est la glace, carrément. Pardon. Mais il va fondre, du coup, c'est pas exactement vraiment ce qu'on veut. Mais il se transformera en eau. Il se transforme en eau et il bat le feu plus tard. L'esprit shonen, encore une fois. Retour à nos moutons, Nogori contre Wander, pareil, je trouve que c'est un match-up qui pourra être intéressant. Nogori qui est quand même la grande force de Damwon à l'heure qu'il est, peut-être même un petit peu trop. On a parlé justement des défauts que pouvait avoir la botlane. Est-ce que Nogori sera suffisant pour renverser la balance contre G2 Esports et contenir Wander ici? Alors, de mon point de vue, c'est pas forcément la plus grosse force de Damwon. Moi, je pense que c'est leur mid-jungle qui est le plus important, malgré tous les dégâts de Nogori. Mais ça, c'est un peu son style de fou furieux. Il faut voir que pour obtenir... c'est plus de 30% de dégâts. Ouais. Il y a un certain nombre de morts qui passent et d'imprudence, etc. C'est un peu le X-Factor de Damwon qui, s'il est vraiment au top du top, va peut-être hard carry la game. Mais le vrai pilier, la vraie stabilité de l'équipe, là où, d'où sortent les vraies performances, c'est le mid-jungle. Canyon et Showmaker ne déçoivent pas. Et ben on peut commencer à regarder justement les match-up jungle qu'on va avoir. On n'a pas de stats, match-up mid, excusez-moi, qu'on va avoir. Je n'ai pas de stats pour la jungle. Ici, tu le disais, Showmaker qui va donc affronter Caps. C'est pas un petit client quand même. Hein. Caps, il commence à avoir une certaine expérience internationale. On a vu comment ça s'est passé contre Faker la dernière fois. Showmaker qui est un rookie ici, je me demande si ça va jouer finalement pour eux. Je pense pas que ça va jouer particulièrement dans le duel, mais peut-être dans les décisions à venir dans le match qui bien sûr seront assujettis à beaucoup de pression, on l'imagine. Dans le duel, je trouve que c'est plutôt balance. Je mettrais un petit edge à Caps au niveau de la variété de champions qu'il est capable de jouer sur une scène internationale, puisqu'il nous l'a déjà montré, là où Showmaker est quand même resté, même s'il est extrêmement impressionnant sur ses champions, sur des choses beaucoup plus conventionnelles. Donc, s'il y a un terrain peut-être où Showmaker ne bat pas Caps, en tout cas est vraiment plus faible que Caps, c'est la variété de champions qu'il est capable de jouer. Mais on peut regarder justement les champions qu'ont pu jouer les deux équipes jusqu'ici dans ces championnats du monde, et on voit, juste pour voir quel pick pourrait être contesté dans la phase de ban ici. Qu'est-ce qu'on a? En même temps, c'est pas très représentatif de Caps, parce qu'il y a eu pas beaucoup de gamers, voilà, c'est compliqué. Pour moi, il y a un gros pic qui manque à l'appel chez Damwon, c'est Ryze. Oui. C'est Ryze notamment. Et Akali de Caps, qu'on a toujours pas vu. Oui, c'est vrai, Akali qui est a priori plutôt un pic dangereux. En fait, je vois bien G2 ban Akali. Oui. Je vois bien G2 ban Akali, notamment s'ils sont en red side. On verra comment les drafts vont se passer, mais ceci dit, les G2, on sait qu'ils ont deux super joueurs d'Akali avec Wunder et Caps, donc si jamais ils la laissent passer, ils pourraient aussi s'en emparer. Et on sait que Nuclear peut jouer le même genre de champion que Perks peut jouer aussi. On ne sait pas s'il a une Syndra aussi folle que la Syndra de Perks, mais pareil, est-ce que en étant Nuclear et Beryl, tu as envie de prendre Perks et Mickey sur leur terrain, à savoir le terrain de l'agressivité et des flex? Absolument pas. T'as envie de valider une Xayah, une Kai'Sa et faire ta botlane tranquille. Évidemment, ça c'est plus ou moins prévisible. Donc, est-ce que les tier listes ne permettront aux Damwon de survivre à cette botlane? J'en suis pas convaincu. Je m'attends à beaucoup de rebondissements sur cette botlane parce que c'est vraiment le coin mou de Damwon. Et pour le coup, c'est là qu'il faut taper, je pense. On a Perks justement qui s'est exprimé sur les champions qu'il pourrait et devrait jouer justement ce matin contre Damwon. On vous laisse regarder ça et on se retrouve juste après. The thing is, they like to play assassins. I think like mid top, they like to play champions that make plays. Whereas I think we are much more versatile than them. We can play both champions that make plays and champions that have to farm up and scale. So I think I would say they're more one-dimensional than us, but they're very strong in what they do. Une réaction par rapport à cette vidéo de Max. Je pense qu'il a tout dit. C'est comme les gens qui me disaient hier que Griffin devait éclater IG, tu vois, en quart de finale. Non, clairement pas. Griffin peuvent être très bons dans ce qu'ils font. Damwon, je pense, est plus stable. Ce que j'avais dit, moi, c'est que Griffin avait montré le plus haut pic, je trouve, mais que Damwon était plus stable dans leur performance.
même si leur pic peut être très élevé aussi. Mais de mon point de vue, Griffin en phase de groupe, c'est l'équipe qui a le mieux joué pour l'instant dans ces Worlds quasiment, sur la phase retour. Oui, je pense qu'il a raison. Évidemment, ils sont plus polyvalents. Ça se voit au pool de champions, encore une fois. Chez Damwon, t'as peur de Vladimir, encore que je pense que c'est un champion qui se gère avec les bons match-up. T'as peur de Akali, mais tu sais à peu près sur quel champion les attendre. Il faut juste préparer, toi, ta réception, tes pics en réponse à ça. Mais normalement, les Damwon, ils sont pas surprenants. Le dernier point que je voudrais aborder pour cette confrontation, c'est que selon moi, G2 sont attendus à la victoire, mais est-ce que ça serait vraiment un upset s'ils perdent ? Non, je pense vraiment pas, parce que je pense sincèrement que Damwon est peut-être l'équipe coréenne la plus dangereuse pour un G2 eSport, parce que tu reprends un petit peu l'essence de ce qu'un Invictus Gaming nous a donné en 2018, c'est-à-dire un rythme frénétique avec des joueurs extrêmement talentueux sur des pics qui sont simplement incontestables une fois qu'ils sont devant. Et si les Damwon arrivent à lancer finalement Canyon, Nuguri ou Showmaker, peu importe l'équipe que tu pilotes, si tel ou tel pick est piloté par tel ou tel joueur, dans ces conditions-là, il va gagner le match et puis c'est tout. Donc je pense que c'est très dangereux pour G2. Ouais, je suis d'accord, on ne sait pas trop quel visage de G2 s'attendre aussi. J'espère vraiment que... C'est la grande inconnue. Ce qu'on a attendu d'eux toute l'année et cette rigueur qui leur manquait, elle sera là aujourd'hui parce que ça sera très important. Et finalement, 5 games, ça va vite. Il ne reste pas beaucoup de chance pour rebondir. On va passer sur le deuxième BO maintenant. On va commencer par une vidéo de Faker, justement, qui revient. Ah. Oui, de fanboy avec moi, je suis obligée de vous mettre une vidéo de Faker. Non, Faker, c'est l'ennemi aujourd'hui. C'est l'ennemi aujourd'hui. C'est l'ennemi. Je suis pas sûre que ce soit l'ennemi pour Chips. Mais bref, il nous parle de ses expériences en championnat du monde et justement du parcours qu'il a eu. On vous laisse regarder ça, on en parle juste après. 경험이 경기력에 직접적인 영향을 주진 않지만 저는 경험으로서 이제 더 실패하지 않을 확률을 높여준다고 생각하거든요. 제가 지난 월드에서 얻었던 경험들을 바탕으로 앞으로 어떻게 하면 더 실패할 확률을 낮출 수 있을지 그런 부분이 가장 경험의 큰 장점인 것 같습니다. Autant j'ai énormément d'admiration pour le parcours de Faker et le fait qu'il arrive à rester aussi bon après toutes ces années, mais quand j'entends quelque chose comme ça, ça me fait très peur pour Splice. Oui, faut dire, le dernier championnat du monde qu'il a fait, il s'est pris 3-0 en finale, donc il y a eu des larmes pas de joie cette fois-ci, donc je pense effectivement qu'il doit être archi vénère. Voilà. Quand on est Duke et qu'on va rentrer sur scène là, pour jouer contre Esketi, qu'est-ce qu'on dit aux joueurs selon vous? Encore une fois, le truc c'est qu'on sait que tous les joueurs Splice sont contents de jouer contre SKT. Humanoid est un joueur au profil assez particulier. Les gens s'en rendent pas compte, mais il a parfois du mal il a parfois du mal à être hyper concerné par les événements. Impliqué. Et Duke m'a quand même dit, il est grave hypé de jouer contre Faker. Je crois que c'est la première fois de l'année que j'entends dire que Humanoid est hypé pour un truc. Ouais. C'est exact. Donc c'est bon. Quand même incroyable. Ça veut dire que peu. Je sais pas si ça va bien se passer pour lui, mais en tout cas, il a envie, et avec de l'envie, des choses peuvent arriver. On a parlé à Duke, justement, il y a deux jours, il nous enregistrait une petite vidéo pour parler du résultat du tirage au sort et justement de leur réaction à ce quart de finale. On vous laisse regarder ça. Salut à toute la communauté française. On est à deux jours, à l'heure où je vous parle, de jouer contre SKT, toujours en préparation. Alors, à quoi on peut s'attendre de Splice contre SKT? Je sais qu'on n'est clairement pas favori sur le papier. Je pense par contre que on a beaucoup plus de moyens de faire quelque chose que ce à quoi les gens peuvent s'attendre. D'une part, on va jouer plutôt a priori sans pression, ce qui est un gros point fort pour nous. On a beaucoup de mal à jouer contre des équipes contre qui on est censé gagner. Mais à côté de ça, on performe plutôt bien contre les équipes qui sont censés être plus fortes que nous. On aura avoir le public derrière nous, je pense, et le public aussi bien dans la salle que ce qu'on peut recevoir sur Internet et notamment au travers du public français. Donc je vous remercie beaucoup. Je pense que ça peut nous aider. À côté de ça, je pense en termes de style de jeu, SKT, c'est peut-être une des équipes finalement qu'on peut le plus exploiter dans le sens où c'est une équipe relativement lente par rapport à d'autres équipes coréennes, une équipe peut-être plus prévisible. Et on a identifié certaines choses dans leur jeu qu'on peut certainement exploiter, que je ne peux pas parler ici, mais j'espère que quand le match commencera, on sera à même de les bousculer à ce niveau-là.
Donc je pense que voilà, c'est une équipe qui, je pense, qui est à notre portée. Si on joue, bien sûr, alors je suis pas en train de dire qu'on est favori du tout, mais si on joue à notre meilleur niveau, on peut au moins se battre, je pense, contre eux. Et nous, en tout cas, on arrive dans ce match, on est honnêtement relativement confiant. En tout cas très optimiste et surtout très heureux de pouvoir jouer ce match. C'est déjà incroyable pour nous d'être là. Tous mes joueurs sont, c'était leur rêve de jouer contre SKT, moi aussi. Et donc voilà, donc pour nous c'est d'une certaine manière que du bonus, mais je pense qu'on peut en surprendre, on peut en surprendre. Et donc voilà, je remercie tous ceux qui nous soutiennent, notamment sur Eugaming, où c'est vraiment je pense le plus gros soutien qu'on a pu recevoir pendant toute la compétition. Et en espérant rendre l'Europe et la communauté française fière de notre performance. Je sais pas ce qui lui fait dire ça. Je vois pas aucun rapport. Non, mais de toute façon, il va pas dire qu'il est pessimiste par rapport à ce match. Ça n'aurait pas de sens. Mais je suis contente de voir qu'il y a des trap-cards réservés Ouais, quand même. il a l'air d'avoir trouvé quelques petits détails sur lesquels appuyer. Puis de toute façon, pour les joueurs, ils sont sans pression. Mais attention, faut relativiser une chose, c'est que si tu perds sèchement contre Faker, tu te retrouves dans un best-of pendant 10 Ouais, ans. pendant 10 ans, genre Ryu, je pense qu'il s'en rappellera Voilà, toute donc sa faut quand même, life. Sans pression, d'accord, mais attention finalement à pas marquer Mais l'histoire dans le regarde, mauvais sens. c'est quand personne n'a d'attente de Splice que finalement l'équipe performe le mieux. Donc quel espoir pour ce matin? J'ai pas envie de dire un 3-0 sec comme ça. Je pense qu'ils peuvent au moins prendre une game. Si c'est le cas, comment ils le font, Chips? 3-0. Bah, les flex picks pour compenser contre SKT. Alors, je pense justement qu'au jeu des flex picks, Splice a quasiment aucune chance. Non, ça, mais c'est vrai. Ça a l'air un peu plus compliqué. Non, mais oui, c'est vrai. Après, ils ont quelques flex sympas. On tu vois, sait qu'ils ont des trappes. Il y a Syndra, par exemple. Flex pas comme les autres. On les a vus jouer Syndra mid-bot. Il y a un pick comme Tristana, même si Manuit, c'est vrai, a pas été très convaincant sur Tristana. Le problème justement pour Splice, c'est qu'ils ont une capacité de flex très limitée, je pense, par rapport à Akali, ils peuvent pas la flexer. Ryze, pareil. Non, mais C'est dur. Kobe peut jouer des trucs intéressants au bot. On sait Oui. qu'Humanoid est très très bon sur les champions ce qu'il est. Xerxe, on rappelle qu'il a un Ivern, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui n'ont plus qu'un Ivern. Enfin, je sais pas. De ce côté-là, je pense qu'il y a des choses à faire. Selon moi, le gros problème, ça reste quand même la top lane. Ou si ces trois champions sont bannis, à mon avis, ça va être compliqué. Puis ça reste le calibre des joueurs aussi. Il faut dire ce qui est. On a quand même des joueurs chez SKT qui ont certainement un potentiel plus développé aujourd'hui que celui des joueurs Splice. Et ça, forcément, dans un BO5, ça va beaucoup compter. Et quand tu vois la méta telle qu'elle est faite actuellement, où tu vises à vouloir du scaling, tu ne veux pas jouer le scaling contre SKT? C'est une mauvaise idée de manière générale, effectivement, et ce depuis 2013, de jouer scaling contre SKT, et je ne pense pas que ça ait vraiment changé aujourd'hui. Après, avec une bonne draft, tout est possible. Mais le problème, c'est que je pense, enfin, le decision making de SKT est beaucoup plus décisif team fighting en late aussi, game, leur team fighting aussi. C'est compliqué. Honnêtement, Splice, la réalité, c'est qu'ils ont rien, tu vois, quasiment en arrivant dans ce match. Mais j'ai envie d'y croire. Ils sont à main nue, mais une bonne prise, tu vois. C'est ils ça. Sont à main nue. Un bon coup dans la gorge au bon moment. Une bonne prise sur le tank SKT, ça peut le faire. C'est ça. Qu'ils soignent leur mid-game. On leur souhaite beaucoup de chance en tout cas. La cérémonie d'ouverture, ouais, c'est super beau. Mais les fans espagnols font partie des meilleurs. Je ne vais pas dire les meilleurs parce que dans 2 semaines, on leur prouvera qui sont les patrons. En tout cas, ça va commencer dans très peu de temps. On vous laisse avec la cérémonie d'ouverture. À plus tard. Having experienced players in your team just gives you an advantage because you kind of know how they're going to perform in those situations when it matters the most. It's important to have trust in your veterans and they're going to do your job. Oh! Look away! The solar flare! G2, they're pushing in for the win! G2는 내 경험이 좀 많은 선수들이 있는 것 같아서 좀 불리하다 생각할 수도 있는데 그런 게 중요한 부분도 있긴 하지만 충분히
실력으로 채울 수 있다고 생각하고 있어요. And this is going to be an explosion. Such a great kick flash. Bosco Canyon finds the shy. That's an easy kill. The hottest new team on the block coming straight from Korean Challenger. Damwon Gaming, they are aggressive. And they have strong individual players. Now the shy gets blown up by Showmaker, who is putting on a show. We are much more versatile than them. I think we are stronger than them. And no one would have ever said that it would have been Splice to get out of groups. And there is no reason not to believe that this Splice team cannot upset the apple cart. So I always respected SKT and Faker was my like favorite player. So now we are playing as SKT. It is Splice taking on SK Telecom T1. No one expects us to win, but maybe that will be our biggest strength. Can we bring to fall the giants? Can we make the final call? There's upsets almost every world, and maybe it will be Splice. Power's gonna chase him. He goes golden, but he's not gonna live for too much longer. Zazzy, roar! He says, six in the bank. They will not be stymied. They will not be stopped. They are going to Madrid. Bienvenidos otro día más, domingo, al segundo día de los cuartos de final. Ayer vivimos la victoria de los equipos chinos, tanto de FunPlus Phoenix como de Invictus Gaming. Hoy vamos a tener aquí a dos equipos europeos. Muchísimas gracias, amigos. Os quiero mucho a todos, os estoy viendo. Tranquilo el señor de Riot. Vamos ya con la presentación, porque tenemos aquí al primer equipo europeo. Tenemos con nosotros a Splice. En la top lane, Ishichachi. En la jungla, Serse. En la calle central, Humanite. Como tirador, Kobe. Como support, Norskaren. Suplentes, Sharp y Orome, entrenador Duke. Y enfrente, amigos y amigas, viene el tres veces campeón del mundo. Me da bastante miedo, ya veo caras de miedo en el público. Tenemos a SK Telecom. En la top lane, Khan. En la jungla, Kleet. En la calle central, el mejor jugador de la historia, el mejor jugador del mundo, la auténtica leyenda, Faker.
como support y como sustituto Mota y Haru y como entrenador Sefa F. Manu. Amigos y amigas, todo preparado para que empiece el tercer cuarto de final, SKT contra Splice. Muchas gracias a todos, disfrutad, hasta luego, adiós. C'est l'heure d'un match de légende SKT Telecom T1 contre Splice, mené par l'homo Draftus, mi-homme, mi-draft, un best of five. Avec une de nos deux dernières équipes européennes en lice prétendant au titre. Incroyable, Noah. Duke qui va affronter les SKT de Coma. C'est très très impressionnant quand même d'être arrivé déjà jusque là. Une équipe qui va avoir fort à faire. Énormément de travail pour en arriver à ce point-là, mais il y a tellement plus à montrer pour arriver à battre SKT. Il va falloir être incroyablement bon. Le nombre d'équipes ayant battu SKT en best of five se compte voilà, sur le doigt d'une demi-main et demie. Ouais, même pas besoin d'une main entière pour compter les adversaires qui les ont vaincus. L'équipe la plus forte de tous les temps de League of Legends, l'équipe imbattable ou réputée imbattable en best of five, une équipe favorite au titre de champion du monde, un quatrième titre de champion du monde. Et c'est dans ces conditions que vous allez devoir voter ici, maintenant, avec Axe, notre partenaire qui vous fait gagner des places pour les championnats du monde à l'Accor Hotel Arena à Paris le 10 novembre. Voilà, cliquez sur votre écran avec ce petit carré qui va s'afficher. Bon, est-ce que, on en a pas mal parlé en pré-show, est-ce que c'est quelque chose d'imaginable? Est-ce que même prendre une seule partie, c'est imaginable? Duke nous a laissé un petit message en disant on peut essayer d'exploiter la draft. C'est vrai que SKT est une équipe lisible, ce n'est pas parce que tu arrives à bien la lire que tu vas pouvoir faire quelque chose contre leur style de jeu froid, mécanique, parfait, sans aucune erreur. Des SKT notamment qui ont décrété en plus avoir fait des erreurs en early game, avoir perdu leur concentration et du coup ayant pour volonté de ralentir le jeu, de finalement les toutes petites fenêtres qui étaient là, de ne plus les laisser disponibles. Je pense, écoute, il y a un adage qui dit tout le monde savait que c'était impossible et il y en avait un qui ne le savait pas et qui l'a fait. C'est un peu ça le challenge de Duke et de son équipe. Honnêtement, l'avantage, quelles sont les, on va dire, même pas les forces, mais quelles sont les opportunités qu'on splice dans cette série. SKT, comme l'a dit Duke, c'est une équipe qui joue un peu plus lentement. Donc c'est une équipe qui va laisser de la place aux splice de développer leur style de jeu. Donc on va avoir quand même une opposition de deux équipes qui n'ont pas l'habitude de terminer leur game en 15 minutes. En l'occurrence, SKT est quand même beaucoup plus propre, que ce soit sur le laning, dans la finition, etc. Mais on ne les a pas vus non plus invincible dans la phase de groupe. Non. Ils ont perdu contre un Fnatic qui a un petit peu accéléré le jeu. Et la méta actuelle, dans certains pocket picks, par exemple le Vega hier qu'on a vu des Fnatic, peut poser des problèmes à des équipes asiatiques qui n'ont pas forcément l'habitude de voir ce genre de champion sur la fin de l'invocateur. Par Splice, à la voilà. Lane, ça fait partie du champion pool. Alors, on pense à Kobe, mais aussi de Humanoid. Et je pense que c'est des petites forces, mais moi, je repense toujours à Misfits parce que je me souviens très bien de l'état d'esprit qu'on avait avant que Misfits en 2017 versus SKT commence. On s'est dit, c'est impossible. Il y a eu 3-2. Il y a eu 3-2, ça s'est joué sur un dive raté sur la game 4. Mais il y avait une balle de match pour Misfits. Et c'est SKT Iva qui fait venir une Miss Fortune Leona du côté de la duo lane. Donc c'est jamais impossible, mais c'est pas évident. Et on a un ban d'Akali, on est parti dans cette draft. L'Akiana respecté pour les SKT. Deuxième ban pour les Splice. Pas de Panthéon ban pour l'instant, intéressant. Ouais, ça va arriver dans la foulée normalement. Le troisième ban, surtout la question du troisième ban côté SKT, c'est je pense sur la Xayah. Est-ce que oui ou non on va laisser voilà, cette Xayah à Kobe? La réponse est non. Pour moi, c'est un des picks les plus dangereux pour SKT Telecom T1. Ouais, c'est, de toute façon, Xayah est vraiment vraiment trop forte actuellement sur ce patch. Meilleur encore que Kai'Sa parce qu'elle a absolument tous les outils quoi, offensif, défensif, laning, portée, Panthéon. Et là, on a beaucoup d'options, notamment Kayle qui est disponible. C'est ça. La Kayle sans Ryze, très intéressante. On va prendre la Kai'Sa qui est... C'est Eddy qui s'est exprimé en interview sur Xayah Kai'Sa. Il a dit, pour gagner la game, le mieux c'est Xayah, mais je préfère Kai'Sa parce que ça permet deux dash-in dans la backline. Voilà, ouais. Il a dit, voilà, c'est sa petite préférence à Teddy. Du coup, on lui a retiré pour Kobe.
Bon, ils s'attendaient probablement à un first pick de la Kaisa. Et on va prendre Tresh et Elise du côté des Coréens. Elise, un pick très intéressant puisqu'elle permet de dive sous les lanes en fait. Et c'est comme ça que les équipes coréennes aiment prendre l'avantage en début de partie dans les 15 premières minutes de jeu. Alors, qu'est-ce qu'on va aligner du côté Splash avec un boomside, je pense, qui est dur à jouer contre Essieti, qui dispose de très très nombreux flex. C'est pas évident, surtout que a priori, pourrait laisser la speak pour Khan. On va prendre Gragas contre Eddy, ça. Et c'est Gangplank, un match classique. La question, alors que après Gangplank, on sait Kale. Que ça peut se faire maltraiter par beaucoup de choses. Kale pour avoir le Kale, Kaisa, s'ils l'ont, je sais pas s'ils sont capables de le sortir, Splice. Mais je pense que c'est une très bonne porte de sortie late game, le R de Kale sur la Kaisa dans la backlane. Et on a vu que du côté de Esketi, Kale, on n'hésitait pas à la jouer. Ce serait un GP pour Splice, visite Chachi sur un champion de cœur. Ce qui veut dire, parce que ce Gangplank a 99,9% de chance d'être au top, ils peuvent matcher Draven. Voilà, on en parlait. Draven Tresh, on en parlait pendant pas mal de temps pendant cette phase de groupe. Eh bien, c'est loin de l'idée d'un Esketi qui dit de vouloir fermer le jeu en early game. Hein. Voilà. On est très très loin de cette idée-là. Bon, ben, ça va bouger sur la duo lane. On n'a pas encore vu le support du côté de North Curren. Un petit Blitzcrank, un petit Pike. Je verrais bien, bro. Je verrais bien contre Elise, contre Elise Draven, même si c'est pas super méta et que Tresh a le match-up support contre Braum. Je pense que, après, je sais pas si tu gagnes la lane. Je pense que tu perds la lane de toute façon, parce qu'il n'y a pas un match-up support qui va te permettre de prendre l'avantage sur Tresh avec une Kaisa. Non. Tu peux prendre Blitzcrank en espérant essayer de trouver un bon grab sur un champion qui est pas si solide que ça, en l'occurrence Draven, mais c'est pas évident. Un ban de Vladimir ne me dérangerait pas là du côté Splice. Ouais, ban Vlad. Le problème, c'est que Gangplank, aussi blindable soit-il, il a quand même pas mal de counterpick. Oui, et dans les hard counterpick, je préférerais voir un Gnarr du côté de Khan, quand bien même c'est tout aussi dur à jouer, qu'un Vladimir qui peut ensuite détruire les fights. La Syndra qui est ban contre Humanoïde, est-ce que c'est une petite Leblanc? C'est vrai que Leblanc a l'air pas mal. Pas grand chose qui détruit Leblanc actuellement. T'as toujours Galio qui est pas trop mal, mais c'est avec Gragas, Kaisa, t'as pas envie d'avoir un Galio. Kale qui est ban du côté de Splice, je pense que ça aurait été un bon combo de leur côté, mais c'est vrai que c'était quand même 3 lanes faibles en early, parce que si jamais derrière SKT prenait un champion qui push le Gangplank, ça aurait pu être compliqué. Oh, Lucian, non, Vlad, ça sera Vlad, Tom. Ah, Vlad, Lucian. Oh, Khan. Alors, je pense que c'est pour Khan. Ouais. On est parti pour vouloir détruire Splice en early game du côté des SKT. Très bon scouting de la part de SKT, ceci dit. Ils l'ont préparé, ça. Le laning était probablement la point faible de Splice. On s'est dit, bon, on a des très bons laners. On va les mettre sur des picks qui détruisent la lane et on va pas leur laisser déployer leur macro. Et là, ça peut être très compliqué. Là, le blanc du Manoïde, très bien. Faker n'aura aucune pitié à vouloir jouer un Galio ou quelque chose qui prend un Sion ou quelque chose qui prend la priorité au mid. Alors il nous manque le pic du support pour North Curren. Et effectivement, le Braum me paraît de plus en plus pertinent. Et je pense qu'il va, partir sur Blitz. Oh, le Blitz. Oh, allez, c'est parti. Le Blitz. Allez, le Blitz. Yes. Allez, quel contre pic. Un Tresh. Quel pic contre Faker. C'est vrai que Lux Aftershock, pourquoi pas. C'est vrai que c'est pas trop mal. Mais Lissandra, a priori. Lissandra pour Faker, voilà, on prend aucun risque. Attention, hein. Attention, parce que on a déjà vu Manoïde dans le même match-up. Bon, c'était pas la même Lissandra. C'est pas la même Lissandra, mais il est capable de prendre l'ascendant sur ce genre de match-up. Forcément, c'est Faker, on a du mal à y croire. Alors, état des match-up. Top lane, Vizicetti se fait enfoncer. C'est très compliqué. Par contre, si Khan meurt en early game, le Lucian est quasiment injouable. Parce qu'une fois Gangplank atteint sa trinité, c'est très très dur de trade. Middle, Humanoïde a le contrôle de la lane. Maintenant, s'il fait une erreur, Faker peut prendre un très bon 2v2 avec et lead. La cleanse, c'est obligatoire. Hein. Lissandra et Diz, ouais. C'est de la cleanse à gogo pour tout le monde. Ceci dit, c'est pas terrible de jouer Lissandra avec Kélis parce que tu te fais contrer par les sandales de Mercure early. Sandales de Mercure early, c'est très très compliqué de jouer contre ça. Et au niveau du bot side, Teddy et Effort vont push, mais l'avantage que t'apporte le Blitzcrank, c'est que normalement ce que t'as envie de faire, c'est que t'as envie de siège normalement avec Tresh et Draven. Et contre un Blitzcrank, c'est tellement dangereux. En tout cas, Splice contre SKT, potentiellement un match de légende. Dukers, Dukette, votre quart de finale commence.
Spice contre les triples champions du monde. Le rêve de tout Dukeuse et tout Duquesne. Voilà, on va pouvoir soutenir cette équipe européenne de la façon la plus impartiale possible, bien sûr. À 100% au niveau des Masteries, rien de particulier. Rien non, de particulier. Absolument rien de, d'étrange. Presse d'y attaque. Ce qui est, il le tente. Rien. Le presse d'y attaque, quand même, pour Teddy. C'est pas toujours, toujours presse d'y attaque. Après, tu peux jouer Draven. C'est vrai. Tu peux le jouer avec pas mal de Masteries, Draven. Mais bon, c'est vrai que presse d'y attaque, c'est quand même le plus courant. Khan, presse d'y attaque sur Lucian, classique aussi. Donc, match-up assez simple à comprendre. Khan a le build wave en early, c'est-à-dire qu'il va, il va construire une énorme wave. Il va essayer d'en crash 3 quasiment sous la tour de Vichachi qui peut absolument rien faire. Et on a une Elise. Et après, on a une Elise qui va venir dive. Si Vichachi défend le dive, il va pouvoir jouer sa game. S'il défend pas le dive, il va pas pouvoir jouer sa game. Ça va être un massacre. Donc maintenant la question c'est, est-ce qu'on laisse Vichachi en autonomie, c'est, est-ce qu'on essaie de compenser avec Xerce, Xerce qui va partir topside, donc il va se retrouver vers le bot side. Ça veut dire que normalement il n'est pas censé avoir la priorité bot, la priorité mid. Donc le Carapateur va être assez dur à jouer pour Xerce. Xerce, il va pas avoir un early game très facile. Hein. Je pense que Leblanc a la wave control depuis les nerfs de Lissandra en early. Je suis pas certain, mais je pense qu'avec la voilà, si elle auto-attaque la wave, elle peut prendre le contrôle. Tu peux prendre la prio contre, tu te vas trade HP contre prio et vu qu'il y a potion de corruption, c'est pas trop grave. Et on a par contre un start blue side de guerrier, c'est-à-dire qu'il va pas terminer son clear au niveau de cette top lane. Attention à ça. Est-ce qu'on pourrait essayer, c'est la question que je te pose, de jouer en vertical jungling du côté et d'exercer sur les premiers niveaux d'un gangplank qui harasse au pourparlers? Je sais pas pour si mettre va avoir la pression sur Khan. C'est je une pense question, que tu hein. peux, je crois non, pas trop. Tu peux, mais généralement tu veux faire un tu veux forcer le vertical au niveau 1. Et pas trop en allant le cheese, voilà, Humanoid qui prend niveau 2, tu vois, avec l'auto-attaque, il a réussi à mettre un bon trade sur Faker, Electrocute qui proc pour le mid laner des Splice. Par contre, voilà, Vichachi qui va souffrir, qui est parti au double niveau. Hein. Ouais, bah, il a pas trop le choix, puis même pour les barils, hein, c'est extrêmement compliqué à gérer, puisque bien forcément c'est un double hit sur un baril après quoi que ce soit du côté de Lucian. Donc il faut avoir un timing absolument parfait, la tentative de effort sur le niveau 2. Voilà, pression de lane à peu près partout en faveur de SKT. Ouais, après c'est intéressant parce qu'Humanoid, regarde, il a Cookie et il a une potion de corruption davantage. Hein. Bon, regarde, Faker a déjà craqué ses 3 potions de corruption, le midlaner des SKT. La Elise qui arrive au niveau du top side, la wave qui a été construite contre le gangplank de Vichachi. C'est parti pour Clid, il vient de prendre son niveau 3. C'est un moment extrêmement important dans cette game. C'est l'heure du dive. Et maintenant, est-ce que Vichachi va s'en sortir? Ils sont au courant, il y a Faker aussi qui décale et Vichachi va être obligé d'abandonner sa lane. Il n'a pas le choix, Vichachi, s'il reste, il meurt. Ouais, je pense que c'est su. C'est su, et c'est lu. Il n'y a pas de TP aussi. Hein. Donc, Humanoid ou Kobe, ça joue Cleanse, ça joue Heal. Donc, Humanoid, il est vraiment. Enfin, Vichachi est vraiment seul dans son triste sort et il décide de défendre. Ça va être compliqué. Donc, on a un grab. Un grab et un gant. Peut-être on n'arrive pas à prendre la lanterne pour Teddy. Il pourrait avoir first blood. Teddy qui va s'en sortir. Qui s'en sort et Vichachi comme prévu. Joue 1 contre 3 et se fera first blood en perdant une énorme vague de sbires. Ouais, c'est assez étonnant ce start de Xerce. Je pense qu'ils se sont dit, on peut shut down le Draven. S'ils veulent jouer topside, ils ont deux lanes qui sont très comment dire, volatiles. On va essayer de punir le botside pendant qu'ils punissent notre topside. Le problème, c'est que là, c'est pas passé du côté Splite. On revoit cette action. Mais ça, c'est garanti. Hein. C'est une mort annoncée pour Vichachi. Voilà, il va essayer de dodge ce qu'il peut, mais il arrive en ligne droite. Il a essayé de farm, on a vu le pourparler partir sur le creep. Il a essayé ce qu'il pouvait, il s'est dit bon, perdu pour perdu. Et là, il revient à pied. Hein. Il sait que s'il TP et que la Lissandra ou l'Elise sont toujours là et qu'il reprend un dive, pour le coup, c'est pas uniquement sa lane qui est perdue, c'est la game. Ouais. Le Humanoid, lui qui a pas de TP, donc il y a du bas, crash la wave, il revient à patte sur cette mid lane, il a quoi 4 CS d'avance sur son adversaire, il part sur son Lodge Chapter, il va avoir un léger avantage en termes de mana, mais en face, Faker a pris un assist, il est pas trop mal économiquement, ils ont pas perdu grand chose les SKT pour prendre cet avantage. Non, c'est 1000 gold, hein, c'est 1000 gold, faut voir si on arrive maintenant qu'il y a plus de flash, plus de heal sur la duo lane en fait, et qu'on a abandonné hein, clairement Vichachi pour essayer de compenser sur cette duo lane, eh bien je veux que Xerce. Il retourne encore et encore et encore. Là, c'est là pour le coup, c'est vraiment tout ce qu'ils ont à faire, hein, les joueurs de Splice. Après, il n'y a plus de flash sur le Gragas. Voilà, c'est ça qui est compliqué pour les Splice. C'est qu'il n'y a plus de flash pour faire un body slash into grab. Donc, c'est pas aussi facile que ça d'aller mettre en danger. Pendant ce temps, Humanoid qui subit un petit peu la pression de lane, la OE. Je pense que voilà, dans les trois premiers niveaux, il pouvait prendre la prio. Maintenant, ça va être pour Lissandra. Et jusqu'au moment où il va avoir son Lost Chapter et pouvoir commencer à lui mettre des phases de burst répétées. Vichachi qui revient sur sa lane. Pas la meilleure phase de lane pour lui, mais bon, il est pas trop loin derrière Là, il se fait freeze, il peut vraiment pas trade.
Il appelle plus, le Gragas. On est sur une double lame de Doran. Il appelle effectivement Xercé à la rescousse. Il n'y a pas de ward du côté de Khan. Ça fait dur tout de même de trouver un gank efficace. On met la ward pour Xercé. Très bonne ward hein, celle-là. Ouais, c'est excellente ward. A priori, la wave est en train de. Il pourra pas crash sa wave là. Il y en a une suivante qui arrive. Il faut de l'aide. Voilà, il faut de l'aide de Xercé. On n'y va même pas pour un gank. On vient juste pour un push. Il y a Clyde en plus qui est dans le coin. On n'a pas l'information sur Clyde, par contre, attention au 2v2, hein. Là ça peut être catastrophique, ils l'ont pas vu, ils sont fait poc, et Vizicacci n'a pas de... Il a son flash Vizicacci, il va peut-être devoir flash, et finalement on se retourne du côté de Xercé, on prend la cible facile qui n'a plus d'escape, on voulait juste crash cette wave, on voulait juste permettre à Vizicacci de lane. Yep, mais ça, c'est la Bérésina noire humanoïde qui peut essayer de peut-être dynamiter un petit peu les choses sur cette mid lane. Le problème c'est que c'est une Lissandra. Avec un niveau 6, compliqué, mais voilà, les phases de burst vont se répéter en faveur du mid-laner des Splice. Et Vizicacci qui devient eh bien, un poids mort désormais pour la compo. Ce Lucien activé 2-0 désormais avec Clyde, très intelligent. Il a vu, cet autre push de Xercé et s'est dit, mais j'accepte absolument pas ça. Et Vizicacci n'a pas les moyens de prendre ce 2v2. Non, c'est puni. Ouais, trop low, le 2v2 est un peu dur, on a pris de l'avance, en plus on a un red buff sur Khan, hein. Là on récupère le red buff, donc niveau 6, Clyde qui arrive. Ah, il est mort, il a un flash. La persécution sur Vizicacci est assez énorme. Ah bah de toute façon, les SKT, comme on l'a dit, ils ont bien fait leur devoir. Hein. Lane agressivité early autour du top side, l'objectif c'est de faire exploser Splice tout en prenant un bon match à bot side. Derrière Vizicacci qui se retrouve à ne plus farmer, il se fait freeze, voilà, il peut plus jouer. Il peut plus jouer sa game, Vizicacci, il peut plus faire les camps parce que Clyde est dans la jungle de Xercé. Parce que normalement quand tu te fais freeze comme ça, tu fais les camps de ton jungler. Là tu peux même pas le faire parce que t'as Laelis qui est en train de dire mais attends, je suis plus fort que toi à ce moment de la partie. Donc Vizicacci, il a rien à faire. Il est comme nous, il regarde la game. Ouais, c'est ça. Et là on le voit, un Khan. Khan qui a 1000 gold d'avance sur Vizicacci. Ouais, North Current est en train de battre Vizicacci au gold. Hein. Enfin, il est en passe de le battre au niveau des golds. Alors, bon, on va essayer de donner aussi un petit peu ce qui se passe bien du côté des Splice. Le bot side se passe bien, 55 CS à 48 en faveur de l'ADC européen. Donc c'est plutôt bien pour cette Kai'Sa qui est dans un match-up très difficile avec ce Draven. Dans la jungle, c'est pas trop mal pour Xercé, mais c'est pas non plus extraordinaire. Et la mid lane se porte plutôt bien. Le mid-bot, probablement la solution pour les Splice. Ouais, le problème, ça va être quand on va avancer dans le mid-game, quand il va y avoir des regroupements au niveau de SKT, hein, quand il va falloir jouer les objectifs, hein, et que Khan va commencer à bouger, ça va être dur. L'agression sur le bot side, est-ce qu'on a un grab à trouver? On va pas le tenter, il y a un décalage de Faker, on n'a pas l'information sur Clyde, donc c'est un move qui peut être très dangereux pour les Splice. On arrive à trouver Faker, et on enchaîne. Faker, il a encore un ulti. Faker, il va essayer de partir avec une griffe, il est suivi par Humanoïde. Faker qui va temporiser qu'un ulti, et on va l'attendre à la sortie, il a un flash encore. Il y a l'arrivée de Clyde, ils ne peuvent pas aller plus loin les joueurs de Splice bot side. On a eu un trade entre les deux duo lane à l'avantage encore une fois des joueurs européens. C'est bien ce qu'ils font, ils essayent de dynamiter ce bot side. Les joueurs Splice top side, bon bien sûr la maison est toujours en feu, 30 CS d'avance pour celui-ci. Deux d'écart. Mais bon voilà, une fois que Vizicacci va avoir son niveau 6, voilà, il va pouvoir clear les waves. Oh, c'est bien joué. Et un flash gratuit, l'arrivée de Kobe. Flash out en voyant Clyde. C'est très très bien suivi. On en a besoin de ces petits moves car on a quasiment déjà 2000 gold de retard en faveur de SKT. Ouais, les SKT qui ont décidé de changer de visage dans cette early game, cette pink ward. Mais on arrive du côté de North Current peut-être pour un grab. C'est bien dodge du côté du support des Splice. La téléportation du côté SKT, c'est attention Xercé. C'est Khan, Xercé c'est qu'il est mort. Il arrive à trouver peut-être sur Clyde la suspension, est-ce qu'on peut finir Clyde? C'est Clyde qui tombera. Les Splice prennent des kills, il reste Khan. Le point chargé de Khan. Humanoïde, un PV, l'arrivée des forts, ça ne passera pas, mais ça laisse du temps à Vizicacci sur ce top side. Vizicacci qui est obligé maintenant de récupérer son retard. Quelle phase de jeu en faveur des Splice. Ils sur sont le là. Bas de la carte noire. Ils répondent présent face à SKT. Cette ulti de Teddy qui aurait pu prendre, et Teddy qui meurt, il perd des stacks. Teddy là-dessus, il perd des stacks. Et un Draven qui est derrière, c'est très compliqué à jouer. C'est très très compliqué parce que Draven il a besoin d'être oppressif. Et là, Effort qui vient essayer de récupérer la vision. Quelle vista de North Current. Tu vois le joueur, tout de suite le grab, le Kobe, qui utilise l'ulti, qui flash out. Et derrière, cette phase de jeu, North Current qui joue très très bien hein, cette early game. C'est le point chargé. Alors dommage pour ce grab, mais c'est suffisant. Xercé aussi. Hein. L'ulti de Xercé là qui tue Clyde. Littéralement, ça tue Clyde. Et là, l'arrivée du Manoïde en plus. Quelle mobilité là de Splice sur le bas de la carte. Et ça se joue à rien. Electrocute qui passe. Et c'est pas la seule bonne nouvelle de ce trade. La deuxième bonne nouvelle,
c'est que on a pu souffler pour Visit Chachi, voilà, hein, c'est très important. On a pu récupérer un tout petit peu de femmes, même si c'est pas grand chose, c'est déjà ça. Il peut même récupérer un kill, un assist avec une canonnade. Non mais c'est parfait, hein. C'est absolument parfait pour lui. C'est les petites victoires, hein, qui font la différence sur League of Legends. Et l'écart gold toujours en faveur des triples champions du monde. Khalid, au niveau du top side, bah oui, il profite de la priorité de son top laner pour aller faire le héros de la faille. Bon, Vizicacic qui peut toujours pas lane, le pauvre, mais sur le bad side de la carte, ça se passe pas trop mal. On espère que cette Kai'Sa et cette Leblanc vont pouvoir mettre à mal la défense SKT. C'est pas le moment de mettre un Sion ou un Shogat dans les mains de Vizicacic, parce qu'il était attendu sur son gangplank, on voit la catastrophe. Alors, c'est bon, Vizicacic, on sait que c'est pas le joueur qui a le pool de champions le plus élevé, peut-être même le joueur qui a le moins gros pool de champions de tous les joueurs présents dans ces quarts de finale. Ouais, probablement. Probablement, et bon là c'est vu, premier tour récupéré à 11 minutes de jeu, c'est compliqué. Faker qui se fait harponner. Il peut pas réactiver sa chaîne, il sera attendu par exercer, il a un flash Faker, il aura pas le temps de l'utiliser, il va le garder Faker, hein. Il sait que ce flash ne le sortira pas de la mort. Ouais, c'est bien joué Vizicacic, par contre il se fait agresser par Khan qui est déjà au niveau de la T2 des joueurs européens, et on a un héros de la faille récupéré qui va pouvoir être droppé sur la midlane. Ça fait beaucoup de plaques, ça fait beaucoup de plaques en faveur des Coréens. Il va bouger, hein. Plus 50 CS, 3 kills pour Khan, ce Lucian va être tellement compliqué à gérer pour les Splice. Et là, on va jouer à 2 contre 1 quasiment dans la jungle pour Xercer et au mid pour Humanoïde. Il va falloir contrôler Lucian. Ce qui est bien, c'est que maintenant que la tour est tombée pour Vizicacic, il va pouvoir freeze, stack des waves. Et après, jouer un peu plus lui aussi avec sa team. Ouais, ce serait bien qu'il groupe, je pense. Là, quelle phase de jeu, encore une fois. Ça joue là où on est fort, du côté des Splice. Je dirais, contrairement à Fnatic, hier, on a bien reconnu que de toute façon, on n'irait pas sauver le soldat Vizicacic. On l'a laissé mourir dans la rivière. C'est ça, le bien commun. Et là, ce qu'il faut remarquer, ouais, c'est. Attention, Norskuren, le grab. Ah, il a tenté sur la lanterne. Oh, il l'a tenté. C'était tellement bien joué de la part du support. Par contre, on va aller sur le back de la Leblanc. Les SKT ont eu le temps de prendre le contrôle du bot side et d'aller chercher ce dragon. Pas de possibilité de contestation là. Du coup, du côté Splice, un dragon des montagnes, synonyme de baron, très tôt dans la partie, ce qui est une aubaine quand tu sais qu'ils jouent une compo très très early. Les SKT qui vont vouloir finir la partie, je dirais, à la marque des 30 minutes. C'est 1500 gold, allez, 1700. C'est comme ça, hein, qu'il faut voir ce match. Eh. On n'est pas si mal par rapport à ce qu'on pouvait anticiper. C'est minimiser les pertes. Ils ont des champions qui peuvent faire la différence dans cette partie, c'est sûr et certain. Faker joue Lissandra, ça ne veut pas dire. Voilà, il n'a pas un énorme scaling. Elise, c'est pas le meilleur scaling du jeu. Lucian, pareil. Ce qui va être dur, c'est comment Vizicacic va réussir à clear la wave sur le side face à Lucian. Ce qui est dur, c'est comment prendre les fights pour que Kobe puisse jump dans la backlane et aller chercher Teddy, sachant qu'il y a beaucoup de CC du côté SKT. C'est ces questions-là, mais s'ils sont conscients de leurs conditions de fight, les Splice, ils peuvent aller chercher les SKT dans ce mid-game. Bon, attention au contrôle de cette river. Voilà, beaucoup de vision qui a été mise en place du côté de SKT. Khan qui reste sur sa top lane pour faire peser le plus de pression possible. Voilà, on est en full push et après on va pouvoir décaler. Ce qui est bien, c'est qu'au moins Splice, il n'y a plus de héros de la faille pour leur menacer leur mid lane. Humanoïde a remarquablement bien tenu son match-up. Ouais, il a très bien joué son match-up. Après, il y a eu un roam niveau 3 de son adversaire, il n'a pas vraiment eu à jouer la lane. Mais Faker est pas là pour jouer la lane, il joue Lissandra s'il a envie de jouer la lane contre une Leblanc. Je sais pas ce qu'il aurait pu jouer puisque Syndra était ban, mais bon, je pense qu'il avait autre chose. Alors, les platings qui viennent de tomber sur la faille de l'invocateur. Désormais les tours sont fragiles et on va ouvrir la map côté bot side pour les Splice. Ça fait du bien, un peu de gold. On va pouvoir aller au niveau du top side, quitte à abandonner le dragon des nuages. Pas de problème pour Humanoïde, hein. Il a encore son dash. De toute façon, il a sa cleanse. Il a son flash aussi, Humanoïde. Il est très très safe. Alors, est-ce qu'on va renvoyer maintenant Vizicacic au bot ou pas? J'ai l'impression que ça part directement au mid pour les Splice. Je pense qu'ils veulent envoyer la duolène au mid. Leblanc sur le top side et Vizicacic sur le bot side. Ouais, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Leblanc, qui est un champion qui joue très bien sur les sidelines, puisqu'elle a deux dash pour s'en sortir. Lissandra aussi est un très bon champion de side, donc a priori ce serait Lissandra qui match Leblanc. Elle a la vision, ça manque d'un coup de brouilleur. Du côté des Splice, on en a combien? On en a deux. Même on a un seul brouilleur, North, j'ai l'impression, c'est pas suffisant. Il est vu Norskuren, il va rien se passer, le hook qui passe pas, Norskuren flash out immédiatement, bien joué
du côté du support. Le problème, c'est qu'il va falloir enlever la vision des SKT pour faire ce genre de phase de jeu. Ouais. Tu dois t'asseoir sur une pink ward quand tu es Blitzcrank. Et voilà, le blanc top, Gangplank bot et la duo lane avec le jungler au niveau du mid. 1-3-1, setup symétrique. Et on a le Lucian de Khan qui reste sur le top side. J'ai l'impression qu'il a la... Il a le power spike pour embêter cette blanc. C'est la question que je me posais, effectivement. Que donne le match-up? Je pense que s'il y a une seule erreur de place du Manoïde, une chaîne qui est ratée et qui passe à côté et qui ne touche, trouve pas sa cible, par contre, s'il y a un il se dash, fait chase. C'est pareil. Hein. Ouais. Si jamais le Lucien, parce qu'il a 0 RM contre une Leblanc qui a sa, comment dire, qui a Mercure, chaussure du sorcier et l'écho de Luden, c'est one shot aussi hein, pour Khan, donc il peut pas faire ce genre de move. Et d'ailleurs tu vois, hein, il est en train de faire ses krugs, il attend que la wave vienne sur sa tour et c'est priorité pour les splice sur ce topside. Est-ce qu'il a vu cette ward? Il a pas vu, hein. Il n'a pas vu qu'il y avait du monde. On vient aller récupérer ce red buff, on est en train de trade jungle, hein. Donc je pense qu'il se doute, Khan, qu'il y a quelque chose qu'il attend. Et le grab qui touche sur Khan et la série qui est récupérée pour Kobe. Shutdown, par contre c'est vu du côté des SKT, ils ne sont pas au niveau de cette mid lane, tout de suite ça ping. Côté red side, on veut aller défendre la mid wave et on veut essayer de l'attaquer. Faker et Clint sur le bot side de la carte. Ce Draven, attention, parce que voilà, ils ont fait la rotation. Les joueurs Splice, défense de la mid wave, prise de la top lane. C'est très bien joué ça, le mid game Splice qui se met en action. Pas de baron, c'est leur temps fort. C'est très très bien, c'est très très bien ce genre de move. Et Norskuren, hein, moi ça me fait vraiment plaisir de le voir avec ce visage. Norskuren qui a pu m'inquiéter pendant les group stage. Qui n'était pas forcément toujours au mieux de ses capacités. Et là, il nous signe un très bon early game. Et regarde la différence entre les deux ADC noirs. On a quasiment 30 CS d'écart, 3 kills. On a la Manamune et la Ginzu qui sont déjà récupérées pour cette Kai'Sa. On n'a qu'une soif de sang sur ce Draven. Teddy est très très loin derrière. C'est-à-dire qu'en termes de DPS dans les teamfights, un Draven soif de sang avec presse d'attaque, ça fait vraiment pas très mal. Donc c'est une très 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 bonne nouvelle pour les teamfights Splice, sachant que l'ulti de Gangplank dérange énormément Draven. Attention l'agression sur Vizichachi, mais il y a l'arrivée du Manoïde, attention, il y a aussi Khan. Khan en renfort, et Manoïde voilà, ne va pas demander son reste. On a eu l'information hein, grâce à la vague de sbires. Par contre, Dragon des Nuages, est-ce qu'on va le défendre côté Splice? On peut essayer à grand coup de Blitzcrank, Norskuren qui est encore vu. Hein. Il va falloir vraiment qu'il contrôle cette ward, il n'a pas de flash Norskuren, il n'a pas le droit de faire d'erreur. Ouais, ah, c'est bien. Xerce qui va utiliser son brouilleur. Oh, superbe. Superbe, rien à dire, anticipé. Vu et revu. Hein. C'est vu, revu. Il a dashin, le cocon l'attendait à l'arrivée de la part de Clid. Il a dashé dans un cocon vu le prédic de Clid. Ouf. Et bah, pas de dragon du coup. Hein. Pas de dragon. Pas de midliner, pas de dragon. Et peut-être plus de top lane aussi, enfin de mid lane. Est-ce qu'on va réussir à pousser un petit peu? Non, on va décider d'abandonner le dragon au détriment de la sauvegarde de cette T1. Sage décision pour Splice. Ouais, tu veux garder cette tourelle? Et ça fait un kill par contre, mauvaise nouvelle pour Draven. Ouais, ça fait un kill, il a pop ses stacks le Draven, donc il va être un petit peu plus fort. Après il est quand même relativement derrière, hein. Ça change pas grand chose aux forces relatives des ADC. Mais on voit que voilà, c'est quasiment un sans faute qui est demandé à Splice en termes de mouvement, en termes de vision, parce que derrière la punition elle est totale. Des SKT qui dominent mais qui ne sont pas non plus complètement en train de détruire la game. Non. Trinité qui va bientôt arriver pour Vizichachi, il y a toujours cette ulti de Gangplank qui est très gênant. Ouais, faut faire attention avec SKT, hein. Ils dominent pas jusqu'au moment où ils finissent la partie. C'est-à-dire qu'il suffit d'un teamfight hein, pour SKT, il suffit d'une erreur ouais. Pour que tout d'un coup la game se fasse plier en l'espace de 3 ou 4 minutes. Surtout qu'il y a un dragon des montagnes, hein. Ils l'ont récupéré, donc là ça va très très vite quand tu joues contre les très bonnes équipes coréennes. Chips bombait le torse avec fierté à chaque fois qu'il nous rappelait que SKT finissait sans Baron Nashor les parties. Oui, voilà. Mais c'est vrai qu'ils ont cette particularité, c'est qu'ils gèrent tellement bien la privation de vision. Ils arrivent à frapper les tours en fait en faisant des rotations très très rapides. C'est une des particularités de l'équipe SKT qui commence à faire une incursion dans le top side. On pense à ce baron justement, Noah. J'ai l'impression qu'ils vont essayer de terminer la game avec le baron cette fois-ci. On va essayer de deny le blue buff du Manoïde. Ah, c'est récupéré pour le Manoïde. C'est récupéré. C'est bien joué pour lui. Et on a vraiment... c'est très dangereux. Hein. Elise, Thresh, Elise, Sandra, c'est énormément de CC. Mais c'est la gang squad, mais ils sont un peu pressés par le temps. Et SKT, alors, quand bien même ils seraient très très confiants dans leur macro, dans leur teamfight, comme ils l'ont dit à de nombreuses interviews, en termes de scaling, Leblanc, Kai'Sa, Gangplank et même un Blitzcrank en late qui met la pression, parce que l'intérêt de Blitzcrank, c'est de réussir à faire des pick-ups sans jamais se mettre en danger. Et ouais, tant que tu n'as pas réussi... Ça arrive du côté Splice, Noah, je t'interromps, Norskuren peut-être pour un gramme.
Il y a les araignées. Un grab, il y va fort, la curling de Cannes en plein milieu. Norskeren n'a pas de flashy, le flash de Norskeren, il va y aller. Et c'est finalement Effort, le flash de Effort, Visicacci pris dans la Nova de Faker. Et le fight partira très très largement au SKT. Oh là là, c'était dommage. Mais c'est vrai que les Spiderlings qui empêchent le grab de ce Blitzcrank et derrière, c'est compliqué. Humanoid qui va se faire hook. Oh, c'est pas passé loin. J'y ai cru. C'est pas passé loin de la mid lane. Allez, les SKT désormais sur le Baron Nashor, tu en parlais. Il suffit de rien pour que le chaos technique intervienne du côté des joueurs coréens. Faker pour gêner Humanoid, l'arrivée de Kobe. Oh, Faker qui n'hésite pas à mettre la griffe. Il n'a plus moyen, il n'a pas trop de mana. C'est le moment peut-être pour le splice, le chaos du côté des SKT. Xerce est en retard, c'est Baron en faveur des Coréens. Pas possibilité de le défendre. Non, et personne n'exploite mieux un Baron que les SKT. C'est beaucoup de tours, beaucoup de souffrance qui arrive dans les 3 prochaines minutes de jeu. Sachant que, eh bien, on va avoir toujours Khan en split push, cette fois-ci avec un Baron Nashor. Et ouais, il a été rappelé à l'ordre par Effort. Ce grab qui coûte plus cher qu'autre chose pour Norskeren. Ouais, ce qui met tous les autres joueurs hors de position. Et derrière SKT, qui n'hésite pas, hein, tu vois vraiment 5 joueurs qui avancent à partir du moment où il y a eu le grab de Norskeren. Et tu vois, regarde les dégâts qui ont été faits. Le blanc, 0 dégâts. La Kai'Sa, 0 dégâts. C'est vraiment un fight complètement unilatéral en faveur des SKT qui récupère le Baron Nashor, qui porte les cargoles désormais à plus de 3k5 et qui désormais vont pouvoir récupérer cette mid-turret. Ça va devenir très très compliqué pour les Splice. Voilà, la tour mid. On va bientôt préparer les CLN ou alors ils décident de faire un énorme push au mid. Ah, s'ils défendent pas, ouais. C'est pas avec le wave clear de Norskeren hein, qui vont défendre les joueurs Splice. Il va falloir s'employer, on laisse deux tours et on push les sides. On va essayer de leur faire perdre du temps au SKT. Attention à ce genre de pari, là il va falloir back du côté du Manoid parce que ça va très très vite. Ouais, il aura le temps normalement. Oh, si c'est bon. C'est bien joué de la part des deux solo laners Splice. Si ça peut permettre de temporiser le push, ce qui est peut-être le cas, ce qu'il va falloir faire réavancer toutes les side lanes. C'est pas un si gros sacrifice. La terre était condamnée et il fallait au moins lâcher une T2. Ouais, bon, ils perdent 2k pour l'instant sur ce baron. Bon, la game est pas en faveur de Splice du tout, mais c'est vrai qu'ils ont minimisé leur perte. Tant que la base est pas ouverte, tant que les inhibiteurs sont pas tombés, il y a de l'espoir. C'est ça. Il va falloir tenir maintenant, il va falloir faire le dos rond un petit peu, aller chercher la dent de Nashor hein, sur Kobe. Il y est presque. Aller chercher le Rabadon sur Humanoid. Et essayer de faire des fights parfaits. Hein. C'est... De toute façon, il n'y a plus le choix maintenant, vaincre ou mourir. C'est sur un grab de Norskeren que viendra la lumière. Il peut en rater 25, s'il met le bon au bon moment. C'est exactement ça. Je pense que là, une cible privilégiée, c'est Teddy. Si on peut au moins brûler le flash de Teddy, ça change vraiment, vraiment la physionomie Khan, des fights. Khan, pas de flash aussi hein, sur une bonne phase de jeu. Et là, on prend que le Demolish pour Faker, Visicacci, qui vient défendre sa tour. Mais il est quand même relativement tanky Faker, hein. Il a le Zonia, il n'est pas très inquiété. Je suis quand même très étonné par contre du stuff du humanoïde et qu'il soit parti sur des bottes du sorcier au lieu de sandales de mercure. Il veut carry, il veut faire du dégât, il dit que malheureusement Visicacci est trop loin dans sa partie pour en faire. Kobe a peut-être moins d'ouverture que lui. Oh, ils y vont, humanoïde, peut-être le dashin, Kobe. Là c'est puni hein. C'est puni par un cocon instantané et on va devoir abandonner la dernière T2 du côté des Splice. Ça fait beaucoup de gold, hein, quasiment 7000 gold de retard. Ça pour c'est Splice. Vrai. C'est très 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 signature de SKT. C'est premier baron, c'est récupération de toutes les T2, prise de vision deep dans la jungle adverse, récupération des dragons et avec les cargoles, ils arrivent, ils time tes summoners et après ils te détruisent sur le timing du prochain baron. C'est ça. C'est vraiment vraiment caractéristique du jeu patient des SKT, là où tu vois beaucoup d'autres équipes. Je sais pas, Griffin, Damwon et même d'autres équipes coréennes essayer d'aller enfoncer la base adverse. Il y a une discipline absolument incroyable du côté des SKT là-dessus où ils savent que s'ils font s'ils suivent les bonnes étapes, ils vont aller prendre le deuxième baron et terminer la game avec un meilleur écart goal. Et on va avoir Khan qui va repartir en bot lane. Cette fois-ci par contre il va effectivement devoir affronter Humanoid. On met plus Visicacci en face de Khan. Ouais mais je pense que c'est une bonne idée ça. Et c'est quelque chose qui va sûrement se reproduire dans ce BO, hein. C'est de voir Visicacci dans un match-up complètement défavorable qui juste essaye un peu de serrer les dents en attendant que un moment douloureux passe. Ouais mais le problème c'est que des réponses au tank de Visicacci il y en a quoi dans la méta et c'est pas comme si Khan jouait pas de carry. Khan joue absolument tout. Il va falloir voir ce que peut donner Splice en red side. Alors la partie est pas terminée.
6000 gold, on connaît tout de même très très bien SKT. C'est, ouais, enfin, des ça n'arrive quasiment jamais dans l'histoire d'SKT de perdre une partie comme ça. Généralement, tu peux les battre. Tu peux possiblement les battre quand ils sont derrière toi, mais si tu vois leur dos, tu les rattraperas pas. C'est ça. Bon, bah maintenant les Splice qui vont devoir subir la pression. Regarde la pression de vision topside. Les SKT qui ont décidé de jouer topside, ils feront aucun move dangereux dans les deux prochaines minutes. Les SKT, ils vont juste maintenir l'état des vagues, avancer, maintenir la vision, jouer le Nashor, jouer le dragon, jouer la game. Terminé. Ouais, c'est juste choke to death. C'est ça, c'est le robot. Le robot froid SKT. Là on se dit, ah attendez les gars, on va aller jouer pour le prochain dragon. Du coup on va pousser la mid lane, on va faire une incursion dans la jungle adverse. Voilà, pousser la mid wave, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Il faut le grab. Il faut le grab absolument fabuleux de Norskeren. Ils se servent de leur vision topside pour contrôler d'abord la mid wave. Voilà, avec Khan et Clit qui sont cachés. Ils vont escorter et probablement. Là ils ont pas besoin parce qu'ils vont voir leurs adversaires. Il va avoir l'ulti, hein. Il faut un utile visite Chachi là pour défendre la base. Oh, et le cocon qui va toucher sur Norskeren qui était attendu. Ils lisent dans les splices comme un livre ouvert les SKT. Et il n'y a personne pour défendre cette mid lane. Ils ont vu le speed push, ils ont anticipé Humanoïde. Et ce sera un inhibiteur gratuit. Qu'est-ce que c'est bien joué de la part de SKT sur cette phase de jeu. C'est peut-être le seul reproche que je ferai à Splice, c'est qu'on a trop peur de SKT. Voilà, là on les respecte beaucoup. Hein. On les respecte trop. Oh, Faker, Faker sur Vichachi. Vichachi qui essaie de s'en sortir. Faker, l'ulti sur Vichachi. On a plus suffisamment de défense du côté de la top lane. C'est le kill en faveur de Teddy. Et derrière, Xerce va tomber à son tour. Les SKT désormais déroulent. Faker, la stopwatch. L'arrivée de Effort, le grab peut-être. L'entrée, c'est bien joué pour Humanoïde. Le cocon, c'est fini. Oh là là, Humanoïde qui temporise et qui essaye de pull les SKT avec lui, qui ne finirait peut-être pas cette game. Humanoïde qui donne tout, qui se bat comme un tigre. Ils vont faire le baron. Ils ont timé les respawns, ils vont aller faire le baron. Ils veulent pas terminer cette game les SKT. Ils vont aller prendre le baron Nashor, rotation topside probablement après, et aller se servir justement de cet inhibiteur tombé sur la mid lane pour aller terminer la game. Désormais la base est ouverte. Et on voit les Kargol hein, maintenant qui va 10k. Ouais. Moi c'est game 1 pour SKT. C'est une game 1 et si j'ai voilà, je reviens. La seule chose que j'ai à dire c'est il faut moins de respect pour SKT. Il faut avoir moins peur d'eux. Il faut ne pas hésiter de temps en temps à prendre un fight, à prendre une défense. Et on sent tout de même que côté Splice, on évite d'affronter SKT en teamfight. Alors on peut pas les blâmer, c'est le meilleur teamfight du monde. Probablement ouais. C'est probablement les meilleurs laners du monde et c'est probablement des meilleurs macros du monde aussi. Mais oui, ça y est, on le sent dans le style de jeu. c'est après, des joueurs le seul engage qu'ils ont essayé de faire, c'est sur la mid lane et ils en ont perdu le baron. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Hein. C'est des joueurs qui affrontent leurs idoles. Hein. Pour certains, la poignée de main entre Xerce et entre Faker montre en une seule image tout le respect et toute l'admiration qu'il peut y avoir de Xerce vers Faker. Mais voilà, hein, pour battre son idole, eh bien, il faut lui manquer de respect. C'est la première chose, Vichachi qui va se faire solo kill par Khan. Formalité désormais pour la top lane. Du côté SKT, téléportation qui est lancée. Du côté red side, le gravier bon. Du côté de Norskeren, peut-être un kill, le shutdown pour Kobe. Est-ce qu'il peut faire plus? Faker qui rentre, Faker, Faker, les dégâts colossaux. Clid peut-être pour aller chercher Xerce. Kobe zoné, Clid, le cocon, ça ne touchera pas. Ouais, il y a une griffe, hein. On enchaîne du côté de Faker. Le flash out de Xerce, c'est la chasse. Les splice courent dans tous les sens en se faisant poursuivre inlassablement. Et on va essayer de finir cette partie avec le Baron Nashor. On va directement sur cette mid lane pour s'emparer de la toute première game de ce quart de finale. Splice contre SKT Zaboutine, ça va faire 1-0. Ouais, 1-0 légitime. Quelques petites erreurs du côté de Splice, notamment, encore une fois, quand j'ai vu Vizichachi Xerce start topside, je me suis dit, ça... C'est pas en Vizichachi. Parce que s'il start du côté de son raid, au niveau de ses Raptors en solo start, et qu'il fait les petits camps, il peut arriver niveau 3. Il a pas le meilleur clair de jungle, il perd un peu de temps, mais il est sûr de pouvoir courir son topside. Voilà, on a sacrifié Vizichachi pour se focaliser sur le bot side. Donc voilà, jouer sur la strong lane et laisser un peu mourir la ligne faible, malheureusement, ça allait très très vite, hein, c'est le problème. C'est que c'est Khan en face avec un Lucian et comme tu l'as dit, on a très très bien fait les devoirs du côté de SKT. On sait que Vizichachi n'est pas le carry, on sait que Vizichachi joue des picks qui peuvent être hard counter que généralement on ne joue pas pour le topside. Cependant, dans
l'historique de ces Worlds, que ce soit en play-in, que ce soit en groupe stage, on a aussi vu Xerxes jouer avec le top. Ça a pu arriver. Mais en fait, s'il start au niveau de son bot side et qu'il finit au niveau du top side, c'est un 2v3, c'est compliqué de dive Gragas et Gangplank. C'est pas optimal pour Xerxes, ça rend le bot side vulnérable. Mais ce qu'on fait SKT, et je pense que c'est là où ils ont très bien fait leur devoir, c'est qu'ils ont draft deux side lane extrêmement volatiles et une Lissandra sur la mid lane. Ils ont dit la Lissandra elle va push, décaler sur un side et on ira là où Xerxes n'est pas. Ouais. Et je pense que c'était très très bien scouté du côté de SKT. Et derrière ils ont snowball sur leur side fort. Cet engage mid lane qui n'a pas marché et derrière c'est la game. C'était compliqué pour Spice. Du coup, on va aller pouvoir débriefer tout ça, surtout avec Laure et avec ses analystes. Laure, Chips, Triton, c'est à vous. Merci beaucoup les gars, une victoire de SKT ici, je pense qu'on s'y attendait, mais Splice n'a pas démérité. Une première partie intéressante de leur part, on les a sentis accrochés jusqu'au bout. On va commencer à parler de la draft en premier lieu, puisque ici arrive, enfin SKT arrive et ils posent tout ce qu'ils ont sur la table. J'avais rarement vu une draft aussi aggro de leur part depuis assez longtemps. Ouais, clairement les trois premiers picks font peur, je crois que c'est Draven, Thresh et Lise. À partir de ce moment-là, j'avais un petit peu peur pour Splice, rien que pour leur lead, mais les deux derniers picks qu'ils ont fait en 4 et 5 avec Blitzcrank et Leblanc, je pense que c'était super intelligent ici. On a vu Blitzcrank qui a plutôt bien marché contre Thresh et contre Draven en bot lane, et aussi qui a pu bien faire quelques picks en mid-game. Mais c'est vrai que la draft SKT est quand même super agressive avec que des counter-picks sur absolument toutes les lanes. On les a vus dès le début justement avec ce Lucian top à essayer de faire la vie dure à Vizicacci qui finalement ici fait une assez belle game je trouve. On lui reproche souvent d'overextend, de mourir de manière isolée. Ici il a été il a joué de manière assez prudente on va dire. Le problème c'est qu'il y avait un gros potentiel de go-in de la part d'Esketti. Quelques erreurs de placement de côté de Splice, on n'a pas vraiment géré la vision en mid-game. Qu'est-ce qui s'est passé Chips? Bah, le truc c'est que SKT avait plusieurs lanes à activer potentiellement et comme ils l'ont dit en cast, Alissandra était là pour tenir la baraque, mettre les décals et set up les kills pour ses coéquipiers. SKT a réussi à activer sa top lane, la bot lane c'était pas le cas et Splice a été devant bot pendant la plupart du match. Mais on a vu certains moments symptomatiques où par exemple lorsque Ren essayait juste sur le choc à côté de la mid lane, il essayait de mettre un gramme, il était sur de la vision SKT. Les Splice qui avaient beaucoup de bonnes intentions, mais qui étaient régulièrement repérés à l'avance. Le nombre de fois, là pareil, quand il essaie de contourner à ce moment-là, lorsque Ren, il est directement repéré par les SKT qui le punissent instantanément. Cleed a des réflexes de ninja sur ses cocons. Absolument. Enfin, le problème pour les Splice, c'est que dès qu'ils essaient de prendre une initiative, il y a une réponse mécanique qui est quasiment ingérable pour eux en face. En plus de ça, c'est deux compos qui sont quand même très très catch, avec d'un côté Elise et Thresh, de l'autre Leblanc et Blitzcrank, et ça se joue beaucoup à celui qui va avoir la vision, qui va anticiper le move de l'adversaire, celui-là qui va gagner très certainement les teamfights. Et c'est vrai qu'on a vu que SKT anticipait très très bien les Splice, en plus d'avoir une vision qui était quasiment parfaite, avec beaucoup de vision sur le Blitzcrank qui du coup a trouvé une ou deux opportunités et vraiment bien joué North Carolina pour les avoir trouvées, mais malheureusement il ne pouvait pas en trouver plus. Mais c'est ça le problème, je me demande justement, SKT avait souvent l'initiative dans la manière de progresser contre Splice, donc qu'est-ce que Splice aurait pu faire justement pour essayer d'avancer ses lignes de vision, de récupérer l'initiative et de faire valoir leur force d'engage? C'est pas évident parce que quand on regarde leur league game honnêtement, ils arrivent à faire snowball une de leurs lanes, Splice. Il y en a une autre qui est neutralisée, mais bon, à la limite, le blanc peut avoir de l'impact ailleurs. Et par contre, ils se font hard snowball top. Est-ce que Splice aurait dû tenter de plus défendre la top lane? Je pense que c'est pas évident à dire. Je pense que c'était très difficile aussi. Chachi tombait pas trop en retard non plus, tu vois. Donc quand même, il y avait quand même beaucoup de gold. Il avait énormément de retard quand même. Mais après, il était out. Oui, voilà, mais ils ont mis les ressources justement sur Kobe. On a capitalisé sur le fait que Kobe était plus en avance et même le TP de Chachi, justement, l'aimait super bien. Je pense qu'au final, le TP de Chachi était pas mal, mais les grosses erreurs de Splice, c'est qu'il fallait à fond servir de Splitran qui était en avance en mid-game. Et on l'a vu, il était assis sur des wards en fait. À chaque fois, il attendait sur des wards pour trouver des hooks. Et ces petites wards, ces petits défauts où il fallait peut-être mettre une pink ward ou un brouilleur qui aurait permis un catch, et là, la game aurait été totalement différente. Si c'est Splitran qui touche son hook avant qu'il y ait un cocon ou un grab de Thresh, c'est eux qui snowball et c'est Kobe qui prend des kills. Moi, ce qui m'inquiète surtout dans ce BO, bon, on sait que de toute façon les carottes sont cuites entre guillemets pour Splice, mais bon, on sait que. Quand même pas. Que SKT progresse et comment dire, c'est le genre d'équipe qui te télécharge en une game et qui ensuite déroule sur la reste du BO. Donc, qu'est-ce qu'on peut attendre de Splice pour la suite de ce BO, sachant qu'ils ont choisi le Red Side pour la prochaine game. Donc, la speak pour Chachi ou peut-être Humanoid? Plutôt pour Humanoid, je pense. Oui, on va essayer de jouer sur leur lane la plus forte.
Le problème, c'est que ça va être difficile de battre Faker, enfin de vraiment battre Faker, je pense. Pas grand monde qui a réussi dans des matchs de cet enjeu. Le problème contre SKT, c'est que Game 1, tu contestes un peu. Tu as l'impression que tu peux rivaliser. Et Game 2 et Game 3, en général, quand tu es plein d'espoir, ils t'explosent un peu plus à chaque match. Malheureusement, c'est une phase, enfin, c'est un déroulé qui s'est confirmé quasiment à chaque fois cette année. J'ai du mal à être optimiste, tu vois. Honnêtement, j'ai beaucoup de mal à être optimiste, mais en red side, ils vont avoir une draft différente, ça va être intéressant. Je pense que la draft de Splice peut largement s'améliorer en red side. Là, honnêtement, ils avaient une bonne draft par rapport aux réponses de SKT, mais ce coup-ci, ils auront peut-être eux les counter pick et pourront peut-être jouer plus sur leur lit encore plus. Et Splice a très bien tenu leur lit malgré une draft de SKT qui était quand même très orientée pour cette heure-là. Tout à fait. Et on verra s'ils arrivent à reproduire ce schéma pendant la game 2. Avant de partir en pause, on vous laisse avec la toute dernière vidéo de League of Legends, les sorts de Senna. On vous laisse découvrir ça et on se retrouve dans quelques minutes. Nous sommes de retour, troisième quart de finale des championnats du monde 2019 de League of Legends SK Telecom T1 face aux Européens de Splice. 1-0 pour l'instant pour SKT, Twix. Absolument. Qui ont commencé très fort leur BO5, comme ils ont eu l'habitude de le faire sur ce Summer Split en général. Absolument, à contre-courant de l'identité qu'on veut donner à cette équipe, c'est-à-dire une équipe qui est exploitable dans le début de partie, qui met un peu de temps à se mettre en route. Contre-pied total ici, avec une des drafts les plus early game qu'on a pu voir de SKT tout au long de l'année. Et le match-up, bien sûr, le plus flashy qu'on a vu dans le premier match, c'est Vizicati contre Khan. La victoire est partie de là côté SK Telecom, mais très franchement, on a vu du bon. On a vu du bon chez les Splice. On a vu du bon haut et c'est intéressant de voir que les SKT décident de ban Kiana en red side, enfin en blue side, pardon. Ouais. C'est pas forcément un pic sur lequel ils ont l'ambition de mettre la main d'entrée de jeu. Ils ban Xayah. Est-ce qu'on va essayer de faire la même chose que les Splice avec le pic Kai'Sa? Kai'Sa, c'est totalement viable, mais voilà, il y avait la Kelly dont j'attendais effectivement le statut. Il reste le Ryze aussi qui me semble faisait partie des bans Splice en game 1. Une ouverture à nouveau sur Elise. Décidément, SKT qui a l'air d'avoir la solution, leur pattern de draft face au Splice. Bah, Elise qui est quand même un des meilleurs champions du jeu pour dive. Bah oui, et particulièrement la top lane. Particulièrement la top lane. Et effectivement, quand on pense à Splice, on pense à une certaine vulnérabilité au niveau du top side. Ce sera un Olaf ainsi qu'un Ryze immédiatement drafté. Olaf, très bon pick dans Elise, notamment à partir au niveau 6 où vraiment il n'y a aucune chance pour la Elise normalement de même gagner avant un ça duel. En fait, parce que tu te fais comeback, t'as pas le burst pour avoir le létal 100% et le mec se régène sur toi, c'est très inconfortable. Mais bon, Olaf ça a quand même d'autres lacunes, notamment celle de ne pas vraiment pouvoir atteindre ses cibles en dehors des 6 à 8 secondes de son Ragnarok, pardon. Kai'Sa qui est log par les SKT. Mais avec quoi? Et surtout, est-ce qu'on prend tout de suite? Et on alignera bien le Nautilus. Classique. C'est vraiment le support qu'on retrouve le plus avec Kai'Sa. Du coup, est-ce qu'on ne pourrait pas Morgana pour les Splice ici? Ça semble être une très bonne occasion contre le Cocon, contre la grenade ASM, contre toutes ces menaces. Mais qu'est-ce que tu joues avec Morgana? Eh, c'est ça le problème. Est-ce que tu joues la Caitlyn? Moi, je vois Kobe, je pense à Jhin d'une part, et je pense à Caitlyn d'autre part parce que c'est Morgana. Et tu verras Ezreal. Et on verra Ezreal. Écoute, excellent choix contre Elise, au moins s'il y en a un qui risque moins de se faire coconner, c'est bien lui. C'est un très très bon spike dans le mid-game qui est, je pense, le terrain sur lequel les SK Telecom attendent vraiment les Splice au tournant. On a vu dans le match précédent, à partir de 20 minutes, c'était la Bérésina. Ouais. Absolument. Ban de Camille pour Splice. Camille, qui peut être attendu mid contre Ryze. Là, pour l'instant, c'est un peu l'enfer pour les SKT d'atteindre pas Humanoid, mais Kobe, en l'occurrence. Ouais. Et dans une certaine mesure, le Ryze, dépendamment de où est-ce qu'il va évoluer. Mais il faut des solutions pour pouvoir catch le Ezreal. Des solutions, une des premières, c'est bien sûr Camille. Ils bannent bien la Morgana, les SKT.
Ouais, je me demande si ça valait pas le coup. Parce que le ban Ezreal, on pouvait pas raisonnablement s'y attendre, à mon avis. Mais bon, ils ont peut-être un autre plan en tête, les Splice. Pourquoi pas un Kench ? Ça semble être une assez bonne occasion de drafter un Kench. Après, Kench, c'est vraiment très vulnérable au cocon d'Elise, notamment, et aux engages de Nautilus. Tu peux aussi partir Cleanse hein, avec Kench. Mais complètement, Spellbook, pourquoi pas. Syndra, ban par les Splice. Alors. Normal. Après, il y a Cassio. Hein. Il y a Cassio. Mais la Cassio ouais. pourrait peut-être, je dis bien peut-être, être jouée instantanément par Humanoid. En laissant la vise sur Rystop. Là, la Cassiopeia fait assez peur. C'était Ezreal Yumi. C'était Ezreal Yumi. Non. Il y a un petit rictus sur le visage de Kobe. C'est vraiment pas quelque chose de classique, Yumi, chez les Splice. Oh le bike. C'était pas un Tamkench. C'était pas. C'est pas vraiment un Tamkench, non. C'est le Némésis de Tamkench. Le pike. Bon, bah là, pour le coup, Norskeren, comme sur le match précédent, il a un pic qui peut apporter des solutions et de l'initiative au Splice en early, en mid-game. Tout à fait, deuxième hooker pour Norskeren. La Tristana. Alors, Tristana, normalement, un très bon choix contre Ryze. Ouais. Et on a Ryze... beaucoup moins vu Tristana récemment. Mais bien sûr, et parce que la flexibilité n'est pas aussi évidente avec Tristana quand même. Et c'est un pic qui commit un petit peu Faker. Mais bon, on se souvient du match d'ouverture des Worlds. C'était Faker sur Tristana. First Blood 9-0. Ouf. Oh, d'accord. Donc on pense vraiment que ce Ryze est mid lane hein, pour le coup. Au jeu des flex, il y a peut-être quelque chose à faire ici pour Splice, en réalité. Je pense pas que Ryze ait particulièrement de difficulté contre Fiora, mais j'avoue que c'est un match-up qui m'est étranger, personnellement, ouais, qui m'est inconnu. Bon, normalement, distance contre mêlée. Normalement, c'est une règle universelle. Et la Poppy Chachi. La Poppy Chachi. Ils lui ont donné une occasion en or. Mais oui, de la sortir. C'est vrai que c'est assez étonnant, ce blind pick de Fiora pour les SKT. Je trouve que ça montre quand même un gros niveau de confiance par rapport au match-up Khan contre Visit Chachi. Oui. Je peux pas complètement leur donner tort non plus. Cependant, attention, j'ai pas l'impression que toutes les précautions aient été prises contre. Je te rejoins. Contre Fiora et normalement Poppy est une assez bonne réponse. Ouais. Et puis c'est pas n'importe quel conducteur au volant de la Poppy, c'est Visit Chachi. Et on se souvient l'année dernière avec Schalke 04 notamment, il avait été extrêmement convaincant sur ce pic. Bref, il y a des choses à attendre de Chachi dans ce match-up top. Ça ne devrait pas se passer aussi mal que dans le match 1. Ouais, complètement. Et si Khan fait un mauvais starter, ce qui est très probable contre Poppy, on sait que c'est un joueur qui peut rapidement céder à la pression dans la même game. Bien sûr, il pourra se reset entre les games, mais dans cette partie-là, s'il est pris à contre-pied, il peut vraiment se passer un sacré meltdown pour Khan. Donc c'est peut-être là la condition de victoire à The Splice. Quelques inquiétudes aussi sur le match-up mid lane quand même malgré tout. Oui, ça peut être difficile pour Ryze de match une beaucoup Tristana pression. En lane. En early, Ryze n'a clairement pas le mana pour tenir la pression imposée par Tristana. Et il n'a clairement pas les points de vie non plus. Et puis souvent, tu pars pas pour une corruption, non. Donc tes options de sustain sont limitées. On va peut-être faire une exception dans ce match. Peut-être, on va voir, effectivement. En tout cas, c'est recommandé. Allez, match 2 de ce quart de finale. SK Telecom T1 contre Splice. Et le public espagnol qui donne de la voix à Madrid. L'affiche me vend toujours autant de rêves. SK Telecom T1 contre The Splice. Que c'est beau. Et on n'a pas de schéma d'invade niveau hein, sur ce qu'on a pu voir des positions de chaque joueur. Pas de niveau 1 a priori. Alors Humanoid, du coup, Humanoid. Bon, il est parti à la potion rechargeable, mais pas Corrupting Pot. Ça va clepter un topside. Alors, ce match-up, je pense qu'on a quelques secondes pour en parler. Alors oui, bien entendu, la zone anti-dash de Poppy est extrêmement dérangeante pour Fiora. Oui, mais elle a un gros cooldown. Voilà, et le cooldown de la coup des stocks, finalement, de Fiora, il n'existe quasiment pas, finalement. Ça n'a pas de cooldown, c'est quasiment une auto-attaque. Ça n'a quasiment pas de cooldown, et bon, le fait est que
au corps. Et il va jouer une kleptocane, donc il a aussi la possibilité d'obtenir certains consommables qui vont rendre son early game plus simple. Et il aura le niveau 2 a priori, oui. Très grâce important. À cette prise de ward, là, très bon brouilleur pour Clee. D'ailleurs, les Skatey qui commencent avec deux brouilleurs dans cette early game. Starter topside pour Xerxé, quand on peut s'y attendre venant d'un Olaf. Un Olaf qui... Oh, Trabuisson, le premier Q-Spell n'a pas touché. C'est le all-in directement sur Norskeren. Attention, Norskeren qui tisse son hook, qui fait proc son aftershock. On répond quand même à l'agression de Effort et de Teddy sur la bot lane des Splice. Clid va commencer au niveau de son blue buff. Donc on va terminer vers le bot side pour le jungler des SKT. Pas forcément de pression attendue pour Khan, mais c'est la même chose pour Xerxé. À moins que Hawk, Xerxé. Ah non, non, il va pas aller vers ses Raptors. C'est un Olaf, c'est ça le problème. Qu'il est un petit peu dépendant quand même de son first clear. Oui, et mais c'est souvent un full clear d'ailleurs. D'ailleurs, il a fait l'impasse sur ses Krugs. Oh là là, on en parlait, le niveau 2 pour Khan qui lui permet de prendre une belle agression. Emmanuel qui répond, mais la bombe de Tristana est très difficile à égaler en termes de dégâts en early game. Et pourtant, il a extrêmement bien trade puisqu'il a proc la movement speed de sa rune, donc de sa rune, de son passif de Ryze, pour pouvoir échapper au Prezi attaque. Et il joue fatigue humanoïde aussi, en réponse à la fatigue de Faker. C'est absolument indispensable contre Tristana. Sinon, il n'y a littéralement pas de laning phase. C'est pour ça que cette mid lane est très dangereuse, parce que niveau endurance, niveau mana, niveau sustain, humanoïde va se faire simplement déborder. Et il va avoir besoin de ce reset-là. Et Xerxé, il va devoir lui offrir ce reset parce qu'il ne peut pas se l'offrir lui-même. Oh. Et c'est là tout le souci. Attends, mais quoi? Comment ils savent? Comment ils savent? Les SKT qui décident de passer à l'attaque sur la bot lane. Et attention, c'est quand même 3 joueurs splash. Je ne pense pas que ça puisse être réalisé avec succès pour les SKT. Mais humanoïde, il est bloqué. Ils y vont. Il peut rien faire, humanoïde. Ils y vont. Attends, c'est du 3v4. Et on l'oline du côté des SKT qui a la grosse Effort pour l'instant avec l'aftershock qui a été proc. Faker qui se repositionne. Effort est tombé. Norskeren toujours vivant, Norskeren qui va rester en vie, mais Kobe et Xerxé sont morts dans la manœuvre. Et 2 pour 2, effectivement, Clid est tombé. Bon, c'est pas mal, hein, c'est pas mal honnêtement. Attention, le grab de Norskeren sur Faker. Faker se repositionne et on va en rester là. Mais 2 pour 2, bonne défense de Splice. Et Xerxé qui a le bon réflexe, aller se réfugier sous sa tour avec ses coéquipiers pour gagner le plus de temps possible. Oh, s'il y a un cancel back ici, et c'est très important. On va voir si Faker aura le temps de venir sur la wave mid. Vous voyez qu'elle a été ping. Attention, Khan face à Vizhachi. Très peu de points de vie pour Vizhachi. Mais il y a Xerxé qui est juste derrière. La zone anti-dash. Un peu trop tôt. Oh, le flash de Vizhachi. Xerxé à la réception. Khan n'a peut-être plus d'options. Il va tenter de dash de l'autre côté du mur. Xerxé fait directement avec un flash in. Et la frappe brutale qui assure le kill pour le jungler des Splice. Troisième kill pour l'équipe européenne. Et attention maintenant. On ne fait pas descendre l'intensité. Clid qui est de retour sur la botte. Lane Kobe, transfert arcanique, hors de portée. L'abordage qui ne partira pas. Et mid lane, humanoïde, avec un petit CS lead grâce à ce cancel back. Grâce au cancel de Norskeren, oui, il faut le dire. Ça a fait du bien à humanoïde, tout ça. Il a pu revenir tranquillement sur sa lane. Il a sa lame de Hades désormais, donc les problèmes de mana vont être... moins exacerbé. Attention à l'arrivée de Xerxé sur cette mid lane. Norskeren est là également. On a un play à 3 sur Faker pour les Splice. Humanoïde qui tente de valider la cage. Et Faker qui joue bien avec la distance et qui recule pile au bon moment. La cage qui n'aurait pas été assez longue anyway. Et là, on est sur un timing creux quand même côté Splice. On voyait leur inventaire, 2 larmes de la DS qui ont été cumulées. Et ça ne va certainement pas échapper au SKT. Alors bilan finalement. On va voir, parce que c'est Fort qui prend l'aggro en premier. Ouais. Tente un flash qu'il a assez mal senti. Et non, il flash pas alors qu'il aurait dû flasher Effort. Il aurait dû flasher. Le seul véritable problème pour ce move, c'est que Teddy a récupéré 2 kills. Là où, bon, côté Kobe et Xerxé, on a dû se partager la récompense. Et on sait que trop de kills sur Kai'Sa, c'est évidemment l'inévitable qui s'approche trop rapidement. Ce match-up top lane va-t-il évoluer? Normalement, il évolue bien sûr nettement en la faveur de Fiora. Bien sûr. Surtout qu'il y a un abatteur, donc on est parti quoi. Abatteur avec une klepto, un Khan qui vise un power spike très généreux autour des 15 minutes de jeu. Faudra faire la différence en format regroupé pour Vizhachi.
C'est clair que les deux champions sont absolument incomparables autour d'un Baron Nashor ou d'une mid lane. Ouais. Après, à terme, hein, si on vise vraiment le late game, le splice o'clock, Humanoid n'aura sans doute pas de rivaux en side. Sans doute pas, ça dépendra des bêtises. S'il joue parfaitement. Après, j'y mets quand même une réserve parce que les Fiora late game, ça surprend. Ouais, mais avec fatigue. Fatigue, rush phasique. Trop dommage en pourcentage de points de vie. C'est sûr, mais fatigue, rush phasique, c'est quand même très efficace pour tenir à distance une Fiora. On verra, mais... Enfin, je pense que jouer parfaitement, c'est quand même pour Ryze. Je sais même pas si ça marche la fatigue sur les trous dommage pourcentage. Non, mais dans le sens où quand même tu slow et tu réduis un peu ce que tu peux faire. Ah oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Tout le secret pour le Ryze réside dans le kiting. Hein. C'est sûr que si la Fiora est au contact tout le temps, ça devient difficile. Un dragon récupéré par les SKT avec des splices sans éléments de réponse pour l'instant. Mais toujours un très bon farm hein, pour Humanoid sur cette mid lane. Néanmoins. Les SKT sont à l'initiative et Splice devant au gold, hein, c'est fou tout ça. Tout à fait. Ils l'ont été dans la game 1 aussi, une fraction de seconde, mais ils l'ont été. On va voir Teddy qui lead très très haut, Xerxe qui a un énorme avantage. Lui aussi à son tour, qui va devoir vraiment le mettre en place, hein, le mettre au service de ses coéquipiers parce que il va bientôt disparaître, Xerxe. Il a un bon match-up bien sûr. Et Chachi qui a toujours un peu... Il passe son niveau légèrement avant Khan à chaque fois. Donc ça lui donne... C'est le genre de détails qui peuvent lui donner du sursis dans ce 1v1, bien sûr. Ça peut le faire. Seulement, il est dans un moment assez inconfortable dans sa laning phase puisqu'il est face au Tiamat. Il n'a pas encore ses cendres de Bahami ni sa Sunfire par la même occasion. Donc il devrait se faire outpush, dépendamment de ce que Khan veut faire avec sa wave. Donc attention à ce que peut justement construire Khan. Emmanuel qui est dans une bonne situation maintenant sur sa mid lane. Il a pu récupérer beaucoup de farm, il a pu attaquer un peu les plaques sans en prendre une encore pour l'instant. Mais le décalage de Faker qui fait du bien au mid laner des Splice. Et attention, regroupement à nouveau. Tout à l'heure, ils n'avaient pas pu aller au bout de leur action. Les Splice, Chachi contre Khan, très bon trade là pour Chachi, Faker qui se repositionne et directement le Buster Shot. Attention, peut-on intercepter l'abordage de effort sous la tour, Faker qui se repositionne, Humanoid qui doit flash out, mais il tombe directement à la grenade ASM qui suit effort, Creed et effort qui all-in sur Norskeren, mais le flash de Norskeren est très bon tout de même, on va pouvoir se repositionner. Attention peut-être, Chachi normalement couvre la retraite de Xerxe. Ouais, et attention, Khan qui va être prêt à partir ici définitivement. Il a un flash, il a bien sûr un dash out. Il a rien vu, il a rien vu du tout, Khan. Il peut rien faire. Il a pas le flash. C'est terminé normalement. C'est terminé. C'est pas brutal. Le flash out de Khan. Il a pu reprendre. Il a repris son flash. Il a repris son flash. C'était une question de secondes. Et Clyde intervient et crucifie Chachi et ses espoirs de kill sous cette T1 top. Ça ne se joue absolument à rien. C'est terrible, terrible nouvelle pour les Splice. Attention Xerxe, toujours en confiance, bien sûr, toujours ulti activé. C'est le swap pour les Splice. Kobe qui se dirige vers le topside. Pas du tout de réaction chez les SK Telecom. On vient à peine de revenir sur la botlane. La course à la première tourelle est officiellement lancée. Ouais, c'est intéressant là, ce mouvement des Splice. Ça devrait leur donner la possibilité d'aller assurer ce héros de la faille. Et Clyde qui reste dans ce buisson incognito. Il y a deux pink wards. Ouais, mais il y a beaucoup de monde autour. Hein. Honnêtement, là, un mauvais mouvement de Clyde serait directement sanctionné, je pense. Et qu'est-ce qu'il cherche? Bah, l'arrivée de Teddy est long. C'est long, mais il y a un killer instinct sur la Kai'Sa. Il ne pourra jamais claquer un cocon ici avec la wave. Avec un smite, peut-être. Là, attendons. Oh oui. Oh, ce serait beau. Hein, quand même, hein. Ce serait beau. Il y va. Bonjour. Il met son auto-attaque, Kobe qui se retrouve pris au piège. Il le solote en fait, il le solote. Ouais, mais le problème c'est qu'il y a une suspension. Il y a une suspension, il flash out Kobe, mais c'est trop difficile pour lui. Et le kill est pris par Clyde. Il a bien résisté Kobe, mais ça devenait injouable. Grosse patience du jungler des SKT. Mais attention, ça donne une phase de jeu au Splice sur la mid lane. Ah oui, ici il y a bien un joueur côté SKT qui souffre, c'est bel et bien Faker. Déjà moins 20 CS par rapport à Emmanuel. Il concède des plaques, il concède du push. Il concède de la vision. Le dindon dans cette game, ce sera bel et bien lui, j'ai l'impression. Il semblerait. Faker qui doit se repositionner. Les Splice qui insistent bien sur leur mid lane et qui veulent mettre Humanoid dans la meilleure des situations. Oh, attention, Humanoid n'a pas de flash. Donc un ulti du Nautilus suffirait à le condamner.
Pas de flash et très peu de résistance hein, pour ce qu'il en est d'ailleurs. Les bottes de lucidité, c'est bien entendu idéal dans un certain format de jeu, offensif à proprement parler. Mais face à deux ADC et une Elise, c'est quand même pas la meilleure des défenses. Ça peut se payer. Ça peut se payer. Après, pas le droit à l'erreur. Est-ce que des bottes de Mercure changeraient drastiquement sa situation? Non, mais des tabis sont envisageables par exemple. Des tabis pourraient être intéressants, je suis d'accord. On va voir jusqu'où son build l'emmène. En tous les cas, voilà, il n'a pas le droit à l'erreur. Pas de marge de manœuvre pour le mid laner des Splice. Mais c'est dommage quand même pour les Splice parce qu'ils étaient très nombreux sur le top side. Ils avaient l'initiative sur le héros de la faille. Et juste, ça a permis à SKT de prendre un kill sur Clit. C'était très étonnant. Chachi qui se repositionne. L'anti-dash est utilisé. Mais vraiment, c'est dommage. Ce temps de jeu top, Splice avait un truc à jouer, j'ai l'impression. Ils ont préféré se concentrer autour de la mid lane. Ouais. Ils ont voulu jouer sur la mid lane, ce qui n'a pas vraiment apporté grand chose. Défense de... Oh, un HP. Norskuren, peut-être une punition. Ça semble un peu difficile à concrétiser quand même. Et Kobe qui est bien entendu vulnérable sans flash, hein, le carré des Splice. La couverture de Splice est excellente pour l'instant, mais attention quand même. Oh, ouais. L'engage de l'effort sur Norskuren. Norskuren qui peut se repositionner directement la grenade ASM. Tierce est touché, il y a le Blasting Cone pour les Splice et les SKT qui couvrent très bien ce top side. Et quel dommage quand même pour les Splice de perdre cette situation d'initiative top quand tout à l'heure ils étaient dans la meilleure des situations. Le héros de la faille sécurisé par SKT. Si seulement les SKT avaient commencé après cette phase de poke ou même pendant, on aurait pu déclencher un fight avec la grenade ASM qui était indisponible. Juste le héros de la faille était déjà prêt. Était déjà prêt, moins de plaques. Et Teddy qui est peut-être sur le point de s'envoler, il est en train de farmer alors qu'il y a trois joueurs autour de lui. Ah, les Splice là, il faut reprendre l'initiative hein, dans ce match. Il faut recommencer à tabasser et à les faire simplement reculer ou respecter à défaut parce que là ça devient difficile hein, Chachi. L'anti-dash est utilisé, Khan qui est à l'affût directement à la sortie. Paf, les points faibles sont visés par la Fiora de Khan. Et le problème central dans ce match-up, c'est que la Poppy n'a virtuellement aucune solution face au sustain de la Fiora. Il partira, Hydre Vorace. Plus ton pool de points de vie et d'armure est profond, d'ailleurs, plus tu peux tenir la distance. Attention, Chachi directement l'ulti sur effort. Est-ce que Xerxes pourrait en profiter? La réponse est non. Humanoïde n'est pas très loin. On a bougé de cette mid lane pour Humanoïde, mais les SKT qui maintiennent leur emprise sur le match. Quasiment 25 000 gold désormais pour les SKT. Et un Teddy qui peut farm tranquillement bot, enfin top, tandis que tous les SKT sont plutôt sur le bot side. Absolument, je pense que au rôle des supports pour le moment est forte, un impact vraiment incomparable avec celui de Norskuren. Pas forcément évident de bien jouer le pike quand finalement il n'y a aucun kill setup sur tes lanes. C'est un peu un des problèmes bien sûr hein, pour Splice. Le seul kill setup qu'on a pu envisager c'était mid lane lorsque Humanoïde voulait all-in finalement Faker. Ouais. Occasion qui leur est passée sous le nez. Mais depuis, c'est vrai qu'il ne se passe pas grand chose au niveau de ce pack. Après bon, l'histoire des Splice encore une fois, il peut être dans le scaling et un Humanoïde qui 1v9 en side. Bien sûr, bien entendu. Mais parce que sinon... En teamfight, ils ont quand même pas les mêmes arguments que SKT, a priori. Bah, disons qu'ils ont un teamfight tout à fait décent, même si ça manque encore une fois de focus ou de burst pour que Pike puisse commencer à snowball. Ce qui fait que t'as pas cette menace mid-game où tu peux hard snowball sur deux kills, finalement. Ouais. Ils sont doublés par Pike. Je suis d'accord avec toi. Donc, je sais pas tellement quel est le plan. Après, ils ont une vraie frontlane, pour le coup, les Splice, avec cette Poppy. Ça peut être l'argument qui fait la différence. Je pense que rien que pour jouer leur draft en teamfight, il faut vraiment qu'ils aient deux carries qui sont top. Top. Mine de rien, ce sont deux carries relativement lents à démarrer. Et en concernant Ryze, il faut certaines conditions en teamfight pour qu'ils puissent s'exprimer. Conditions qui seront disponibles avec autant de frontliners. Ouais. Oh, peut-être un dive là cherché par les Splice. Clid n'est pas très loin, ça va pas être simple. Hein. Teddy a son killer instinct, il a une stopwatch pour effort. Et on le sait, cette stopwatch sur le support des SKT a fait très mal à Splice dans le match 1. Elle a fait toute la différence. Les SKT qui n'ont pas grand intérêt non plus à trop avancer. Le match-up sur le side est ultimement pour eux.
Oh, la Poppy Chachi qui se déplace. Et voilà, on swap le match-up sur la bot side. Attention. On connaît cette situation, la stopwatch est forte, mais cette fois-ci, l'issue sera correcte pour les Splice qui prendront seulement cette stopwatch et qui s'arrêteront là. On n'a pas overcommit sur cette phase de jeu. On non. prend des cancels et Forte qui réalise qu'il est sur de la vision. Splice. On a mis un Ignite à un ulti Olaf. Ce qui ne devrait pas trop être puni, je pense, son Faker face à Vichetti sur le top side. Ah. Un match-up qui ne devrait pas vraiment être trop gérable pour Faker. Beaucoup d'armure hein, sur Vichetti. Oh, il y va. Old Faker est directement renvoyé par un ulti Poppy. Mais elle coule pas. A priori. A priori, ça se passe très bien. L'armure n'est pas si importante. C'est vrai que VRK c'est plutôt la bonne solution. C'est intéressant d'ailleurs de voir Teddy qui part plutôt sur le build AD Razor, ouais. de Kai'Sa, alors que quand même son équipe a quasiment que des dégâts physiques. Je pense que c'est comme je te disais l'absence de kill setup dans la line-up adverse. Hein. Pas vraiment besoin de. Ben Zhonya, là c'est sûr. Les outils défensifs ouais, voilà, du build AP sont pas vraiment dans l'eau. C'est sûr. Faut taper de la front line, ce sera un bull avec Runan, a priori. Et le match qui a quand même ralenti là en termes d'intensité entre les deux équipes. C'est sûr, mais il se passe encore de très belles choses pour Splice. Et bien sûr, le premier lane qu'on envisage, c'est évidemment la mid lane avec Humanoid qui est à 190, 200 CS bientôt. C'est monstrueux, hein. Humanoid là qui est en train de survoler le match sur son farm. Bah il met 50 CS, ça fait cœur quoi. Absolument, tout simplement, en toute modestie pour Humanoïde. Attention, Faker qui est surpris par cette prise d'initiative des Splice, mais directement le Buster Shot est utilisé. Il va pouvoir se réceptionner malgré la très mauvaise situation hein, dans laquelle il était embarqué. Et les SKT qui punissent sur la mid lane en prenant la première tour. Ouais, 3 tours à 0 pour SKT. Que cette tourelle-là est envisageable, j'ai l'impression qu'il y a une transition transdimensionnelle. Oh, le flash in, Teddy. Il a un plat sur Teddy. Oh, les dégâts de Teddy sont colossaux. Clid qui intervient directement sur Kobe. Clid l'assassine au milieu de la backline et la suspension est excellente mais pas suffisante dans la mêlée générale. Les Splice réussissent à obtenir un peu d'espoir. Chachi qui renvoie avec son ulti des membres des SKT. Khan est en contact pour l'instant. Chachi qui tente mais Faker qui est all-in et Khan finira l'action pour les SKT. Clid est tombé mais il y a 3 morts pour les Splice. Là on en revient simplement à la qualité des joueurs, ce qu'a fait Teddy dans cette situation. On pouvait pas s'y attendre. On pouvait pas s'y attendre. Ouais. Il a juste vaporisé le Pyke qui avait osé mettre ce grab. C'est insane. Du coup le fait qu'il se tourne totalement bon Clid. Clid qui se fait réceptionner par une hache de Xerxé. Bam. Directement. Il s'est fait calmer, mais le fight n'a pas du tout le même visage si. C'est trop difficile. Si le Pyke meurt ou si le Pyke survit, tout simplement. Hein. Il ouais. a son ulti, il est tout frais, il est prêt à tout donner. Ouais, le Ezreal qui est sorti très rapidement du fight, c'est quand même un coup dur parce que c'est censé être un champion qui est pas facile à saisir pour SKT. Ah, complètement. Et là, Clid a quand même eu un flank exceptionnel avec son cocon. C'est juste des inspirations de génie des joueurs, véritablement. De l'instinct. J'arrive pas à croire qu'il savait qu'il avait les dégâts pour tuer le pack dans cette situation. Je sais pas. En tout cas, il est à 3-0-3, Teddy. Pas très chaud. Et Sakai-Sak comme... Attends, il fait un Zhonya. Bon, c'est super, ça. Écoute, il nous apprend un petit peu des arcanes différentes. C'est surprenant pour le coup, attention ouais. une agression sur Teddy, on rappelle il a plus de flash, il a son heal, Humanoïde et Chachi sont en chasse et ils vont attraper le carry AD des SKT, Teddy se repositionne via le killer instinct, il donne un très bon temps et il trouve un kill en 1v2 et maintenant Chachi n'a plus de porte de sortie, les Splice qui vont essayer de voler le dragon dans cet intervalle. Absolument, mais c'est un petit peu... Oh, le all-in de Faker, une erreur ici peut-être pour Faker le midlaner. Il doit être puni. Et ça il est touché. Ça exécute pour les Splice. Faker qui a sans doute surestimé sa possibilité de prendre un kill ici. Et les Splice en sortent heureux.
mais il y a un dragon concédé dans la foulée. Ce troisième. Dragon des nuages qui est récupéré, le troisième pour SKT. C'est... Kai'Sa est un gros problème sur Teddy. Hein. Après humanoïde, j'aime beaucoup les inspirations de Splice. Gloire du juste, on va jusqu'au bout, on sait qu'on a la MS, on sait qu'on peut chase. Et le problème, c'est qu'on est pile poil sur le fil de la tourelle. Humanoïde il met son shield, mais le Q-spell était parti. Ouais. Et là, regardez ça, la parade, hop! Très joli. Et cette Fiora qui commence quand même à être très 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 balèze. 3-1, la Trinité bientôt en poche pour Khan, mais Humanoïde en face, qui a cette gloire du juste, et qui encore une fois va être très difficile à cache pour la Fiora. Complètement, et ça ressemble à une Dwayne Big Game hein, finalement pour Humanoïde. Beaucoup de poids sur ses épaules. Oh, Khan qui prend le trail, ah, on attention. Va savoir. Oh, Humanoïde qui prend le meilleur a priori, Khan la parade, bien joué. Oh, on enchaîne bien, le skill shot qui ne passe pas, il le en dernier. Faudrait un, oh. Khan qui sidestep, Humanoïde est encore en contact et on s'arrêtera là, mais quel le duel. Rise semble bien gagner les débats dans ce 1v1, attention Kobe qui est touché, hein. Et Teddy qui est un énorme danger, les Splice doivent le craindre comme la peste, parce que Ran a peut-être une situation de flanc, qu'il va tenter le grab, ça ne passera pas en visée et forte, et Humanoïde qui va pouvoir emporter la première tour de Splice sur la bot lane. Et Humanoïde effectivement qui prend cette destruction. On va peut-être avoir un deuxième round entre les deux side laners et le Baron Nashor qui est tout simplement lancé par SKT sans l'ombre d'une information pour Splice. Absolument. Toute la vision en périphérie récupérée. Oh. Et Humanoïde qui se fait, qui se fait lever, hein, j'ai l'impression. Humanoïde, oui, Humanoïde qui va peut-être perdre son 1v1 et qui tombe. Il tombe dans son 1v1. Qu'est-ce qu'il face a acheté à Khan, on ne sait pas. Pour moi, c'était un moment de reset pour Humanoïde. Ouais. Mercure Trinité hein, sur ce back pour Khan. Ouais. Et c'est sûr que ça fait une certaine différence. Et le Baron Nashor, en plus de ça, qui est récupéré par les SKT. 23 minutes de jeu. Alors, et quel moment on était au courant côté Splice? Parce qu'on a vu un ulti de Kobe qui est parti. Il était peut-être plus proche qu'on ne le croit pour récupérer ce Baron Nashor. Mais encore une fois... Un call très ingénieux de SK Telecom qui passe et qui passe très bien. Qui les remet en confiance là où. Bien quand même, les SKT ils jouent un peu sans mid laner depuis le début du match. Grâce au très bon travail des Splice. Absolument. Mais Faker, ils ont une grosse top lane. Faker qui se charge des sides maintenant. Le problème pour Splice c'est que Faker a beau être derrière. Oh! Bah, dès que tu laisses une Tristana avec une tour, c'est le même tarif. Et plus d'une équipe a essayé la strat Focus Faker. Oh, c'est intéressant, oh là, cette action initiée par les Splice. Tant que Ren est au contact. Bien joué. Khan qui est récupéré, il décide de flash out. Et Khan qui fait front en solo. Les Splice qui doivent reculer. Khan qui survivra. Certes, le flash y passe. Faker agressé par Chachi. Oh. Faker qui fait front également. Oh, Chachi forcé de flash out. Oh, la fausse bonne idée pour les Splice. La fausse bonne idée, à mon avis, il tente de forcer ici. Mais dans ce checkpoint, les SKT pourraient faire le Teddy qui en lune directement, qui est dans la backlane. Les Splice se jettent dessus. Mais la stopwatch est excellente. Teddy se repositionne, l'air de rien, dans sa backline. Et les Splice ne prendront aucun kill. Superbe manœuvre de Teddy ici. Il est furtif. Il connaît parfaitement les limites de son champion. Back TP pour tanker la wave et... Est-ce que ça va être un nouveau One Pushman de SK Telecom T1? Ça finir. A l'air d'être le cas. Ils vont finir les SKT. Ils ont le barou d'honneur ici des Splice. Ils jouent contre leurs idoles. Ils vont pas finir. Ils ne vont pas finir. Let's go. Les Splice ont encore une chance. Mais le problème de leur situation, c'est que il faut réussir à retrouver un peu d'assise sur la mid lane pour pouvoir... Permettre à Humanoïde d'aller en side, c'est leur seule possibilité de vraiment gagner à ce moment du match. Absolument, mais le setup, tout ça est si difficile. Évidemment, on s'en rend moins compte en mode spec, mais le contrôle de vision des SKT, c'est juste trop oppressant. T'as pas la moindre information qui tourne. Northgren est plus une ward finalement humaine. Attends, hein. Il a un Medjay. Ah, j'ai pas vu. Teddy. Écoute. Je pense qu'il se sent assez bien dans cette game. Regardez visiblement. Teddy, hein, vraiment énorme ici. Ouais, regardez il attire 3 joueurs Splice. Et l'air de rien.
C'était un des dangers hein, dans ce match-up, dans ce 5v5, oui, effectivement. Et il a un Medjay. C'était quoi, le danger, c'est que le calibre des joueurs Esqueti est juste trop élevé, en fait. Il va faire une Gunblade? Ouais. Ou peut-être une Proto. Là, c'est une game où il est un peu en mode Smurf et tout, enfin, ça fait plaisir. Ce n'est qu'un quart de finale de Worlds, après tout. Medjay Kai'Sa, très bien, très bien, très bien. Le build de Kai'Sa AP en partant de Storm Razor, j'avoue que c'est un peu inédit. Ah, le buffer toujours, ça n'a pas changé. Bien maîtrisé ici, par Faker, attention le gage des portes. Oh, Teddy ! Teddy est au bord de la mort et c'est Humanoïde finalement qui va tomber. Teddy qui en lutte complètement et qui n'hésite pas à Zonia après avoir pris tout le focus des joueurs Fly. Il est tellement fort ! Jackie finira par tomber sur son ligne, il emportera Khan avec lui, mais les SKT qui remporte deuxième match 2-0 et 3 balles de match désormais pour les champions coréens. Et là on ne sait plus vraiment à quoi s'attendre avec cette équipe. Les Splice qui envisageaient finalement quelques solutions hein, contre SK Telecom, comme nous l'a dit Duke en pré-show. Mais tout cela ne rentre même pas en ligne de compte lorsque les joueurs sont trop chauds. Tout simplement. Ça paraît bête à dire, c'est peut-être une analyse de bas étage, mais ils sont juste trop bons, mécaniquement parlant, trop bons. Ouais, Teddy, là, on l'a vu, il a survolé cette rencontre, véritablement. Ouais. Mais on peut pas vraiment, on va dire, dénoncer le plan de jeu Splice, qui, ma foi, était plus que cohérent. Faker l'a ardemment subi, quand même, ce plan de jeu. Et puis après, cette transition... entre 18-20 minutes. Ça se passait bien jusqu'à ce qu'Humanoïde meure bot quand même. Il aurait dû prendre ce reset après avoir pris la tour. 100%. Et il a mis... Je sais pas pourquoi il est resté, je sais pas pourquoi il a traîné ici, mais à partir de ce moment, Splice a perdu tout moyen de pression sur la carte. Après, quand t'es face à une équipe qui te presse comme un citron comme ça depuis l'early game, bah t'as forcément envie de leur rendre un petit peu de cette pression-là et créer de l'espace pour tes coéquipiers. Et surtout quand tu penses que c'est toi la condition de victoire. Et en l'occurrence, c'était Humanoïde. Pareil, dans les mouvements loupés quand même pour Splice, il y a eu cette transition swap vers le top side où ils avaient la main sur le Herald. Et on est en train de chill. Il y avait un vrai temps de retard et on ne sait pas ce qui se passe. On préfère se concentrer vers la mid lane plutôt que de vraiment jouer pour ce Herald. C'est sûr. En définitive, Esqueti prend le Herald, prend le kill sur Kobe. Et fait snowball Teddy avec ce Herald. Voilà, on peut retrouver effectivement des highlights dans l'histoire de cette game. Mais avant tout, c'est les joueurs arrivent à parfaitement rebondir sur un énorme stomp early et dès qu'ils ont un lead avec le mauvais champion, ils prennent la game. Ouais, tout simplement. Juste, ils prennent la game. Tout simplement. Bon, eh bien, 2-0 pour les SKT. On évident, va aller en discuter avec Lord Trayton et Glopo. C'est à vous. Ouais, c'est compliqué, 2-0 pour SKT ici, mais le river sweep est en marche, c'est maintenant que ça commence, c'est maintenant que Splice revient, et bah SKT, on n'y croit pas du tout, surtout quand on voit Khan qui blind pick Fiora, la draft de l'irrespect, ouais, et le stuff de l'irrespect aussi, mais vas-y, je te laisse. Le blind pick Fiora sur Khan est assez impressionnant, surtout qu'on est contre un joueur qui joue Poppy et Kennen. Je pense que Kennen aurait un tout petit peu mieux fit dans cette compo, mais la Poppy était quand même bien parce qu'il y avait Tristana et beaucoup de jump en général. Maintenant, c'est clair qu'il y a même eu un Medjay sur Teddy, je crois, à un moment. Ouais. Donc, SKT qui flex, quoi. Pendant qu'on parle justement de cette game, n'oubliez pas que vous pouvez voter et prédire qui, selon vous, sera le gagnant de la prochaine game. Je pense que c'est très, très, très dur à prédire. À mon avis, Splice ont beaucoup d'armes encore en réserve. Glopo, qu'est-ce que tu en penses? Un early game moins convaincant que la première game, selon moi? Beaucoup moins convaincant, à mon sens, la draft était beaucoup moins bonne pour Splice dans cette seconde game. Je trouve qu'ils se sont laissés très peu de portes de sortie. À mon sens, leur condition de victoire principale, c'était la mid lane avec le Ryze. Sauf que Ryze, pour briller dans ce genre de scénario, on a envie de le voir sur une side lane. Le problème, c'est qu'on a un Khan qui est ultra confiant, qui blind pick Fiora, tu l'as dit, Tréton. Et puis derrière, on a vu les confrontations, comment ça s'est passé. Humanoïde qui est un petit peu overstay, mais à mon sens, là, c'était déjà joué. Bon, d'une façon générale, je pense vraiment que le principal problème, c'est le champion pool sur la top lane de Tchatché. On voit Khan, il est overconfiant et je pense que ça risque de poser beaucoup de problèmes. Ça, c'est un problème que même Splice a pu avoir contre des équipes européennes. Ici, le problème sous-jacent, c'est quand même la maîtrise en jeu et l'exécution, entre guillemets, parce que
comment dire, sur la première draft, je pense que Splice avait de bonnes opportunités de faire des choses. Finalement, ce qui a pêché, c'était justement le fait d'arriver à réagir contre SKT ici. Ils n'auront même pas laissé de chance sur cette deuxième game. Ouais, clairement, il y a très peu de chance. En plus, donc on a dit le reste qui était la condition victoire principale, qui joue contre Tristana et Liz, c'est quasiment impossible, c'est un match-up super dur. Au-delà de ça, on a eu Kaisa qui a été blind pick, first pick, je crois d'ailleurs, par SKT. La seule réponse que Splice a su amener, c'est un Ezreal, et c'est vraiment pas un très très bon match-up. Et on l'a vu, du coup, Teddy a pu être très très libre dans cette game. Là où peut-être une Syndra aurait pu être une meilleure réponse. Et c'est vrai qu'on voit qu'il y a un peu un limite de champion pool en bot lane et en top lane qui fait très très mal à Splice ici. Moi, je me pose une question. Je sais qu'il y a beaucoup de must ban et que c'est très très compliqué de target ban SKT, mais cette Elise, ça fait deux games qu'on la voit et qu'elle aide énormément les lanes en early game. Est-ce que c'est un focus qu'on devrait mettre? Ouais, pour moi, Elise, c'est le meilleur jungler actuel. J'entends beaucoup parler de Lee Sin, mais à mon sens, Elise, ça permet de setup des dives niveau 2, niveau 3. C'est monstrueux en fait à quel point tu peux accélérer. Et si on regarde bien sur les deux games de ce BO auxquels on a pu assister, systématiquement on a un Faker qui se met un petit peu derrière, qui n'hésite pas à sacrifier des waves et qui bouge énormément avec lead. Sur la première game, c'était topside pour aller shutdown le GP de Chachi. Sur cette seconde game, ils sont partis bot, on s'en sort sur un 2 contre 2, mais c'est quand même extrêmement agressif. Et c'est vrai que le pick d'Elise permet de setup ce genre de choses. Faker, il termine je crois avec 50 creeps de retard sur Humanoid sur la lane, mais il a bougé énormément avec lead en early game, et je pense que ce pick d'Elise, il fait beaucoup de bien au jungler, peut-être le meilleur jungler du monde actuellement, Cleed. Totalement d'accord à ce que tu dis. En plus, on peut peut-être highlight là ici les teamfights de Teddy qui étaient absolument insane. Pour moi, c'est le joueur là qui monte le plus dans cette game, et même en général, c'est l'ADC qui m'impressionne le plus dans ces quarts de finale jusqu'ici. Ils ont la botlane SKT n'a pas souvent été décriée, mais un petit peu à cause de Effort ici qui justement permet de setup convenablement sa Kaisa. Mais ouais, bah, voilà, les teamfights qu'il fait en utilisant parfaitement le Zhonya et son flash out, c'est vraiment il go in, il Zhonya et tempo pour son équipe. Ah. Et c'est là qu'on voit qu'il y a un petit manque de dégâts peut-être du côté de la compo Splice. Alors, j'interromps tout. J'interromps tout ici. On a une information côté SKT. Effort ne jouera pas et Mata va jouer à sa place. Et je ne pourrais pas être plus heureuse parce qu'on n'a pas vu jouer Mata depuis le début de la compétition. Est-ce que c'est la game que SKT va perdre ici? Oh non, Mata est quand même un très très bon joueur, je pense. Je sais pas à quoi m'entête du coup. Est-ce qu'ils vont changer un truc en draft? Est-ce qu'ils ont un pic particulier, une idée particulière, ou c'est juste pour faire jeu Mata? Mata généralement assez bon maker, mais le truc c'est que mécaniquement il est plus au niveau où il pouvait être avant, donc je sais pas ce que SKT a en réserve ici. En tout cas, le fun fact après cette game, c'est que Faker a maintenant gagné 100 games en compétition internationale après cette victoire. Il était à 98 à l'entrée de ce BO. 100 games, voilà. Duke aura aidé SKT et Faker à avoir ses 100 games compétitives, ce qui est quand même pas rien. C'est impressionnant hein, quand même, 100 victoires en compétition. Ouais, Duke qui contribue à écrire cette légende, et il me semble qu'il a, je crois, une vingtaine ou une trentaine de games d'avance de gagner sur le deuxième. Oui, c'est ça. Les deuxièmes et troisièmes, c'est Bang et Wolf, je crois, qui sont respectivement aux alentours de 70, ouais, 75 games. Donc voilà, il y a un gap énorme entre ce que Faker a réussi de faire et ce qui étaient ses anciens teammates à l'époque. Même l'endurance et World, il est quand même très très bon. Je pense qu'on peut aller avec le fait qu'il utilise super bien le fog autour de sa mid lane pour décaler sur les lanes et mettre énormément de pression. C'est peut-être le mid laner qui le fait le mieux. C'est pas forcément celui qui est le plus impressionnant en lane, mais en termes de connaissance de jeu et de pression sur la map, je pense que c'est celui qui en met le plus. En tout cas, on verra si SKT arrive à conclure ce BO, si l'entrée de Mata en compétition changera les choses pour Splice. SKT qui jouera blue side sur la prochaine game, qu'est-ce qu'on peut attendre de Splice du coup de ce côté-là? C'est le side sur lequel ils ont joué ici. Un first pick en tête, j'imagine, du côté d'SKT. Il y aura toujours la Akali à ban. Je pense que Ryze, pareil, sera au centre. Peut-être le Ryze qui sera au centre des attentions. Je pense que c'était une bonne intention du côté de Splice. Est-ce qu'ils vont le laisser passer? C'est la question. Je ne sais pas ce que tu en penses, Réton, mais Ryze, à mon avis. Ouais, il y a Ryze qui va être important. Bon, évidemment, Kaisa et Xayah. Je pense qu'ils sont dans les pré-opics. Xayah devrait être ban. Et donc, on va essayer de prendre des counter-picks, je pense, en lane. Moi, je verrais bien ça passer par un très très gros duo mid-jungle pour Splice. Essayer de s'assurer du duo mid-jungle pour pouvoir assurer la rotation et aller aider les sidelanes. Mm-hmm. Et peut-être qu'une victoire passerait par là. Bon, Humanoid, c'est à vous de jouer en tout cas. On va faire une petite pause et on se retrouve dans ce qui pourrait être la dernière game de ce premier BO. À dans quelques minutes.
De retour pour une triple balle de match en faveur de SKT. Mata entre en scène. Est-ce que c'est l'heure du river sweep? Ah, on peut toujours, y rêver, tu vois. Mais bon, ça va être difficile, hein, bien sûr. River sweep SKT. Peu d'équipes l'ont fait dans l'histoire. Et je n'ai même qu'un seul précédent, c'est les Félons. Les Félons qui étirent Holster. Avec Mata, qui est là. Non, à l'époque, il était à pas l'époque, il était pas, il était en Chine. Il était en Chine. Il avait trahi sa patrie pour aller se battre du côté de la Chine. Donc voilà, peut-être une des dernières games compétitives de Mata, on ne sait on pas. On se pose la question vraiment parce que dans les derniers locker rooms de SKT, il y a des messages, en filigrane derrière qui laissent penser que Mata toucherait à la fin de sa carrière de joueur. Bien sûr, on n'en est pas certain, mais c'est une possibilité. Et bon, par contre, il reste très actif en solo queue et il a une part importante a priori dans les décisions backstage de SKT. Donc c'est un vrai membre de la line-up. Oh, c'est un vrai membre de la line-up, Mata. C'est un grand stratège. On va voir maintenant quel visage cela va-t-il donner à SKT. Van de Kana, Van de Xayah, hein, qui sont deux vannes très importants, je pense, contre Splice toujours. Et là, bon, quelles sont les solutions Splice quand on sait que Khan peut blend pick de la Fiora et s'en sortir? Ouais, c'est sûr que c'est difficile quand tu considères ce genre d'événement dans un best of 5. Je te dis vraiment que SKT a un ascendant quasiment absolu. Bon, c'est un moment de sortir les plus beaux cheese, les plus belles stratégies de l'Homo Draftus en red side. C'est maintenant. Ah, c'est possiblement la dernière draft de l'année pour Splice. Alors, il faut tout donner, même si je suis pas sûr que le cheese soit forcément ce qui puisse le mieux fonctionner. Mais bon, si la Kai'Sa est... Ah, on va voir le statut de Kai'Sa. First pick, Renekton pour SKT. Et Rice réponse, Rice Kai'Sa. Dans les mêmes tons de couleurs. Ça laissera un counter pick à Vizi. La Poppy marche contre Renekton. En vrai, c'est un très bon pick. Mais attention, hein, parce que le Renekton peut parfaitement être flexé par les SKT. Complètement, au mid. Après, Renekton contre Ryze, c'est pas non plus si facile. Alors, t'es pas en danger, mais tu vas pas massacrer le Ryze. Ouais, non, je suis d'accord. Et Draven, du coup, de nouveau, contre la Kai'Sa, les SKT qui poursuivent sur ce pick Draven. Ça me fait plaisir de voir des Draven un peu dans ces Worlds, parce que je trouvais que c'était un pick qui manquait cruellement, vu la recrudescence et l'omniprésence de Kai'Sa. Et les SKT qui décident d'utiliser les talents de Teddy sur le champion. Et donc un Thresh pour Mata. Oh, Thresh, hein. C'est quand même quasiment le champion signature de Mata. C'est son champion signature. Il a un skin sur Thresh. Bah absolument. Voilà. Samsung White 2014. Et deuxième phase de ban. Qu'est-ce qui pourrait embêter les SKT? Il y a la jungle qui n'a pas été prise encore du côté de Xerxé. Talia qui est ban par les Splice. Est-ce qu'on s'attendait à une Talia de Glide? Les junglers coréens qui ont ce pick, quasiment personne d'autre ne le joue, mais Canyon est très connu pour sa Talia. Tarzan est assez connu également, Glide un peu moins. Mais bon, nul doute qu'il a le talent pour utiliser ce champion à bon escient. Et Syndra ban par les Splice. Pas de GP. Allez, un dernier ban. Est-ce qu'il laisse le blanc open, les SKT? Normalement, il y a déjà Ryze, hein. C'est pas comme si Vizi Chelsea allait jouer Ryze. Ouais, c'est vrai. C'est le problème de Splice, c'est qu'ils sont jungler. Très visibles au niveau de... C'est un jungler, qu'est-ce qui les gêne? Oh, il ban le Shogat, d'accord. Alors, pick de Vizi. On suppose ce Renekton au top. Ou la jungle, s'ils ont une priorité, peut-être les Splice. Peut-être veulent-ils counter pick. La Rek'Sai. Sachant que si Clyde va sur Lee Sin, Xerxé a le match-up. Ah, Azir. Oh là là, Faker.
Teddy qui sourit. Le public de Madrid qui retient son souffle. Quel va être le pic et ce sera le Azir. C'est pas drôle de pour Emmanuel. Hein. Non. Mais le match-up est assez intéressant. Le Rice doit beaucoup courir, mais il a parfaitement le wave clear pour répondre au Azir sur la lane. Bon, il y a un problème de mana dans les premiers niveaux, bien entendu, mais c'est toujours pareil pour Rice de toute façon. Et Skarner, qui est drafté par les SKT finalement, avec le Thresh, la combinaison Skarner-Thresh, qui est redoutable. Oh. Ça me ferait mourir de rire, mais Visichachi sur un Rai, j'y crois zéro. Par contre, j'aime beaucoup le pic du Horn. Ça tient très très bien à Renekton. Ce sera très bien pour punir. Il l'a montré, Bouipo. Les Sketty. Il y a des choses à faire avec Horn. Horn, c'est un champion bien utilisé qui peut très bien tenir des match-ups contre des bruiseurs. Donc pourquoi pas, Chachi est vraiment un grand joueur de tank. Mais là, clairement, les Splice qui ont une belle draft de scaling. De teamfight aussi. De teamfight également. Mais attention, parce qu'en teamfight, il y aura également le Azir pour les SKT gagnera la bataille de la range dans la mêlée. Il va falloir faire très attention au 2v2 mid jungle aussi. Voilà, Faker sur Azir. Le Shurima Shuffle peut partir très 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 vite. Humanoid manque un peu de vigilance. Absolument. Et la botlane qui devrait être en faveur des SKT comme T1 avec ce Draven et ce Thresh, on a normalement une winning botlane pour SKT. Le top et la mid lane sont beaucoup plus disputés normalement. Disons que honnêtement, je pense pas que ce soit win top et mid pour SKT. Non. Après, ça va dépendre des joueurs Splice. Voilà. C'est le problème, c'est qu'il y a quand même quelques match-up de skill. Il joue un match-up de skill. Ryze, Azir contre Faker, il faut vraiment avoir beaucoup de skills. C'est pas évident, mais peut-être que Humanoid a beaucoup de skills, je pense. La question, c'est va-t-il réussir à le canaliser suffisamment pour ce match 3. Les Splice qui pourraient sortir des championnats du monde après cette rencontre, il faut tout donner maintenant face au SKT. Voilà, il n'y a plus rien à perdre. Visichachi, c'est peut-être ses derniers words. C'était un des joueurs vétérans qui avait le plus de matchs avant d'atteindre la scène internationale. Le plus même. Le plus. En Europe en tout cas. Non. Je vais pas les donner partout dans le monde bien sûr. Non bon, on sait que ça était déjà la croix et la bannière pour ce joueur d'arriver jusque là. On a pu le voir à son sourire. Mais après l'a ses qualifications. Fait, il l'a fait. Et finalement, il faut dire qu'il s'en est beaucoup mieux tiré. Il nous a fait peur en play-in, il faut le dire. En play-in, la plupart de ses matchs étaient catastrophiques. Mais à partir des group stage, c'est un autre Visichachi qu'on a retrouvé. Et là, j'attends un beau barou d'honneur de sa part sur ce pick Horn. C'est ça, il n'y a rien à perdre de toute façon. Personne n'aime placer Splice en favori. Oh, Kobe qui joue Klepto. Mais ça caille ça. Ah, c'est pas une masterise pour gagner purement le 2v2. Hein. Je me vois là très étonné. Hein. Avec Khan avec sa Klepto aussi d'ailleurs. Le petit Renekton Klepto de Cannes. Nuguri a fait des petits dans ces Worlds. Ok, Klepto pour Renekton. Alors, ceci dit, c'est vrai que le Conqueror, c'est quand même excellent sur un bruiseur pour battre un tank à terme. Ah non, voilà. Ah ouf. Okay. Il y a eu un bug. Il y a eu un bug, ça a été remis au goût du jour. D'accord, parce que là, je me disais, c'est étonnant quand même de ne pas voir. Le Renekton Klepto, j'ai dit, pourquoi pas. Ouais, je me dis bon, ok, pourquoi pas. Mais c'est vrai que contre un tank, tu te dis quand même le c'est SKT, ils savent mieux. Ouais. Et finalement, l'étal tempo sur Faker, par Predator. Par contre, là, super agression des Splice d'entrée de jeu sur Alain et Khan qui va travailler Chachi au corps à corps. Et attention, le problème pour Horn, c'est que ses cooldowns au niveau 1 font que les trades sont. Ah, il a pris le pilier comme ça, d'accord. Donc il a quand même moins de dégâts potentiels qu'avec son Z. Il faut qu'il fasse attention. Khan qui est en train de travailler ce 1v1. Attention, Xerxe n'est pas loin. Mais Khan va directement aller poser une ward. Il a du sustain, il a pris le filtre de chrono potion, donc on l'a vu, la récupération en termes de points de vie au niveau de l'utilisation de la potion de corruption. Mais il en a plus. Il en a plus. C'est terminé, et maintenant c'est le sustain naturel du Renekton qui va prendre le meilleur. Clid de son côté, start red. Oh, il va nous faire un full clear a priori, Clid, pour terminer peut-être vers le top side. Est-ce qu'on se dirige vers un dive? Les SKT qui ont toujours choisi de partir sur la voie du dive en early game dans ce best of 5. Et non, on ne part pas directement. Ah si, c'était une histoire de vision pour Clid. Direction
vers sa top jungle, tandis qu'Humanoïde est dominé pour l'instant. Il est vu d'ailleurs, Humanoïde, sur ce gank au mid. La ward vient d'être posée, il n'a pas eu l'information. Donc là, il perd un peu de temps. Clid ne va même pas rester, hein, à partir du moment où Faker est prévenu avec son Azir. Mais la position de la wave est bonne là pour un gang de Xerxes, il le sait. Le jungler des plateaux flashing Humanoïde et Faker qui se repositionne directement, flash pour flash. Ah, il se fait freeze un petit peu, Faker. Il y a la ward hein, exercé, il est revu. Il est toujours pas parti dans sa botte jungle. Ce qui est bien pour Splice, c'est quand même qu'ils ont un 2v2 mid jungle qui est gagnant normalement. Skarner, bon. Faut faire attention au niveau 6. Il est là pour poser des contrôles. Oui, c'est sûr. Non, mais le niveau 6 peut être différent. Mais précis, oui. Je vois pas trop comment Esqueti gagne un 2v2 là. Bah, si la Rek'Sai se fait engage et se fait stun, par contre, ça peut devenir un peu plus compliqué. Et si il y a un gros focus du Skarner et du Azir sur la Rek'Sai. Mais bon, normalement on avait la vision. Au niveau de la top lane, Vizicacci qui va tranquillement attendre sous sa tour. C'est dur à dive un Horn, je pense qu'il est assez safe normalement Vizicacci. Ouais, bah tu peux jouer avec la charge sur la tour hein, tout simplement. C'est vrai que quand tu charges sur la tour, ça prend vraiment toute une zone autour du bâtiment. Donc c'est très difficile honnêtement d'y échapper, surtout si t'es deux corps à corps. C'est le cas de Renekton et de Skarner, donc c'est pas évident de dive ce Horn, je te rejoins. Clid qui est plutôt là pour contrôler a priori cette early game. Il va quand même se diriger top, mais il fait son back. Ouais, on s'attend pas trop à un dive pour l'instant. Non, non, et pour l'instant statu quo sur les lanes. On va voir quel sera le choix de Xerxé. Il a un back de retard, Xerxé, est-ce qu'il va tenter quelque chose? La vision posée par Esqueti est toujours excellente. Par contre, là, j'ai l'impression qu'il est passé à travers le rideau de ward. Il n'a pas été vu. Il voit pas de ward, mais voilà. Il n'est pas vu. Il n'est pas vu, Xerxé. Est-ce qu'il y a un gank à trouver? Oui, mais il y a une autre ward là. Ah, on a bien timé le reset des Krug hein, pour Khan. Hein. Ouais, puis on utilise bien sa priorité pour les SKT, on va poser des wards à ces carrefours cruciaux. Et on a donc l'information que le bot side est totalement libre de présence Splice. Donc là, Clid, il est du côté de la carte où peut-être il y a quelque chose à faire, mais encore une fois, il a un bon setup avec sa lane, mais la bot lane de Splice étant sous sa tour, ça devient quand même beaucoup plus difficile. Et il n'a pas de flash Humanoïde, on a eu la vision sur ce Skarner qui reprend son cristal. Il est sûr de vouloir y aller Humanoïde, son jungler n'est pas là. Il n'a pas son flash, donc il peut très très vite tomber. Et Clid va aller partir un peu au counter jungle, il vient poser sa pique. Le il contrôle la prise, tout. La prise de vision des SKT est tellement incroyable à il chaque contrôle fois. Tout, il sait qu'avec Skarner, et Azir, leur but c'est pas de fight en early game et donc Clid se mue tout simplement en machine à vision dans ce match, bien aidé par Khan qui prend les informations au niveau des Krugs qui sont vraiment un camp important de la jungle qu'on a tendance à ne pas laisser trop traîner. Et donc régulièrement tu peux prendre l'information sur le jungler adverse sur ce camp là, mais les Skitty qui quadrillent vraiment bien la jungle des Splice. Attention, la ping va être repérée tout de même par Norskeren. Et il faut faire attention aussi sur ce timing, TP advantage pour Khan, voilà, qui n'a pas utilisé son TP pour revenir sur sa lane. Absolument. Donc là, tous les moves en bot side sont très dangereux pour Splice, il faut vraiment respecter ce timing. Surtout que Clid va bientôt passer niveau 6, donc je pense qu'on pourrait vraiment avoir un play bientôt avec le niveau 6 de Clid. Il se dirige vers la top lane, il va aller prendre le red buff, mais attention, mais peut-être que les Splice pourraient faire quelque chose au niveau de... S'ils ont la formation, il y a un dragon, il y a la bot lane, à gank. Il y a toujours cette téléportation et on va jouer le dragon. Ça, c'est très très bien vu pour Splice. Là, c'est bien joué hein, parce que là, je sais pas trop pourquoi Clid est sur le topside pour le coup. Alors certes, il couvre Khan et son Renekton. Ils ont peut-être essayé d'intercepter Xerxé. Hein. Un intercepte Xerxé avec le push du Renekton. Il le décale à deux sur son red buff. Peut-être. En tout cas, c'est un très bon dragon réalisé par les Splice. Ce Khan, il est sans peur sur cette phase de laning. Hein. Il est en train de proxy. On prend la totalité de la jungle. Attention, il y a un niveau 6 sur Clid. Ah. Il n'y a pas de ward. Humanoïde n'a pas récupéré son flash. Il est mort, Humanoïde. Il est mort, il ne pourra rien faire. Il se fait traîner dans la boue. First Blood pour les SKT. C'est d'une propreté. C'était facilement réalisé. Il perd quand même un dragon infernal, hein, les SKT dans la manœuvre, donc c'est pas non plus excellent pour eux ces deux dernières minutes de jeu, mais c'est quand même First Blood. Ils sont devant au goal pour l'instant, quasiment 1000 d'avance.
Mais voilà, Clyde a conservé son flash. Ça, c'est aussi une donnée très importante, je pense, dans l'histoire. Et il y allait nature. Hein. Et attends, il a... Qu'est-ce qu'il a comme rune, Clyde? Il a présence of mind, tu crois? Là, quand même... Bah, probablement. L'ulti revient très vite, hein. Alors, ils sont vus, Vizichachi, le dieu de la forge, il faut pas prendre le stun, on va tout mettre sur ce Skarner, l'arrivée de Xerxes, il y a le flash hein, pour Clyde, encore le flash, et c'est bon, le flash est de Baron de Xerxes. Il n'y a pas d'ulti pour Khan, il peut pas répondre dans cette situation, il doit reculer, les Splice reprennent l'initiative, l'ulti de Xerxes, Khan, un slice and dive, mais flash in auto-attaque de Vizichachi et 2 kills à 1 pour les Splice. Ça fait beaucoup de bien et ça va peut-être, et même ça va forcément forcer la TP de Khan sur le top side. On va pouvoir souffler un petit peu en bot side et peut-être jouer un peu plus pour le bot, pour Splice. Vizichachi s'en tire très très bien. Et ça pardonne pas Inrexa et surtout il n'y a plus d'ulti hein, pour Clyde. Donc là purement dans le 2v2, on n'a pas pu focus, on n'a pas pu finir Vizichachi. Très très bon flash on bureau de Xerxes. Et Clyde finalement, en décidant de reculer pour poser un dilemme à Chachi, se condamne. Je pense que s'il avait juste marché sur Chachi en gardant son stun, il aurait peut-être pu stun Chachi avant que celui-ci puisse réactiver le bouquetin. Et ça aurait peut-être pu mieux se passer dans cette situation. Bon, je dis ça, peut-être pas. Mais en tout cas, en reculant, il a finalement donné une meilleure possibilité au Splice qui avait là une cible isolée. Allez, la prochaine étape. Clyde est premier au gold. Ah oui. Il y a eu un kill. Après, il a pris vraiment toute la jungle topside des Splice. Ouais. Et il a eu les 400 gold quand même du First Blood. Et là, maintenant, le but, c'est de faire tomber cette duo lane pour Xerxes. Faire tomber les stacks de ce Draven avant que ça devienne critique. Oh, le flash in. Il y a un flash in. Flash out de Humanoid, pardon. Sur une, sur une partition impériale de Faker. Ouais, ça, le problème, c'est que au prochain round, normalement, c'est le kill pour les SKT. Attention, les Splice qui contestent la vision. Ils ont réussi à outpush sur la bot lane. C'est leur timing de prise de vision aux Splice. Les SKT doivent respecter et concéder maintenant cette river bot. Mais attention, directement, faut directement reprendre l'initiative sur le bot side. Les SKT sont déjà en place et une des difficultés, bien sûr, pour Splice. C'est toujours de jouer avec la menace de Snowball de ce Draven. Tu sais que tu ne dois pas faillir lorsque le Draven est impliqué dans une action. Xerxes qui est reparti plutôt sur la top lane. Est-ce qu'il y a un nouveau gank à trouver sur Khan? Sachant qu'il y a des wards, hein, il les a vus, voilà, ils ont été ping. On les a pas scoutés du côté de Splice avec la fleur de vision. Scan qui voit venir ce dive, on a le roaming, le très célèbre roaming de Mata. Ça c'est classique Mata. Ouais, mais on est un peu en retard du côté des SKT, on a un ulti Renekton quand même, il va tenter de résister Khan. Mais le kill est assuré par les Splice, attention à ne pas rester trop longtemps. Cependant, la réponse SKT pourrait être cinglante. Humanoid qui décide de TP ici, c'est extrêmement risqué comme endroit de recall. Et Chachi qui assure la prise d'aggro. Humanoid ne prendra qu'un seul coup de tour. Tout va bien pour le mid laner des Splice. On s'en tire et c'est le troisième kill pour Splice. Mais les SKT sont déjà sur le play suivant. C'est un héros de la faille. Un héros de la faille. On sait qu'on doit reset du côté des Splice. Imagine qu'il y a une téléportation. On va revenir. On va essayer de prendre la défense. Norskeren qui récupère l'information. Ça va être dur. Hein. Même avec l'info, il faut repush le mid. On n'a pas le horn au top. Il n'a pas sa TP. Et ce sera un héros de la faille pour les SKT. Qu'on pourrait mettre directement sur le top side. Un dragon infernal dans 15 secondes, c'est le prochain rendez-vous pour Splice. Très 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 important ce dragon infernal. C'est vrai que s'ils arrivent à le prendre, honnêtement, ils ont l'initiative hein, sur ce dragon normalement. Ils y vont hein, parce qu'ils ont vu que Clyde a mis l'héros de la faille au top. Il n'y aura pas de défense du dragon infernal par les SKT. Hein. On va sacrifier cette tour, on va sacrifier les golds pour aller prendre une option un peu plus forte en scaling. Pas mal à ce qu'ils font Splice. C'est une belle réaction. Alors certes, ils perdent beaucoup de gold sur le top side, mais le Renekton est déjà à 0-2. Alors, après, dès qu'il a Shojin, on sait que c'est un autre animal, bien sûr. Il essaie de défendre Vizi, c'est dur. Hein. Parce qu'il n'a pas du tout de vision, donc si jamais Clyde est là dans le coin, il se fait dive. Et ça, il peut pas vraiment en être certain. Donc voilà, c'est le choix de Splice. Oui, et c'est pas mal ce qu'ils ont fait sur la première game aussi. Hein. Jouer en cross-map,
à l'opposé de ce que font les SKT et répondre. Et honnêtement, la game 1 était plutôt solide en early pour les Splice. Et là, honnêtement, tant que Splice n'a pas permis aux Draven de banquer, je pense qu'ils peuvent être plutôt sereins pour la suite. Sereins dans le sens où ils pourront bien sûr avoir des options. La partie impériale, il n'y a plus de flash. C'était l'heure de la punition pour Emmanuel qui va être à 0-2 maintenant. Dur, mais encore une fois, ça lui pendait au nez, on le savait. Sur le prochain passage mythe de Clyde, il n'y avait aucune option pour éviter le Shurima Shuffle de Faker. Et la duo lane qui est très très bien gardée, Xerce qui met sa ping, qui prend l'information sur Clyde. Il n'y a pas d'ulti sur Clyde, donc il ne peut pas vraiment prendre le 1 contre 1 contre Xerce. Sa duo lane est push. Il a eu les informations en plus, Clyde. Il sait que cette Rek'Sai traîne dans les parages, qu'elle contrôle les buissons. Et il va faire le grand tour, tout simplement. On n'abandonne pas la bot lane. La lanterne de Mata en réception directement de Norskoren. Allez, le dieu de la forge qui va arriver aussi. On touchera Mata du bout, mais c'est pas grave, c'est suffisant. Les stacks de Teddy tombent. Absolument, et c'est vraiment un point important en soi. Draven, le passif du champion est une sorte d'objectif dans un match de League of Legends. Un objectif à abattre pour l'équipe qui joue contre. Le grab, il n'a pas de partition impériale, il a son flash Faker qui tombe sur excellent un grab de l'initiation. De côté de la carte, c'est Humanoid qui tient la top lane face à Khan qui a terminé sa Shojin. Et les Splice prennent l'ascendant en termes de gold. Une tourelle tombera. 2-0-2 pour Chachi, 2-0-2 pour Xerce. Les Splice en bonne situation dans ce match. Mais attention au scaling bien sûr de ce Azir, même si ils ont largement sur le papier les arguments pour y répondre. Et encore une fois, le side potentiel du Ryze, quelle inspiration de Norskoren. Le point de retombée de la lanterne, Teddy est éliminé. Et derrière, Faker qui fait la rotation pour la défense, mais qui est lui aussi surpris par l'encre de Norskoren à l'abordage. Mais c'est bien couvert par Xerce, voilà, qui zone un petit peu. Et on avait claqué deux ultis hein, sur cette mid lane. Donc oui, on a eu Humanoid qui a 0-2, mais derrière, la punition ne s'est pas fait attendre. Et maintenant, on s'occupe de la tour au top. On vient couvrir Humanoid qui est en train de free push. Les Splice sont dans un très bon rythme. Ils sont à égalité au goal, mais avec ces deux infernos, il y en a un troisième Chips qui est en train d'arriver à 1 minute 45. Ils pourraient mettre la main sur les trois, les Splice. Est-ce que les SKT regretteraient leur investissement peut-être sur le top side à différents moments? Le plan, ça a l'air vraiment de faire Snowball Khan envers et contre tout. C'est pas le, enfin, ça a pas marché là. Mais sur ce match-là, il semblerait que le plan SKT ait du plomb dans l'aile. Attention, de nouveau, Faker qui se repositionne. On cherche Mata. C'est flash de Mata. Le flash de Norskoren entre deux tours. Et l'assassinat ne sera pas... Ah, Mata réussi pour les Splice. Les lanternes, les de, lanternes de Mata, légendaires dans l'histoire de League of Legends. Elles n'ont pas vieilli, ça permet à Teddy de se remettre un petit peu d'aplomb, voilà, de prendre cette tour. Par contre, on perd la mid lane pour les SKT. Les SKT qui ne dictent pas le rythme de cette partie, peut-être pour la première fois depuis le début de ce quart de finale. Absolument. C'est eux qui sont dans le dur. Absolument, les Splice sont pour l'instant devant dans ce match. Ta prise de la T1 mid va libérer encore plus de profondeur pour des ultis de Horn. Déjà qu'on a vu Norskoren se jeter comme un mort de faim sur Faker entre T1 et T2. Et là, Chachi qui va vraiment avoir toute la liberté possible pour mettre des ultis dévastateurs dans la backlane des SKT. Les SKT qui vont jouer pour la prise de vision sur ce dragon, les Splice. 30 secondes. Faker, pas de partition impériale. Teddy, pas d'ulti. Clyde a le sien. Là pour les Splice, ce teamfight est importantissime, c'est peut-être le breaking point de la partie. Attention, Faker a récupéré sa partie impériale, elle est niveau 2. Elle est niveau 2, ne pas laisser d'ouverture à Faker pour plonger dans la backline et semer le chaos. Norskoren qui est en c'est dangereux ça, Norskoren qui est venu s'empanner en plein milieu la partition impériale de Faker. Faker qui arrive à 10 en viette, et qui est suivi par Xerce. Mais Teddy, et attention Teddy, qui tombe. Teddy qui braque la banque finalement, tandis que Khan est en train de faire un énorme travail dans la backline. Teddy qui flash in, le kill est pris, double kill pour Teddy. Faker est tombé, mais les SKT répondent avec violence, triple kill pour Teddy. Ce Draven est désormais sur orbite et le dragon infernal
ne peut plus échapper au SKT. Ouais, on a tout mis, on a Faker, tout mis sur Faker. Faker s'est fait ouvrir, effectivement. Mais il a quand même permis à son équipe de respirer avec la partition impériale. Les Splice ont dû vraiment complètement se séparer. Tu sais, ça me fait un peu penser au match 1 quand Humanoid juste se suicide pour aller tuer Faker. Avec Sable Blanc. Par moment, il y a ce côté. Faut qu'on le tombe. Faut qu'on le tombe. Faut qu'on le tombe. Faut qu'on emporte ce souvenir de nous en train de marcher sur Faker. Et là, Nancyon, il tente un grab un peu à l'aveugle. Le flanking hein, de Khan est très très bon. Le truc, c'est qu'Humanoid, bah, pour l'instant, il est pas très bien dans sa partie. Quel travail de Khan, honnêtement. Il occupe à lui tout seul la backline des Splice. On a oublié Khan dans l'équation. En fait, Dizzy Chelsea, en chargeant comme ça, il a dégarni un petit peu sa backline. Absolument. Et Xerxes qui all-in, lui aussi est séparé. Donc, ça veut dire que Chachi et Xerxes étaient isolés. Pareil, Humanoid qui s'est fait régler dans un coin par Teddy et Clid. Et du coup, bah, c'est vrai que l'organisation était meilleure côté SKT à la fin de la partition impériale. Mais Splice est toujours là. Certes, ils sont plus devant au gold. Ah, mais il y a des choses à faire. En plus. C'est maintenant, par contre, effectivement, la menace à gérer. C'est ce Draven, l'âme d'infini, soif de sang. Ouais. C'est, ça rajoute un peu de piment et un peu de difficulté. Mais la domination de la carte est toujours, la position de la carte est toujours côté Splice. On va essayer de jouer autour de cette T2. Faker n'est pas là, n'a pas de TP. Est-ce qu'on peut aller vite? On va aller sur la lanterne, la téléportation grâce à Humanoid. Mais on envoie une Orskeren vers une mort certaine. Oui, le portail transdimensionnel des Splice était quand même hyper ballsy. Les SKT l'attendaient, mais quand même, c'est une T2 récupérée par les Splice. SKT forcé de concéder cet objectif. Et les Splice qui ne se démontent pas et qui vont chercher des dives quasiment à la chinoise, à grands coups d'ulti-rise. Ils se battent, hein, ça mouille le maillot côté Splice. On revoit l'action, ouais, le portail transdimensionnel, on en voit vraiment ce pauvre support. C'était vraiment Boldy. Hein. Mais bon, même ils prennent la T2. J'ai l'impression est surpris, il met son dû de la forge un peu tard. Ils prennent la T2, donc c'est pas un mauvais mouvement finalement pour les Splice. Non, puis ça a forcé un peu Faker à bas avec un Faker qui est en train de split sur le top side. Retour sur la carte, là on sort d'un reset pour les joueurs Splice. Le Baron Nashor est disponible, il faut qu'ils prennent la prochaine wave. Ils peuvent l'attaquer un peu avant normalement les SKT. Akobe, là, qui va peut-être laisser Teddy revenir trop rapidement. Ah, on change de direction pour Teddy, non, on décide de rester sur la mid lane. Et finalement la priorité mid sera bien pour Splice. La vision au Baron devrait donc leur appartenir sur ce reset. Ils ont tous des pinks, hein. Tout le monde est bien chargé en pink ward. Mais je sais pas trop pourquoi ils hésitent là. Il faut vraiment qu'ils occultent la vision SKT autour de ce baron. Ils sont en train de le faire. Par contre c'est vrai qu'on a, on a pas trop de visibilité au mid. Xerxé qui s'avance pour punir, il a pas d'infos, le sens tellurique ne lui révèle rien. Avec le TP du Manoïde, il pourrait tenter... Enfin, sachant qu'il a TP, il pourrait tenter un 1v2 sur un side, les Splice. Avec Kai'Sa et Ryze, je crois un play avec la Kai'Sa vraiment sur le side. Le problème, c'est que qui récupère la priorité mid dans ce cas. Bon, alors si on la récupère haut comme ça, ils auront un temps de jeu à disputer peut-être les Splice. Ils décident de jouer plutôt autour du Horn. Donc on transitionne vraiment à fond pour le Baron, pour les Européens. Ouais, en termes de gestion de lane, maintenant Khan a récupéré le bot. Donc ils vont devoir jouer vite. Hein. On joue en cross-map, encore une fois, les Splice qui essayent au maximum d'éviter les teamfights contre SKT. C'est trop dur de jouer en teamfight contre SKT. Donc on joue vraiment sur des tentatives de pick-up. Ouais, alors Humanoid qui doit reprendre la wave de très loin, mais du coup ça donne la possibilité à Khan d'être en embuscade. Il est patient, Khan. En 1 contre 1, il y a la QSS, il y a le Séraphin. Il n'a pas les dégâts non, pour l'instant, Humanoid. Sachant qu'Humanoid retrouve son flash là maintenant. Humanoid, il a besoin de farm, il a besoin d'un tout petit peu de temps pour rentrer dans sa game. Ah, ce fameux moment du Baron, un moment, on le sait, où les Splice ont souvent lutté pendant la saison régulière. Prenant des priorités mid, prenant la vision au Baron, mais ne réussissant pas à finir la prise de l'objectif. Et les SKT qui reprennent la main. C'est, honnêtement,
c'est dommage qu'Humanoïde soit revenu vers la mid lane et qu'ils aient pas continué à pressure mid en récupérant les wave. Enfin, bot en récupérant les wave mid, parce que du coup, ils ont juste laissé Skitty reprendre pied petit à petit sur la bot lane et sur la mid lane. Les dragons des océans, plus de disques solaires pour Faker. On a repush le bot, on veut retourner au niveau du baron Nashor. Humanoïde a fait le déplacement. Khan, lui, vient de faire son reset. On n'est pas allé prendre de stuff hein, pour Humanoïde, donc on doit avoir un peu de gold en stock. Oh, c'est un all-in. C'est un all-in, mais ça a été vu. Hein. Ça a été vu complètement du côté de SKT. Clit va venir. On est prêt à cancel du côté des Splice. Et ils vont y aller. Clit qui prend la vision. Clit qui flash in. Ils vont tout mettre sur le support, le dieu de la forge. Et le coup. Oh, le all-in massif de Splice. On est dans la backlane Kobe face à Khan. Faker également en difficulté. La partie scampère lui permet de repousser les tentatives exercées. La veste sécurisée à l'ulti. Et les Splice qui remportent au teamfight. C'est un ace en faveur des Splice. Qui va partir sur le baron Nashor. Le public à Madrid est en délire. Premier teamfight vraiment gagné de Splice, oui. Contre les triples champions du monde. Absolument, ils n'en avaient pas gagné un encore du BO, les Splice. C'est leur premier. Alors on va revoir, mais le choix de SKT est peut-être contestable. Décider de remorquer Norskuren et de tout mettre dessus. Surtout que je pense, en fait, bon, ça à la limite, on peut en discuter, mais je pense que le pire pour eux, c'était d'être vraiment dans ce choke point face à un ulti horn qui a pu les aligner, les Splice, ils ont attiré dans leur piège. Regardez ce couloir. Parce qu'on mortel met beaucoup, contre un ulti horn. On met beaucoup sur leur Skuren. Mortel contre un ulti horn. Et là, effectivement, suppression instantanée du Draven. T'es Faker direct. Faker se fait cancel son dash par l'unbureau de Xerxé qui le suit. Quel game de Xerxé. Énorme Xerxé. Énorme C-Wars tout simplement pour le jungler. Des Splice. Ah, pour le coup, il a une belle cote hein, sur le marché du mercato. C'est sûr, c'est sûr. Et les Splice qui sont devant maintenant en contrôle. On a sécurisé le baron Nashor et les SKT pris au piège sur ce teamfight dans ce choke point. Un endroit rêvé pour un ulti horn. Quel fight de Splice, tout simplement. Maintenant, il faut réussir à utiliser Il faut finir. Alors, sachant que, attention, hein, il faut quand même considérer que le late game de Splice bénéficie en plus des outils améliorés du Horn, des améliorations qui, clairement, je pense, leur donnent l'ascendant en scaling. Ouais, on a le Zonia amélioré déjà, on a un petit Abyssal amélioré côté Visichachi avec la cape solaire. Là, on se répartit mid-bot. C'est Xerxé qui amène le buff baron en bot side. On veut garder le Horn pour le dieu de la forge. C'est très important en counter engage ou même en engage en punition. Et voilà, les SKT ne vont pas demander leur reste. On abandonne la T2. Par contre, la rotation top n'est pas vraiment possible. La vague, il faut aller la chercher. Khan a push au maximum de ses compétences. Et les SKT là, en termes de conditions, c'est pas évident. Hein, parce qu'encore une fois, ils side moins bien que les Splice qui ont ce rise. Ils engagent moins bien que les Splice qui ont ce Horn. Donc là, oui, on le sait, ils sont brillants mécaniquement, ils sont brillants en teamfight. Ils peuvent réaliser de très belles choses. Mais attention, les Splice ne sont pas la pire équipe du monde en teamfight de late game. Très loin de là. Et ils ont les armes, a priori, pour briller. Quand on regarde les KDA, les golds des joueurs, le stuff, ils ont de quoi faire trembler SKT ici, maintenant. Allez, la T2. La dernière T2. C'est récupéré, c'est une minute de Baron Nashor pour Splice, 5000 gold d'avance. On pourrait prendre une seule game. La partie sur Impération Xerxé qui flash out. Ses tunnels sont là. Son réseau de tunnels est là. Il s'en sort, Xerxé. Et le top, c'est la réponse des Splice directement. Khan qui stopwatch. Mata est en soutien. Et Vidichati qui devrait tomber. A priori, on vise la T3 du côté des Splice. Kobe qui tente de bombarder de loin. Mais on a repris l'initiative. Clid est au contact. Humanoïde tente de s'en tirer. Oh, c'est peut-être trop difficile. Khan, slice and dice. And kill pour le top laner des SKT. Et les Splice qui voient leur baron Nashor se terminer maintenant, Noir. On aura fait un peu de gold, on aura pris l'ascendant, on aura bien avancé sur la carte. Alors certes, forcément, ça se finit de façon un peu brutale pour Splice, mais on garde le lead sur la partie. Ouais, 2K gold en baron powerplay, c'est pas la folie pour des Splice qui ont peut-être trop voulu écarter les SKT. Alors c'est vrai qu'encore une fois, SKT a une draft plus statique, mais... Et ce dive qui était peut-être... C'était peut-être pas le problème d'écarter, mais peut-être le problème de forcer, ouais. Peut-être trop pour Splice. On est allé un peu loin. On est allé un peu loin sur un Renekton. Il y avait le Thresh qui était en position. On s'est dit qu'il y avait
plus de joueurs qui étaient partis sur le surnombre sur Xerxé. On a tenté le coup, ce n'est pas passé. C'est avec de l'ambition aussi qu'on gagne des matchs comme ça, bien sûr. Ils le savent, les Splice. Mais là, ça a été difficile. En tout cas, ils poussent les SKT sous leur T3. Et ce qui est intéressant, c'est que... Bon, bien sûr, une équipe européenne a battu pour l'instant SKT dans ses Worlds. Ce sont les Fnatic. Mais c'était dans un genre très différent. Les Fnatic qui avaient réussi à emballer le match et à hard snowball en quelques minutes. Mais là, entre SKT et Splice... Ça va plus être une affaire de late game, de teamfight et de macro. Et j'avoue que c'est le domaine où normalement il est très difficile de contester SKT, mais en même temps, Splice est sans doute une des meilleures équipes européennes à ce niveau. Donc je suis très curieux de voir jusqu'où on peut aller dans cette confrontation. Emmanuel fait un peu plus de dégâts maintenant. On a fini le bâton du vide, on a le Riley aussi, on l'a vu hein, dans le chase avant qu'il meure. Un combo Rise peut faire la différence. Donc on a réussi à revenir après un focus assez important de la mid lane. On va juste garder la pression pour les Splice, on va pas se risquer et on va essayer principalement de jouer pour le prochain Baron Nashor. Maintenant, c'est SKT, ils peuvent come back n'importe où, n'importe quand, n'importe comment. Ouais, mais quelles sont leurs options après? Ils peuvent difficilement attaquer un split pusher des Splice à moins de... Et en fait, même avec une ward sur une lane, ils n'ont qu'un TP les SKT, donc vraiment... Si on est dans un format de jeu sur la carte, ils sont en difficulté. Les Splice le savent. Les Splice ont reconnu leurs conditions de victoire dans ce match. Ils savent que le Ryze commence à être difficile à attaquer. Il est tanky. Il a QSS. Donc réussir à vraiment... Le shutdown va être très difficile pour les SKT. QSS en Orskuren aussi qui vient d'arriver. Exactement. Ange gardien sur Xerxé. On a beaucoup de choses. Warmog sur Vichachi qui commence à être assez résistant. C'est une belle front lane. Non, on a une très belle composition d'équipe pour les prochains fights. On a de quoi être serein côté Splice. Toujours avec Humanoid qui push sur la bot lane. Et des SKT qui n'ont pas de pick maintenant, qui peut normalement 1v1 se rise. Donc Khan va être forcé de rester bot. Mais surtout sur cette... Ouh là, le flash in de Clyde et Kobe. Kobe qui flash out directement. Il n'a pas réussi à prendre la lanterne. Et il est directement puni, Clyde. Les SKT qui perdent leur jungler. Sur le baron. Sur le baron, alors faut faire attention parce qu'on a mis beaucoup de summoners, on a mis un ulti très important du dieu de la forge, la grenade ASM de Norskeren, on a mis des flashs aussi, mais on n'a pas de smite pour les SKT, et ce sera un deuxième baron Nashor pour Splice, et maintenant Splice est un inhibiteur sur la mid lane, il y a deux tours, très long point de vie sur les side lane et le fight. Ils vont tenter le 5, le 4v5, mais c'est quasiment du suicide pour les SKT, c'est très étonnant. Donnez-vous à faire ça à Khan qui va tomber dans la mêlée générale et les Splice reconnaissent l'opportunité. Ils se disent que c'est peut-être maintenant ou jamais Norskeren en perd sa capacité à aborder les murs. Ils peuvent tout prendre, il faut envoyer quelqu'un tout de suite, faire la rotation sur le top side en même temps qu'on prend le mid. Il y a au moins deux inhibiteurs à prendre. Ils peuvent peut-être voilà, finir, c'est Manu, hein. Il va y aller, il va aller amener le baron Nashor. Ils peuvent peut-être finir honnêtement les Splice. C'est dur de finir, mais on peut prendre un avantage. Clyde qui remorque cette fois-ci. Oh, Chachi, oh, il avait encore une stopwatch. Il avait la stopwatch. Par contre, il est dans la cage. Il a le flash aussi. Visite Chachi, on met tout. Et Mata qui s'envole également dans la mêlée. On stopwatch. SKT qui ratisse avec une partition impériale de Faker. Kobe se bat comme un diable. Xerxé. Et Manu qui sort vainqueur. Ça pourrait être la game. Les Splice. Le jeu de la forge. Le teamfight. L'envolée. C'est la game. C'est la game. Le Duke qui prend une game à SKT. Il prend une game. Ce sont des héros. Une game. C'est déjà un exploit. Et quelle game. Et quelle victoire. Oh là là, les Splice devant un public madrilène qui ne demandait que ça. Qu'une petite victoire européenne pour exploser. Les SKT qui tombent. Oh là là. Mata pour son premier match de Worlds qui essuie une défaite, même si je lui jetterai pas la pierre. Le rêve. Une game pour Splice. 2-1. L'espoir. Un river sweep. Bien sûr, il faut y penser maintenant, match par match, j'ai envie de dire. Match par match, mais en tout cas, on a des Splice vraiment solides qui semblent être arrivés à une forme de stabilité de leur style.
de leur draft aussi. On voit hein, les skaters qui ont éprouvé les plus grandes difficultés du monde à engage, à gérer les sides. Leur draft était finalement assez déséquilibré et ils l'ont payé, je pense. Ils l'ont payé. Vizejachi sur un tank aussi, ça fait une belle différence. On le voit dans les engages, on le voit dans le style de jeu, on le voit dans l'impact au niveau de l'équipe. Ça a bien joué. Alors Humanoïde a pris un bon gros focus, mais à côté, tous les summoners qui ont été utilisés sur Humanoïde, ils ont été payés notamment sur les dives bot lane. Hein. On a très bien joué bot lane du côté de Splice. On a su être incisif. Alors forcément, on a sanctionné les erreurs SKT sur ouais. certains go-in, que les ce dragons soit Clid, aussi, hein. les dragons, Doom Infernal. Très concédé quand même par SKT, mais bon, on va aller en parler au desk. Avant de passer, effectivement, retrouver l'or et l'analyse desk, n'oubliez pas que vous pouvez suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitter ou alors sur l'Instagram au gaming. Tous les words au fur et à mesure de la question. Voilà, il y a beaucoup d'images de backstage, il y a des photos, vous pouvez suivre l'actualité. Il y aura aussi beaucoup d'activités pendant la semaine des championnats du monde. N'hésitez pas voilà, à nous suivre sur Instagram. Ceci étant dit, on va pouvoir débriefer cette partie, cette première victoire Splice dans ce quart de finale avec l'or. On l'avait dit, le début du River Sweep, c'est comme ça que ça commence, première victoire de Splice, et on est super content de les voir gagner de cette manière. On parlait du pick Elise qui avait été problématique dans, dans les parties précédentes. Ici, pas d'Elise, une Rek'Sai pour Xersei, et je trouve que c'est un pick qui était décisif ici. Non mais Xersei était juste trop fort, parce que jouer Rek'Sai contre Draven, Thresh et Azir, c'est vraiment pas facile. Et d'arriver à faire une telle game, c'est assez incroyable. Je pense aussi que la draft est super smart, parce qu'il y a un first pick Renekton. Avec Gragas et Liz de ban dans la première rotation. Ouais. Et le ban de Talia, je pense, c'est très très clutch pour Duke en deuxième phase de ban, donc en quatrième ban. Ce qui a fait que Clid était obligé de partir sur un Skarner qui n'était pas forcément optimal dans cette draft. En fait, le gros problème pour SKT dans cette game, c'est que généralement, on a toujours le ban de Renek sur les deux premières games faites par Splice. Là, cette fois-ci, on préfère ban Elise, ce qui contraint le first pick de Renek. Mais Renek, t'aimes quoi généralement? T'aimes avoir un setup de dive très très tôt, donc t'aimes aller récupérer la Elise qui était bannie. Donc il reste Talia. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas sécurisé le pick de Talia dans la première rotation de pick. Ça a été très intelligemment banni par Duke par la suite. Et derrière, on se retrouve avec une équipe SKT qui joue le scaling, qui ne peut pas jouer agressif comme sur les deux premières games avec les rotations monstrueuses qu'on a vues de Faker et de Clid en duo sur topside, botside. On a une game avec, je crois, un kill par minute. C'était extrêmement meurtrier. Et Splice qui, franchement, a régalé. Chapeau bas, monsieur. Avec une très belle draft, et surtout moi ce qui m'impressionne de la part de Splice, c'est que généralement on les voit on voit que justement le Skarner avec le Renekton n'est pas super efficace, ils n'ont pas les dégâts en fait de tomber des stochés assez vite. C'est Xersei qui va arriver assez vite, qui va pouvoir limite 1v2 le fight au final, et c'est là qu'on voit que le pick Skarner, même avec le Azir au mid, ils n'avaient pas forcément un 2v2 fort en mid lane et ni un 2v2 fort en top lane, et ça leur a fait très mal. En fait c'est ça, les conditions pour gagner étaient très très restreintes, et si jamais ça ne marchait pas en early, ça aurait été compliqué. Et on sait que Splice a tendance à relâcher un petit peu d'attention en mid game. Ici je trouve qu'ils ont fait vraiment un travail parfait. On leur reproche beaucoup de choses généralement. Ils ont réussi à garder la tête hors de l'eau, finalement à ace et Sketty en mid-game, à prendre un baron, à prendre fight sur fight, à jouer autour de la vision. C'est un Splice au pied du mur, mais qui fait plaisir, je trouve. Et ça me déçoit que Mata ait perdu sa game, mais bon, c'est pas grave, on s'en fout. Une game, une défaite pour Mata. Les stats qui tombent. Non, c'est vrai que voilà, il fallait peut-être ça. Il fallait peut-être se retrouver avec le couteau sous la gorge pour assister au réveil du serpent. Et là, ben voilà, on a une victoire contre SKT. Alors, est-ce que c'est le début de la remontada? Moi, j'aimerais bien voir ce scénario, mais à mon avis, la réponse de SKT va être sanglante. On va peut-être repartir sur un plan de jeu extrêmement agressif. J'attends ce ban éventuellement d'Elise. Alors, je ne sais pas si on a l'info sur les sides. Justement, pour ce game. C'est ce que j'étais en train de chercher. Je veux voir qui avait. Alors, c'est SKT qui avait la sélection du side pour la dernière game. Ils ont choisi de jouer Blue. Donc maintenant, ça sera Splice qui aura la sélection du side pour cette game. Je pense qu'ils vont vouloir garder le raid, non? Oui, je pense. Je pense aussi. Là aussi, on peut voir dans la game le pick Horn qui a été aussi très très important contre son Renekton en pseudo counter pick où il a juste tenu la lane et après il a fait un très très bon taf en teamfight. Et au final, Lazir pouvait pas jouer parce qu'il y avait un Horn qui lui courait dessus, un Kai'Sa ultimate et même la Rek'Sai qui, à chaque fois qu'il finissait les kills sur Azir, qui s'en allait. Et c'est vrai que franchement, les Splice n'ont pas hésité. Dès qu'ils avaient ultidorn, il fallait fight. Ils ont fait une petite erreur de fight pour le troisième infernal sans ultidorn. Mm-hmm. Et on a vu que de suite, sans ultidorn, ça changeait totalement la game. On a vu des tentatives quand même de SKT de défense justement dans ces situations de siège. Est-ce qu'ils auraient pu faire quelque chose, ou est-ce qu'à partir du moment où la composition de Splice était en marche, c'était compliqué pour eux? Oui, il y a toujours quelque chose à faire, surtout quand tu joues une composition avec un Azir et que tu as un tel scaling de disponible. Mais
il y a une prise de fight, notamment où il turn à 4 contre 5. Bon, c'est quand même extrêmement risqué les choix qu'ils font. C'est très très bien géré derrière par Splice. Et voilà, le résultat, il est sans appel. On le voit, le dernier kill, encore une fois, Xerxes qui va chercher Faker. C'est une victoire quand même assez logique au regard de comment s'est passé leur limite. Alors moi, je me demande, est-ce que ça force des bans côté SKT cette fois-ci? Je pense que peut-être juste le first pick Renekton, s'ils le refont, ils vont essayer de sécuriser un très bon jungler avec directement. Je pense que ça, c'était une assez grosse erreur et qui a été très 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 bien puni par Splice. Et après, c'est surtout un très très gros garçon. Hein. Sur toute la game, il finit en 7-0-7. Ouais. Même en botlane, il avait prévu des tunnels pour s'escape avec le Nashor. Enfin, c'était incroyable. Donc, tu as une énorme performance de Xerxes, une très bonne draft de Splice. Est-ce que ça peut repasser? Est-ce que Splice peut aller prendre une deuxième game? Depuis le début de ces Worlds, Xerxes, de toute façon, je le trouve absolument exceptionnel pour Splice. C'est très playmaker, que ce soit dans le sacrifice ou juste pour setup son équipe. Il est vraiment très efficace. On a l'information maintenant. Donc, du coup, Splice gardera bien le red side. Parfait. Je pense que c'est une bonne décision de toute façon. On veut s'offrir une porte de sortie pour avoir le counter. Mata out, surprise. Ah bon? Non, aucune surprise de ce côté-là, mais donc voilà. Désolé. C'est Efforce qui va revenir pour cette game. À quel point est-ce que ça peut impacter SKT? Parce que les deux teams gardent le même side. En partant du principe que les deux teams commencent à se connaître très très bien et qu'elles savent à peu près ce qu'elles veulent jouer, qu'est-ce que ça va changer? En vérité, je trouve pas que ce soit le joueur qui ait fait une grosse différence sur cette game. Je pense vraiment que ça s'est joué. Quelques ratés, mais bon. Ouais, pas qu'on puisse. Non, clairement, on ne peut pas lui jeter le blâme entièrement. En vrai, c'était pas des grabs qui faisaient la game. On en a vu quelques-uns partir un petit peu complètement manqués, mais pour moi, voilà, c'était vraiment à la draft, sur la première phase de la draft, surtout que ça s'est joué. Toi, en tant que main support, Triton, t'as un avis différent? Après, est-ce que ça aurait pas été différent avec un effort peut-être qui aurait pu être un peu meilleur sur son trash, surtout en laning phase, parce qu'ils avaient quand même un Draven Kai'Sa en lane, et on a vu que Draven n'a pas eu tout pris d'avantage, vous n'avez rien pris, ce qui est assez surprenant, même si le Nautilus est un très très bon pick contre trash. Je pense honnêtement que Mata fait ce qu'il a pu, il a mis les lanternes qu'il pouvait, etc. en fight, et c'est vraiment pas facile de fight contre la compo adverse. Donc je pense clairement jeter le blâme à Mata, c'est un peu facile. Je pense très très bonne draft, énorme game de Xerxes et Splice overall qui a très bien joué et c'est pour ça qu'il gagne. Et on verra s'ils peuvent rejouer comme ça une nouvelle fois 2-1 en faveur de SKT dans ce Bero. On verra ce que le mot draftus nous réserve pour cette quatrième game. On va faire une petite pause, on se retrouve juste après. We came to fight, we came to win. We lost before, but never again. Back on our grind, you know what it is. We gotta win, but win. Et nous sommes de retour, mesdames et messieurs, pour la quatrième et donc forcément avant-dernière game de ce Best of Five opposant les Splice au SK Telecom T1. Splice, mené 2-0, vient à peine de récupérer son premier point, Zab. Ouais, des Splice qui ont super bien joué la game précédente, avec une très bonne draft, l'homo draftust à l'œuvre, une énorme game d'Xerxes. Énorme game. Énormissime game d'Xerxes. Et effort de retour, voilà. On a mis Mata, on a perdu une game. Alors, on ne s'étendra pas sur les raisons, les tenants, les aboutissants. On va directement rentrer dans la draft, on ne parlera pas de Mata. Bien sûr, le sixième homme de SK Telecom. SK Telecom en blue side, Splice en red. Et dans la partie précédente, la victoire s'est faite avec Splice en red side. Ouais, Splice en red side. J'ai red side, je pense, qui favorise Splice, qui ne se prend pas dans la bouche les ultimes flex de SKT. Naturellement. Qui peut sécuriser deux bans après les picks de solo lane. Je pense que... Target ban! SK Telecom T1 a target ban, visite Chachi quand même, s'il vous plaît! Je pense qu'ils n'ont pas vraiment de réponse à Horn. Je pense qu'il n'y a pas. C'est beau! À moins que tu joues Laoi, tu vois, il n'y a, y a pas grand chose qui va démolir un Horn. Mais il y avait Braum, hein, fut un temps, mais bon, c'est pas. Ouais, mais bon, je sais pas, les joueurs veulent plus jouer Braum. C'est mort. Je sais pas ce qui s'est passé. C'est pas assez bon pour eux. Je pense que la Icalis est toujours bien. Rise First Pick. Bon, on le connaît, hein, ce Rise First Pick. Donc, du coup, ça va être Kai'Sa Gragas. Une Syndra rapido aussi peut-être pour les Splice. En tout cas, il faut adresser ce problème de Ryze et ce sera Renek Kai'Sa. Du coup, est-ce qu'ils vont pas pouvoir prendre un Lee Sin pour jouer Ryze Lee Sin pour avoir une bonne balance de dégâts les SKT? Parce que c'est sûr que la Elise est là, le Gragas est là. Non, on va rester sur Gragas. Gragas Yasuo bot lane peut-être pour les SKT. Ouh, le counter pick Renekton. Mesdames et messieurs, et voici. Et ou plutôt, revoici la Queen top lane cleanse. Ok, donc l'objectif de Splice est très clair, c'est push la mid lane décalée. C'est une game de pusher décalé pour Splice. Décalé. Pusher. Décalé. Ah, c'est ce que dit bien sûr Duke, hein, pusher décalé les gars. Talia, donc tu l'as
mid lane, jungle, qu'est-ce qui se passe? Mid, probablement. Xerxes peut la jouer jungle. C'est peut-être un flex, mais après ça a l'air d'être la réponse qu'ils ont à Ryze. Après ils peuvent toujours la mettre en jungle, mettre Renekton mid et sortir un gros tank contre Queen. Ça semble être un bon call parce que c'est vrai qu'on a pu voir ce match-up Queen contre Renekton en LCK. Et d'ailleurs Cad l'a joué à quelques reprises avec une cleanse. Il est vrai que Renekton n'a absolument aucun counterplay disponible. Non, il n'y a rien. Quand il flash stun, tu purges et puis c'est fini. Voilà, donc le flexé, ça paraît effectivement être meilleure des solutions. On va bannir le Ezreal de Teddy, le Nautilus de Norskeren. Peut-être le Lucian, le Draven. On n'a pas trop pris de support, tu peux aussi ban le Thresh, parce que Draven sans Thresh, pas trop de mobilité. Pas la même chose. C'est pas la même chose. Et on va ban le Blitz. Du coup, je pense qu'ils vont prendre le Thresh. Et ils vont le garder, ils vont dire bon, si vous jouez Draven, après attention à un flex. Je me dis, ils peuvent toujours flex sur Gragas en support, les SKT. Mais complètement, et moi je m'attends à éventuellement Yasuo de la part de Teddy. On sait qu'il l'a dans les bacs, on sait qu'il est parfaitement capable de jouer Yasuo. Après, est-ce que t'as envie de jouer des champions short range avec des dash contre. Je ne pense pas. Talia. Je ne pense pas, certainement pas contre les mecs de Talia. Thresh. Thresh plutôt bien choisi ici, je pense. Effectivement. Est-ce qu'ils peuvent pas Kate Morgue si jamais il y a Thresh? Très fragile hein, côté Skitty, mais bon. Fragilus, Draftus, ça les a jamais empêchés de gagner. La Syndra. Syndra contre Ryze, bon, ça reste dans les clous hein, bien sûr. Donc a priori la Talia serait jungle, ouais. Mais la Syndra peut être bot lane, tu vois. Ah, Caitlyn Morgana, Varus Tahm Kench. Oh, maintenant qu'il y a une Syndra, un petit Yasuo. Non, je pense que bon, on va quand même rester tranquille. C'est une game 4 hein, pour SK Telecom. Léona. Il n'est pas temps de blaguer Léona qui me semble quand même plutôt handicapé dans ce match-up. C'est eux qui a Thresh de dispo. Ouais, tout à fait. Il y a Thresh, il y a déjà la dispersion des faibles. Ouais, c'est pas un match-up évident, hein, Léona. La dispersion des faibles, il y a les mines de Talia. Kalista, Léona. C'est Kalista dans Talia? Incroyablement agressif. Non, absolument rien à faire. Ok, Lucian. Ouais, Lucian qui a un counter de lane. Varus. Alors, prenez un truc pour punir le manque de mobilité. Ah, Monsieur Splice, oui. C'est votre moment. Il va falloir frapper, en tout cas Nautilus et Epic ont été bannis en prévision bien sûr, tout comme le Horn. Mais là il y a peut-être la marge pour frapper fort sur cette botlane et sur ce qu'il y a des vulnérables draftés par Teddy. Thresh paraît être le pick le plus stable. Après je pense qu'ils ont envie de prendre quelque chose de peut-être plus agressif, les joueurs Splice. Thresh. C'est la Thresh-chance. C'est le Thresh qui est validé, donc voici les drafts pour votre quatrième match entre SK Telecom et Splice. Donc on n'a pas été chercher le flexing de Renekton. Il va bel et bien vivre ce match-up très désagréable face à la Queen de Cannes. Gragas, Talia Jungle. Alors Talia Jungle, bien sûr, un très haut niveau de base a été imposé par Canyon à travers ses Worlds sur la Talia Jungle. Il est vraiment bon sur le pick. C'est l'avantage. Je pense que Splice, tu vois, on dit souvent qu'ils n'ont pas beaucoup de champion pool et je pense que c'est vraiment à juste titre. Par contre, il y a un joueur chez eux qui a un champion pool quasiment infini en jungle et c'est vraiment Xerxes. Parce que derrière, il a Ivern que quasiment personne ne joue. On regrette un peu son Lee Sin quand même. Ouais, mais il joue Ekarim, quasiment personne le joue. Il joue Gragas, il joue énormément de trucs dans la jungle. Bon. Duo lane, la laning, il y a l'avantage de SKT sur le bot side, il a l'avantage de Splice sur la mid lane, il est even en jungle dépendamment des setups, il y a des très bons setups avec le E de Syndra et avec le stun de Vizicacci, et il est incroyablement à l'avantage de SKT sur le top side, donc SKT a les sides et Splice a le mid jungle. Ouais, le mid jungle, mais ce mid jungle de SK Telecom qui est piloté par certainement le pick le plus légendaire sur le joueur le plus légendaire de League of Legends après 10 ans. Bien, c'est Ryze et Faker, name more iconic duo. Il a son propre skin, il ne l'utilisera certainement pas, mais Faker perd très peu sur Ryze. Ouais, ça va être un match très très intéressant. Voilà, on va se préparer. La game 4. Jokers, Jukette, assemblez-vous. Vous n'êtes peut-être pas à Madrid, mais on vous entend quand même. Joke a besoin de vous. Miom! Mid-draft! Oh mon Draftus! Et on part dans cette game, Twix, SKT qui mène 2-1, Splice Redside, on a les drafts.
Allez, à suivre les starters de jungle, bien évidemment, et on va suivre l'évolution de ces lanes qui sont complexes. Et le public espagnol qui envoie du très très lourd. C'est confus, mais on imagine que c'est du splice. Et c'est un dragon infernal. A priori, étant donné qu'il y a une énorme fanbase, généralement, même si on est samedi, il y a toujours une énorme fanbase chinoise dans les événements. Mm-hmm. Je pense que les Chinois, généralement, supportent ceux qui sont contre les Coréens. Donc je pense que le stade doit être quand même énormément pour les... Pour c'est vrai qu'en Espagne, t'as les Splice Vipers qui avaient remporté la, exactement, la LVP. Bah oui. Les Splice, alors, ils sont connus un peu. On va suivre ce laning. Donc on le disait, un match-up sur les sides qui peuvent être compliqués, la range de Varus, le E de Effort avec le stun enchaîné avec les dégâts de Varus en létal tempo qui sont très difficiles à gérer. Et pour Vizicacci, c'est un match-up qui est ingérable avec Khan qui joue sa Queen Cleanse. Pour l'avoir vu et revu en LCK, c'est absolument ingérable. Alors après, il y a toujours des scénarios rocambolesques dans lesquels ça peut marcher. S'il joue presse et attaque, c'est qu'il a un plan. Probablement un combo. L'instant de kill sur un stun. Et regarde, regarde, on aurait un early start au blue. Au blue des SKT. Absolument pas scouté, quoique. Non, c'est pas vu. Vizicacci a pris un coup. Oui, il a vu, mais il a très bien pu. Il faire va revenir dans raid. Une trajectoire un peu. Ah, il attend. Il attend le fait check. Il attend qu'il aille poser sa ward. Il va poser sa ward. Attends, Vizicacci, hop. Ah, on va mettre le président d'attaque. Il gagne ce trade. Il gagne ce trade. Et là, s'il va jusqu'au bout. Il est obligé de prendre le E, Khan. La Vizicacci par contre qui va prendre pas mal de dégâts, la Talia qui arrive, il a l'information sur la vision. Il y a une ward hein, qui va le scout, le top laner, ça y est. Non, ils ont l'information là avec cette ward. Donc Clid est exercé, Clid va au bleu, on partirait sur une vertical jungle. Non, parce que Xerxé passe derrière la mid lane. Et attention par contre le bot side, il doit être vigilant sur le déplacement de Clid là. Absolument, c'est complètement scout hein, bien sûr, transition niveau 2 pour Kobe Norskeren. Avec Xerxé qui est en train de refermer les trajectoires d'escape, est-ce que c'est un flash in la part de Norskeren? Absolument, c'est un hook, il est pré-shot. Mais il ne passera pas. C'est bien ça, c'est très bien. Oh, le stun qui passe pour Humanoid. Attention, l'électrocute de Syndra, voilà, au niveau 2, qui permet de prendre l'avantage en PV. On va crash la wave. C'est un match-up. La range est gagnée par la Syndra. Le clear après le premier back est gagné par Ryze. Mais c'est un man, c'est pareil, c'est un mana match-up. Mmh. Celui qui arrive à utiliser son mana le mieux possible gagne la lane. Et beaucoup plus facile pour Syndra de setup hein, pour un kill, bien sûr. Ouais. Pas forcément besoin du flash. Match-up top lane, hein, donc dont on va beaucoup parler, puisque Khan va bien sûr se libérer dès la transition niveau 6. Je suis vraiment très impatient de voir comment Vizicacci va adresser le problème, parce que lorsque tu as des limites au niveau de la jump and pull et que tu sais ce que joue l'adversaire, tu dois te préparer avec tes propres armes pour contrer ses stratégies. Et là pour le moment c'est que de la souffrance, c'est que de la douleur. Mais Vizicacci à la limite j'ai l'impression que c'est un homme qui est, tu vois, il aime bien ça, c'est la douleur quoi. Hein. Il était modelé dans la douleur. Et voilà le trade, voilà. C'est un trade normal contre Queen. Elle prend 0 dégâts et vous prenez un quart de votre barre de vie. Donc back de Vizicacci qui va probablement perdre la moitié de la prochaine wave, le temps de faire sa téléportation. Exercice qui arrive au niveau de cette mid lane pour aller chercher Faker, justement le stun. Oh, et ça passe, le full combo ici avec les grenades, mais ça essaye de turn ici avec Clid qui intervient défensivement pour soutenir son mid laner. Mais le setup était bel et bien au rendez-vous pour les splice. Cela étant, c'est flash pour flash. C'est flash pour flash, mais back du côté de Faker. Probablement pas sur le meilleur timing. Attention, le trade sur le bot side de la carte Kobe. Mais les dégâts de Teddy sont bons. Le hook qui passe du côté de Norskeren. On va s'arrêter là, de part et d'autre. Et là, regarde, le back est excellent pour le match-up mid lane parce qu'il n'a pas sa larme de la DS. Il n'a pas sa larme de la DS et manifestement, il ne la vise pas. Est-ce qu'il cherche le Lost Chapter en premier ou... Non, c'est juste qu'il a fait. Il a pris le cristal de mana du Lost Chapter et le cristal de mana de la larme. Il avait pile poil pour ces deux cristaux. Ça va juste lui permettre de crash une wave, en fait, de spammer son mana pour forcer Humanoid à recall. Et sur le deuxième recall, il va pouvoir faire la différence. Après, Humanoid n'a pas utilisé sa TP, il va revenir à pied sur le crash de la wave. Oh, c'est très important. Et Khan qui est dans la tourmente ici, c'est instant cleanse. Mais le bump passera malgré tout. L'intervention défensive de Clid. Et c'est le trade back, first blood récupéré par Khan. Et c'est ainsi que la top lane de Vizicacci s'achève. Ouais, la top lane est décédée du côté de Splice, dommage, la mid lane a l'avantage. Je pense qu'on aurait pu renforcer cette mid lane au lieu d'essayer de jouer sur un site qui ne fera rien. Vizicacci qui utilise sa téléportation, Xerxé, on le voit, l'OPV, il ne peut pas trade. Oh, attention, faut pas emmener Xerxé là, faut pas le jeter dans le ravin le jungler. Clairement, et puis c'est une queen, hein, donc il n'y a pas de vision dans les side bush ou de choses comme ça, ça n'existe pas contre queen. J'ai l'impression qu'ils veulent juste récupérer cette wave, parce que Chachi doit lui dire, si jamais il me dive sur cette wave, j'ai perdu ma game.
et je vous perds la game. Mais c'est vraiment dommage cette phase de jeu. On te soutient. Mais ça s'annonce pas radieux non plus. Est-ce qu'il va réussir à avoir ce cancel ou peut-être même un kill? Oh, Vizicati qui joue un petit peu avec les nerfs de son adversaire. Un peu de mind game. C'est bien joué ça, parce qu'il a pas le niveau 6 Kian. Hein. Eh ouais. Il a pas le niveau 6, il y a un slow push qui a pas été crash. Ah, le passage niveau 5 de Kian qui lui sauve complètement la vie. Le phase rush qui proc, et regardez ça, il a quelques centimètres Vizicati, mais il est forcé de flash, il a pas la portée d'auto-attaque. Ouais. Kian qui bien entendu esquive la rafale filée de Xerxé. Et clean enfin pour la conclusion, c'est rudement bien joué par SKT. Bon, ce qu'il va falloir regarder, forcément Twix, c'est la mid lane. Ah oui. Les yeux sont autour du Manoid, parce que lui, il a un match-up favorable, il est parti sur de l'AP, donc il veut trade. Il veut forcer Faker dans des trades répétitifs hein, pour répéter. Répéter les mêmes patterns qu'il perd hein, finalement. Voilà. Amoindrir, ouais, c'est ça. Voilà. Amoindrir ses PV et le forcer en fait à crash à wave de loin, utiliser son mana et prendre encore un mauvais recall. Faker, il a l'habitude de ce genre de match-up. Faut voir qu'il y a un truc, c'est quand tu t'appelles Faker, tu te fais tout le temps camper en solo queue. Ouais. Donc pour lui, quand il arrive en compétitif, c'est quasiment plus simple. C'est un mercredi comme un autre. C'est vraiment, il est tout le temps habitué à ça. Tout le monde joue son meilleur niveau contre Faker en solo queue. Allez, Kian qui revient sur le top set de la carte. Et c'est prend l'information et c'est vu que Cersei est vu. Le Z de Queen, une arme destruction massive. D'ailleurs, ça va être un rush nature au Dominus. Oh là là, il a réussi à lui mettre le salto sur le premier dash et donc du coup c'est le rect total. Et là avec la révélation bien sûr de Talia topside, c'est un boulevard qui s'ouvre vers ce dragon infernal. Mais est-ce que Xerxé a une autre solution? Est-ce qu'on devrait, Zab, laisser Vizicati à son destin funeste finalement? C'est très compliqué de répondre à cette question parce que tu vois, il y a plusieurs philosophies sur LoL. Il y a celle qui dit que tu dois stabiliser tes lanes et il y a celle qui dit que tu dois renforcer ton strong side. Le problème, c'est que je pense pas que Talia Syndra puisse abuser un Ryze autant qu'une Queen peut abuser un Renekton. Ça, c'est sûr. Et du coup, c'est de savoir justement d'arbitrer entre ce que tu vas perdre versus ce que tu vas gagner. Et là, en l'occurrence, je pense qu'ils ont déjà beaucoup gagné sur la mid lane. Sur le bot side, ils peuvent pas trop insister. Attention, Kian. C'est récupéré pour Cersei, ça c'est une bonne opération. Et l'arrivée, voilà, Deskity, il voit que le jungler est topside, réponse immédiate, Kobe, ouais. Nurskuren, vous ne jouerez pas la lane. Voilà, une wave, c'est suffisant pour organiser une offensive, téléportation défensive toutefois de la part des Splice, un joli qui connecte sur les portes, et Fort qui a l'air d'être condamné ici. C'est un kill, Teddy, l'outil sur Teddy, humanoïde peut-être, non. La dispersion des faibles qui ne touchera pas, mais c'est un kill. Récupéré pour Splice, c'est très bien ça. Très très bonne défense de la botlane européenne. Sur un positionnement topside de leur jungler, ça donne beaucoup beaucoup d'espace à la carte Splice qui reprenne l'avantage en termes de gold. Absolument, il se transcende, humanoïde, très présent pour ses coéquipiers, Xerxé de retour. Tenir son bro Chachi. Et là le Ryze de Faker. Ouais. Quel enfer! Bah, tu peux rien faire, hein. C'est du Lane Kingdom garanti quasiment. Il va juste appuyer sur W à chaque cooldown et on revoit Cleanse. Ah, le call ici, abandonnons le navire. Et les SK Telecom ultra disciplinés. Ouais, dommage pour Humanoïde hein, qui avait une dispersion des faibles sur 5 boules et qui a pas réussi à en mettre une seule parce qu'il y a eu un très bon. Il a ulti près du mur donc elles occupaient pas vraiment beaucoup de terrain. C'était pas le move le plus évident à faire. C'était pas un Faker move. Vizicati qui est devant en termes de CS, mine de rien. Et alors, au niveau des platings, la tour top elle est plutôt en bonne santé. Mais l'intégralité de la map côté Splice est privée de Xerxé. C'est un peu l'inconvénient. Ouais, mais ils ont réussi à s'en sortir sans. Du coup, mis à part le fait qu'il y a une pink ward dans sa jungle, Xerxé il est pas trop mal. Il est devant en termes de CS dans sa jungle. La mid lane est bien devant. La bot lane est un peu derrière, mais le match-up il est vraiment dur. Hein. Varus au niveau 6, par contre, il n'y a plus de cleanse. Il n'y a plus de cleanse et il y a ulti de Teddy et ulti des fortes. C'est très très compliqué à gérer. Normalement, effectivement, c'est la sanction. Et on va commencer à avoir aussi la Queen qui se balade à travers la map, qui fait planer le doute au niveau de chacun de ces resets. On sait bien sûr que c'est un timing ils vont aller bot. Buff. Ils vont aller bot parce qu'il n'y a pas de clan sur Kobe. Oh, c'est bien joué. C'est superbe. L'éruption solaire qui est bait ici par la lanterne défensive de Nurskuren. Ouais, un peu étonné d'ailleurs qu'ils startent avec l'éruption solaire et pas avec les chaînes de corruption. Mais complètement. Parce que les chaînes de corruption de Varus, je pense, sont plus difficiles. Comment dire, sont actifs plus rapidement que l'éruption solaire et du coup ça donne moins de temps pour la botlane Splice pour réagir. On retourne au niveau de cette mid lane. Ryze qui a toujours pas back, je pense qu'il va faire un back. Ah si, c'est bon, il a l'arme de la DS.
Et il va peut-être partir sur un autre item mana en plus de l'archange. Attention à Cleed. Cleed. Ouais. Et la chaîne de corruption qui connecte. Superbe stopwatch ici. Est-ce qu'on peut, malgré tout, tenter de s'en sortir? Il marque un but avec un hook. Et maintenant, c'est le follow-up sur Kobe. Kobe qui peut compter sur le soutien de son jungler. Xerxe qui est juste derrière le mur de Attis. Faisait fort, qui est peut-être condamné ici. Ouais, la muraille! C'est bon, c'est pour Kobe, c'est un kill! Et play, en faveur des Spice, top lane! Chachi, c'est un PV, ça ne passera pas! La transformation, non, c'est bon, Khan qui va se raviser. Tu vois, on a stabilisé ce match-up et du coup, c'est plus avantageux. Attention à Faker qui se déplace. Faker, portail transdimensionnel, bien sûr qu'on attend. Il va se réaviser puisque Manoïde met la pression et va aller catch directement la wave. Et le forcer ainsi à optimiser son farm. Bilan des opérations, les stopwatch des deux supports sont tombés. Mais c'est un kill de support contre un kill pour l'ADC et ça c'est très intéressant en faveur de Splice Cleed. Quel mur ah, quel mur. Et là je me disais mais pourquoi Kobe reste? Et en fait la Talyaria qui arrive pendant que Northcurren meurt. Ah, le mur est vraiment incroyable. Et là le mur est parfait. La stopwatch, il ne change rien. Teddy qui pourra pas tuer Xerxe. Cleed n'a pas de cooldown. Et il se rassure les deux joueurs Splice. On peut le faire, on peut fight. Il faut fight surtout, oui. À chaque fois que Cersei est proche, il faut fight, c'est ce que font les SKT. Et maintenant, Vizichachi tient son match-up hein, avec le phage. On a pris un abatteur. Toujours petite avance en gold. Mais bon, là, ouais, comme tu l'as dit, l'abatteur qui va certainement changer les choses. Le match-up a l'air d'être de plus en plus désagréable en plus. Pour Vizichachi ? Oui. Le phage change beaucoup de choses. Le Tabi Ninja plus phage te permet de tanker quand même beaucoup. Avec te Dominus, c'est très très long pour Khan. Il faut quand même qu'il te DPS quasiment deux rotations de spell. Et en plus, bah, t'as la move speed, tu vois, quand tu frappes pour pouvoir disengage. C'est plus aussi horrible pour Vizichachi. Le plus dur, c'est vraiment les premières waves. Donc ils ont éteint l'incendie. Bien joué. Mais c'est Cleed. Cleed qui active le Predator. Coup de bidon, flashé, humanoïde. Le sidestep magnifique. Et y a pas de létal. Et Faker se fait contrer. Le flashy de la part de Glacier maintenant. Mais c'est Khan qui arrive à la rescousse pour couvrir la téléportation défensive de Vizichachi. T'as vu, il tank maintenant. Vizichachi, c'est plus forcément les mêmes dégâts de Khan. Après, il lui a pas mis de spell, mais. Ouais. Kobe qui a pris un énorme poke là du côté SKT, belle opération. Vizichachi, attention, qui est peut-être resté un peu trop longtemps dans la wave. Vizichachi, oh, il veut turn, attention parce que le jungler n'est pas très loin. Il tourne pas. Ouais. Et la Ryze est déjà retournée au top. Hein. Ils veulent jouer full tempo les SKT. Il y a un dragon par contre à suivre pour les Splice. C'est récupéré a priori. Xerxe est positionné sur l'objectif. Ryze est topside. Il peut back. Il a une téléportation peut-être pour contester l'objectif. Il y a 4 joueurs SKT qui arrivent au niveau de ce bot side. Il va y avoir un team fight. Ils le veulent pas. Ils veulent pas le laisser ce dragon infernal. Superbe poke de la part de Cleed ici et des Splice qui s'interposent. On est un peu coincé dans le pit. Il y a plus de Dominus. Est-ce que c'est vraiment bien? L'éruption solaire des fortes est excellente. La chaîne de corruption est loupée par contre. Guerre de Smite qui est déclenchée. Le dragon qui reset qui ne veut pas se mêler de cette bataille et j'ai comme l'impression que les SKT prennent le territoire. Sur Kobe, Vizichachi, humanoïde, ça va se jouer probablement sur une dispersion des faibles du midlaner. Les murs de la tisseuse, on va burst l'objectif, c'est récupéré pour les Splice. C'est tellement bien joué de la part de Xerxe qui va zoner, ouvrir la mer et récupérer ce dragon. Et Vizichachi va prendre la priorité mid. Les Splice répondent coup sur coup au SKT pour l'instant. Et probablement the game. On va rien dire, mais on se comprend, je pense. Ça joue bien, ça joue bien. On le voit. Ouais, il le voit aussi, le public espagnol, chinois, peut-être. Et deux aussi. Deux plates de récupérer pour le midlaner des Splice. Faker, qui a eu un début de game difficile. Regarde, il a pas d'AP. Il est toujours sur son timing Lost Chapter. Il a pris de la tankiness. Alors oui, il ne meurt pas, mais Humanoïde, pour l'instant, c'est lui qui vraiment apporte les dégâts, qui apporte le danger du côté de l'équipe Splice. Et ils ont l'avantage, ils matchent au niveau des dragons. Et ça, c'est très important parce que ça veut dire que tu vas pas te faire outscale trop rapidement par ce Ryze. Il y a 3% de différence parce que c'était le premier Infernal, etc. Mais pas grand chose. Le troisième Infernal, par contre, il arrive dans 4 minutes. Décidément, ces deux games entre Celui-là et Splice influencent. Il est important. Après, c'est 7%. Le premier, c'est 10, ouais. Donc là, c'était important d'avoir les 10% pour matcher les 10% adverses du côté de Splice. Pas tomber trop derrière. Et on part au niveau du topside. Du coup, héros de la faille, swap de la botlane. C'est un move macro classique qu'on a vu tout au long de ces worlds. On est à 15 minutes, on a encore. Donc, on n'a plus de plating. C'est moins important d'un point de vue économique. Maintenant, ça permet de dynamiter la midlane, d'envoyer ce Ryze en side et gros de forcer spike. Teddy et Fort à back sur la carte. Gros spike du Humanoïde qui vient de passer son niveau 11. Luden, Ce combat au héros de la faille, c'est le sien, Humanoïde. Ouais, c'est le sien. Sur une dispersion des faibles qui toucherait avec une boule, ce serait. Oh, Northcurren. Ouh,
il a flash un peu bizarrement sur place, j'ai l'impression. Ouais, il s'est trompé, je crois, Norskuren. Il s'est un peu emmêlé des pinceaux. C'est pas très grave. C'est pas très grave. C'est le moment où il faut savoir se rassurer. Tu fais oh, sorry guys. It happens. It is the flash in the wrong way. Yes. Yes. Par contre, sur le bon side de la carte, on a Khan hein, qui est en train de récupérer la première tour. Pression sur la mid lane, forcément. Pas de flash sur le support qui a back pour refresher Ward. Donc on va voir un timing. SKT suite au timing des splices sur l'objectif, ce qui est normal. Hein. Absolument normal, on peut pas être partout, on peut pas couvrir toute la map dans la fraction de seconde nécessaire. Clip sur le top side qui joue autour de Faker, visiblement. Humanoïde qui, bon, prend le, pas le moindre risque. Petit Akalmi. Et par contre, je pense vraiment que cette Queen va commencer à perdre en efficacité. Bah, je suis un peu mitigé, je dois avouer, mais... Après, si Vincenzi se jette dessus, super mais s'il se jette dessus, après, mais ouais. il attend. Ouais, c'est clairement du bluff. Ouais. Un, deux. C'est pas du bluff, Xerxes. C'est pas du bluff du tout. Ouais, ils veulent forcer la cleanse. Parce qu'une fois qu'il n'y a plus de cleanse, si tu sais pas où est le jungler, c'est compliqué. Après, il y a de la vision, bot side. 1, 2, 3 joueurs SKT qui viennent essayer de collapse sur les deux joueurs de Splice. On va essayer de contester justement la vision autour de la mid lane. C'est bien joué. Vincenzi qui est mid PV. Attention, l'arrivée des forces. Le Hulk qui passera pas pour Norskuren. C'est un moment difficile. Ils se font collapse dessus, les Splice. Est-ce qu'on va se retourner vers quelqu'un? C'est Lolin sur Norskuren. Vincenzi qui se lance, mais qui est parfaitement contrôlé par l'équipe coréenne. Faker qui se prend des défaillements de puissance parfaitement calculé aussi au niveau de sa résistance. Flash, une chaîne de corruption et Legolas dans la face. Ouais, pas bien joué là du côté des Splice qui ont raté une phase de jeu et qui plutôt d'accepter et de repasser par la lane pour contester la pression. Ont voulu faire les deux choses à la même temps, c'est-à-dire pousser la lane et contester la vision en zonant les SKT. Et à ce jeu-là, les Coréens ont été meilleurs. Avantage SKT en termes de gold, Dragon dans 1-10. La game n'est pas perdue pourtant. Elle n'est pas perdue, Vizetti s'est un petit peu chauffé. La frustration certainement de lane contre Queen qui frappe un petit peu. Là, la rotation de CC, elle était belle. On la reverra peut-être d'ailleurs en replay. Mais c'est dommage, je pense que les Splice... Ah. Ont beaucoup de pression. C'est bon ça. C'est la mid lane. Du côté de Humanoïde. C'est la mid lane. Ouais, c'est la mid lane. Et moi j'aimerais voir de la proximité entre Xerxes et Humanoïde. J'aimerais voir Vizetti se détacher de la pression de cette Queen et venir apporter du surnom là où ils peuvent le créer plutôt que de jouer sur Khan qui finalement c'est une savonnette Khan. Ah, il demande que ça. Il a phase rush. Ouais. Il a rush phasique et cleanse. C'est quasiment impossible de le récupérer. Et là on voit ils sont pris. Ils sont complètement parqués les joueurs Splice. C'est chaud Vizetti mais. Mais ouais, il s'est fait climatiser instantanément. Hein. Norskuren, qui avait lâché son flash tout à l'heure, là il serait jamais mort sans son flash. Tout à fait. Des petits détails. Ouais, ça bait celui de Teddy. bon, c'est pas plus mal. Il y a un univers où c'est worse. Après, je sais pas si c'est le allez, nôtre. Pour mid qui est tombé, les Splice qui peuvent prendre la priorité mid, enfoncer la wave le plus loin possible. Agression sur Vizetti, attention au collapse. La lane est longue. Il est mort, Vizetti. La lane est très longue. Exercé qui arrive pour l'aider, mais Exercé qui vient de marcher dans un piège. Ou alors ce serait Esqueti qui marche dans un piège. On coupe la transition du Manoïde avec un baril. Exercé qui fait un très joli travail de défense. Mais là, on est en train de finalement de pousser la poussette de Vizetti. On perd du temps. On perd énormément de temps. Vizetti qui n'était pas encore une fois sur le mauvais temps de jeu. Téléportation. Téléportation, mur de la tisseuse. Attention, peut-être un temps fort pour les splice. C'est concept. Humanoïde. Vizetti dans la backlane. C'est un kill. Récupérer le shutdown en faveur des splice. Attention à ce fight. Khan contre Vizetti et Kobe. L'arrivée de Teddy. L'arrivée de Teddy. C'est un qui doit récupérer Kobe. Peut-être le 1-1 contre Khan. Kobe le kill. Le hook qui ne passera pas à Teddy. Teddy prendra le kill et Fort tombe. C'est un kill de plus pour Xerxes. Les Splice répondent au SKT. Les Cargold est en faveur des Splice. Le serpent qui gronde, qui retentit si fort dans l'arena de Madrid. Mais tout de même, Humanoïde qui s'est. Je sais pas, il s'est transcendé sur cette phase de jeu. Voit le portail. Et là, c'est mon moment. J'ai vu des highlights de Faker. Je sais comment ça se passe ces moments-là. Et il punit instantanément. Oh. Et ça fait tout. Ah mais ça change tout. Hein. Incroyable. Faker n'a aucune option. Et c'est un fight qu'ils auraient pu s'empaler. Et là c'est dommage, Vizetti qui attend sa rotation de CD. Il joue pas Sojin. Hein. Ouais. Il a coupe Ray Noir. Pas le temps. Et du coup, et là on voit Kobe par contre qui très intelligemment dive. Teddy non, mais... Le 8ème sens de Teddy. Je sais pas comment il évite ce hook. Juste après Norskuren qui sweep de rage. Oh là le zéro de Faker. Et oui, washed up. C'est la note qu'on lui a mis au ranking.
Désolé, Faker. Et on a parfaite égalité désormais en termes de goal entre les deux formations. Ouais, ça va jouer au mid-game. À ce petit jeu-là, bien sûr qu'on met l'avantage à SKT. Non. Naturellement, après, bon, je mets toujours par défaut un petit avantage sur Kai'Sa, personnellement. Mais Splice joue tellement bien. Un très très bon bail. Hein. Splice joue vraiment bien. Norskuren qui avance. Là, ils sont en train de défendre leur mid-wave. C'est très bien ce que font les Splice. Ils sont en train de se battre pour la vision au niveau de ce topside. Attention quand même aux sidelines qui sont push hein, en faveur d'SKT. Elles ont passé la rivière. Oh! Oui, Humanoïde, Humanoïde. Oh, dispersion d'effet parfaite. Faker qui retourne sur Humanoïde. Et ouais, c'est le flash, c'est la cage, c'est la full rotation. Il est aveuglé et il est exécuté, le mid laner des Splice, pour sa première mort de la game. Ouais. À la 21ème minute. Et ici, forcément, on voit SKT, on pense immédiatement au Baron. Et à ce qu'ils vont faire pour le sécuriser, pour sécuriser la vision, pour faire ce qu'ils font de mieux, bien sûr. C'est le seul souci quand tu joues comme ça et que t'envoies une Syndra sur le side, c'est que c'est un champion qui est vulnérable sans mobilité. Terrible. Et là, elle a utilisé son flash, ils le savent, les SKT. C'est une équipe qui joue parfaitement une tour des summoners. Je pense que la visite chatty, le fait qu'ils se montent pas sur le bot side de la carte et qu'ils jouent pas sa side lane, ça va donner une information, ça va menacer les SKT, donc ils vont pas commencer l'objectif. Ouais. Ils voient pas le top laner, donc forcément ils sont là. Mais par contre, voilà, ça lui fait perdre du temps, ça lui fait perdre de l'économie. Et on voit voilà les cargoles. Bon, après, c'est rien, c'est 1218. Hein. Le graphique, tu sais, il prête à confusion. Tu dis, oh la balle est... Mais tu fais ce genre de game contre SKT, tu passes quand même une autre ligue ouais. Pour le coup. Alors, visite, Chachi. Il a besoin de sa. Je pense qu'il a vraiment besoin de son Sojin pour un Stalock. Parce que s'il jette sur ses Teddy avec un Sojin, il va pas du tout le faire, il part full tank. Il a pris, ouais. Il a pris la voie du. Je suis sceptique vis-à-vis de ce. C'est la voie du Randuin, j'ai l'impression. Pour avoir un slow, mid-distance, un truc comme ça. Je comprends, mais il n'y a pas énormément de crit en face. Hein. C'est BRK, Ginzu. Après, il n'y aura que Queen. Il y aura Queen quoi, qui part sur Danseur Fantôme. Sur un troisième item. C'est bien là. Les Splice qui vont par contre délaisser du tempo top. Hein. On le voit, la wave qui est en train de crash sur la tour. Donc. Ça va donner un peu d'initiative au SKT quand ils vont voir la Kai'Sa récupérer cette wave topside, à moins qu'ils la délaissent et qu'ils jouent complètement. Ils vont jouer la rame. Attention, c'est un cycle économique qui n'est pas favorable pour les Splice, mais qui leur permet de maintenir leur contrôle. Attention, le fetch check peut-être de Khan, ou plutôt celui de Vizicacci. Pas de soutien à l'horizon. Est-ce qu'on a la téléportation? Est-ce qu'on peut engager ailleurs le coup qui connecte sur Effort? Effort, dispersion des faibles qui connecte également. Et on a pris une sauce incroyable avec la flèche de Teddy. Et Vizicacci, effectivement, le voyage s'arrête ici. Ouais. À moins que non, personne ne vient l'aider. Ouais, là, le problème c'est que tu le vois sur le mid game, les SKT jouent très très bien sur la vision et la mobilité, et les Splice commencent à jouer comme une équipe qui perd, c'est-à-dire qu'ils se regroupent autour de cette mid lane et ils ont tellement peur d'envoyer quelqu'un sur le side à cause de la mobilité de Clid et la punition de Khan, qu'ils sont en train de partager l'XP, ils sont en train de partager les gold, et ils sont en train de pas ramasser, voilà, pas de moissonner leurs side waves. Et ça, c'est un vrai problème, tu vois. Donc SKT, en fait, sont très contents. Et je pense que sur le prochain Dragon, c'est vraiment à l'initiative de Splice de créer un teamfight 5 contre 5 parce qu'ils ont un très bon spike dans cette partie. Et après, la balle va un peu passer dans le camp de ce Varus, de ce Ryze et de cette Queen. Il faut récupérer ses esprits et reprendre, bien sûr, une réflexion sensée. La Queen ne crée pas autant de pression que ce que les Splice s'infligent. Ouais. Et bien sûr, la confusion de la vision qui leur échappe hein, est certainement l'élément déterminant. Si tu perds les sides, tu perds le mid, si tu perds le mid, tu perds la vision. Et c'est très bien joué, c'est un jeu de vase communicant que sont en train d'appliquer les joueurs SKT qui vont aller prendre ce dragon des montagnes. Attention à Khan, en flanc, on se bat pour la mid wave. Et Khan est déjà derrière. Ah, ça pourrait être le tombeau des Splice si Khan venait à collapse sur eux. Mais ils ont vu, grâce à ce très très bon trinket, la présence du top laner des SKT. Il y a un timing de back là du côté de Ryze. On va se battre pour la mid wave du côté de Splice, c'est un bon timing pour eux. C'est juste avant les respawns. Allez, un fight central et violent, leur meilleur atout. Le ban de Horn hein, des SKT révèle bien finalement leur première peur dans ce match. Ouais. De faire hard engage. Et forte, qui ne pourra pas engage. Oh, il y a toujours un regard. Khan qui n'arrête pas de se glisser. Vizicacci, bah ouais. Et hop, c'est reparti pour Vizicacci. C'est reparti pour un tour. Bon, il est juste tanky Vizicacci. Il ne sert pas à grand chose à part encaisser les dégâts de Khan et jouer. C'est le bait. Mobile. Oh. Et il va backer nature, effectivement il y a beaucoup de backup hein, autour de ce Baron Nashor, autour de Khan. Il a besoin de refresher Ward. Il a besoin de refresher Ward, il a pris la QSS. Là il est bien Norskuren. Le problème c'est que si jamais tu focus Norskuren et qu'il peut pas QSS flash, ils ont quasiment aucune chance de gagner un fight les joueurs Splice. Allez, c'est le moment. Ah, c'est éprouvant hein. C'est éprouvant pour les Splice, mais il faut tenir le coup. La pression retombera une fois qu'on n'en saura plus sur ce Baron Nashor et son destin bien sûr. Ce sweep sur la mid lane qui est extrêmement important.
prendre l'information qui est sur la mid lane. Et encore une fois, je te dis, les sidewaves de Splice, c'est vraiment compliqué parce que tu te dis, attends, mais Syndra, elle va, mais s'il voit Syndra et que la Queen, par exemple, est topside, si la Syndra a sa dispersion des faibles, ils perdent la game. Ouais. Tu perds la game instantanément et c'est toujours le problème des sidewaves, c'est là, t'as envie d'aller envoyer cette Kai'Sa pour qu'elle récupère un maximum de ressources, t'as envie d'envoyer cette Syndra qui farme pas autant qu'elle le voudrait. Mais terrain miné. À n'importe quel moment, ils peuvent enclencher et détruire leurs adversaires, les SKT. Le teamfight qui leur fallait, certainement. 4... Mur de la tisseuse qui couvre. J'ai pas l'impression qu'on puisse saisir une opportunité. Et au contraire, c'est Clint qui l'a saisi. Un flash plus que discutable pour North Siren qui tombe. Et ainsi cède toute la vision au signe numéro 1 de la Corée du Sud. Et ça, c'est un vrai souci pour les Splice. Oh. Désormais, 4K gold, il va falloir se battre. Il va falloir se battre parce que, je te le disais, le cycle économique est négatif. On était égalité au début de ce mid-game. On vient de perdre 4K du côté de Splice et ça devient de plus en plus compliqué. Le rise de Faker, évidemment, Khan. Exercé. C'est l'Oli qui va tomber et ça va être le baron pour les SKT. L'engage qui va être fait directement sur la mid-lane humanoïde qui tombe. Effort qui trouve un superbe clutch. On cherche le smite pour Vinicacci. Est-ce qu'il pourra récupérer ce smite? Et pendant ce temps, la Faker qui se fait 1-1 par Kobe. Et Vinicacci qui va simplement tomber avec aussi peu de counterplay. Wow! Ils se sont suivis. Ils gagnent du temps, c'est pas trop mal. Ils peuvent pas commencer. Si, ils peuvent commencer le baron, les SKT. Il ne reste que North Kuren. En plus. Le smite à back. Ouais, le smite à back, ils ont un tout petit peu de répit, mais regarde les cargoles qui ne fait que se creuser, on n'arrive pas du tout à créer de pression. Et on va le commencer, on n'a pas de quoi smite du côté Splice, et ça va être un baron récupéré a priori à moins d'un exploit de Kobe et de North Kuren. I believe, on believe tous, le hook, le missile, n'importe quoi, quelque chose, vas-y. Ouais, regarde Teddy qui prend l'agression. L'arrivée de Xerxé peut-être pour sauver le jour Splice, mais les SKT vont pouvoir dérouler. Le mid-game Splice n'avait pas... Et encore une fois, je sais pas si c'est full tank Renekton. Ouais, c'est la solution à... C'est la solution la plus viable. Et ici, c'est incroyable à quel point la situation s'est retournée contre les Splice. Mais j'ai l'impression qu'ils ont vu un engage qui a disparu au bout d'une fraction de seconde. Mais c'était la bonne idée, il fallait engage. C'était la bonne idée, ça avait l'air d'être effectivement une très très bonne idée. Alors comment Kobe... Ah ok, donc Faker qui a fait nimp. Ouais, pour le Faker coup, qui grind un peu. Ah, il a forcé l'ulti Kai'Sa quand même, mais effectivement c'était pas nécessaire. Et là maintenant, ça devient beaucoup plus dur pour les Splice, les cargoles qui se creusent, on va buff les side lane. Cette Queen qui aura fait tellement de mal, mais trop de temps à babysit, trop de temps à babysit. La même chose que pour la saison régulière, ça paraît ingérable s'il y a Renekton. Regarde là, il y a 3 niveaux d'écart, bah oui forcément maintenant il y a des crits, toujours pas de rendu 1, et l'agression sur Humanoïde, flash out d'Humanoïde, l'arrivée des fortes, on va pouvoir le stun. Le mur de la tisseuse qui est lancé, on va peut-être pouvoir stopper l'agression, mais non les dégâts sont remportés, Teddy qui va tomber. L'arrivée de Kobe peut-être pour aller chercher, et forte maintenant qui est l'IPV. Une armée de minions se dresse entre les Splice et leurs adversaires. Des minions buffés sous Baron Nashor. Et ce n'est même pas le main push des SKT. Le main push, il est de l'autre côté. Ouais, et la tour qui tombe. Il n'y a rien à faire. C'est vraiment... C'est... Le blind Renekton qui a été le cercueil. Tombeau, ouais. Le cercueil de Splice dans cette série. Le truc qui n'a pas blind, et très franchement, ça va être un blind plutôt ok. Et cette réponse Queen Top Cleanse, elle existe, absolument. De toute façon, si le match-up est bon et que tu sais jouer autour de la pression de lane, c'est vraiment une des spécificités d'SKT, de savoir convertir la pression de lane en pression de map. Eh bien, tu n'as pas vraiment besoin, comment dire... C'est sûr que si tu tombes derrière, c'est nul, mais si tu tombes jamais derrière parce que t'es trop bon, c'est un excellent pick cette Queen. On va à Dragon des Montagnes à récupérer, bah oui, pourquoi pas. Hein. Augmenter les dégâts sur le baron et les objectifs neutres, notamment les tours. Ça n'est jamais une mauvaise option, surtout le bon avant tirage, de reset. Le bon tirage continue pour SK Telecom qui, plus la game avance, plus il se dirige vers une nouvelle demi-finale face aux champions du monde en titre. Une sacrée affiche. Mais c'est pas encore fait, bien sûr. Face aux champions du monde en titre. Face à IG. Ah, ils jouent contre IG. Bah, normalement, ils sont... Ah non, c'est pas le même arbre, pardon. C'est pas le même arbre, désolé. Ce sera IG contre FPX. Ce sera peut-être le dernier match. Sauf si G2 s'interpose. Eh oui. Oui, j'ai confondu les arbres, my bad. J'ai de me dire, ils jouent l'affiche me paraissait tellement stylée que j'ai avancé direct. Non, peut-être la finale, la grande finale, ça pourrait être ça. Ou alors, si G2 dans le reste de la journée faisait la différence. Mais c'est pas fini. Ou Splice.
C'est pas fini. Ou Splice. Exactement. Allez, un bon team fight. Un ace du Manoïde. Facile. Un pentakill de Kobe. Un pentakill avec un Q de Kobe. Allez. Faker sur le bot side, vulnérable ici. C'est le killer instinct. On a été tous les spells. On a le portail transdimensionnel qui est cancel par Dorskeven. Et ainsi, Faker tombe. Et de 1. Allez, le doubler maintenant. Et on calme les ardeurs. Le truc, c'est que la compo SKT est très forte quand tu prends les T2 et beaucoup moins forte pour prendre les T4. Ils sont tous squishy. C'est sûr. Il y a beaucoup de range en face. Et les Spikes peuvent turtle pendant très très longtemps dans cette game. Oh que oui. Oh, le E est passé. Il n'y a personne en renfort. Ah, c'est tentant, hein. Ah, la discipline. C'est... Kan, il n'en peut plus, hein. Regarde-le. Il est en train de se gratter. Allez, c'est parti, l'agression de Kan. 1, 2, 3, termine. 1, 2, 3, voilà, décrite. Du swag. Est-ce que Xerxes est suffisamment rapide? Il a slidé en plus à la fin de son mur. Il y a les bottes de mobilité de Norskeren. Ils sont en train d'intervenir et on vient de briser le passif de Ta. Il est mort. Il est 100% mort. Ouais, là ça va être dur. Mais à quel prix, malheureusement. Ils sont 4 les joueurs de Splice et ils perdent un inhibiteur. Et l'ADC, c'est peut-être la mort, le temps du bac. C'est une tour Nexus qui va tomber, la deuxième tour Nexus à son tour. Ça a l'air d'être la game. Ils vont essayer de sortir, mais il n'y a pas assez de dégâts, Focus Nexus. Et ça va être la game, a priori, les Splice, Vichetti qui tombe. Et les SKT, comme prévu, iront en demi-finale des World Championship 2019. Aïe. Quelle déception pour les joueurs de Splice. Mais bon, SKT, ils ont mis de toute manière les Splice en échec dès la phase de draft. Il suffisait juste à Matt. Et ça n'a pas pris tant de temps que ça. Il y a eu des comebacks, il y a eu des rebondissements dans ce match, mais manifestement pas assez. Comment prendre une bonne décision quand finalement tu as un play à faire et l'équipe adverse en a 3? Mais écoute, moi de ce que j'ai vu de Splice et de ce que je vois de SKT, les SKT ne sont pas imbattables. C'est certain. Ils ont été battus cette année par une équipe européenne, bien entendu. Il s'agissait de G2 eSport. Historiquement, ils ont fait 3-2 contre Natsik, 3-2 contre Misfits, 3-2 perdu contre G2. Ce sera 3-1 contre Splice aujourd'hui. Quelle fin d'année quand même. Voilà. C'est sûr qu'il y a échec en quart de finale, mais est-ce qu'on peut parler d'échec pour une équipe que tout le monde annonçait comme 6e derrière les Misfits, derrière les Schalke, Nulfir, derrière Origène, qui se qualifient pour les Worlds? Bravo messieurs. Bravo. La Dinde, la Viz, la Xerx, Humanoïde, la Cob, et bien sûr Dorskeren, il y a Mac, il y a le monde Raptus derrière, il y a la Dinde avec Peter Dunn, il y a tout le monde. Quelle année fabuleuse pour l'espace. Respect, ouais. Respect for Splice. Et ça, c'est leur moment. Ils ont mis une petite gifle à SKT, peut-être même une petite gouttelette à couler. Peut-être que c'est ce dont avaient besoin les G2 pour avoir de l'espoir. Absolument. Un manque d'attaque. C'est peut-être parce que les Splice sont offerts à leur région, à l'Europe. Pour l'Europe. Sacrée année. Hein. Maintenant qu'on peut faire redescendre la pression, il est quand même top 8 monde ce sac. Non mais si tu peux dire ce que tu veux. Le mec il est là, il coach une équipe que personne ne donne gagnant. Incroyable. Et le gars il t'emmène top 8 monde et il prend une game SKT. Et il se fait ban le Horn. C'est pas comme s'il avait une Lamborghini aussi en termes de line-up. Il a des joueurs talentueux, mais avoir articulé toute l'année. Je peux te dire que quand tu as des joueurs qui ne gagnent pas leur phase de lane, le travail de scouting, il est énorme parce que tu dois articuler un mid-game qui est toujours parfaitement propre, tu dois avoir des automatismes dans toutes les situations. Et là, tu voyais que c'était à chaque fois, ils avaient le bon moment. Mmh. C'était un problème d'exécution, mais à un moment donné, ils arrivent dans le top 8 monde. Tu regardes les mecs en face. Enfin, tu vois, SKT, hier, ils n'ont pas fait mieux. Hein. C'est depuis 2013, les mecs. SKT et Fnatic, ils n'ont pas fait mieux. Hein. Bien sûr. Et depuis 2013, SKT qui fait la bise avec la Coupe de l'Invocateur, c'est vrai qu'au bout d'un moment, tu as des automatismes qui sont arrivés qui forcément vont mettre un peu plus de temps à venir en ta possession. Quoi. Il faut un petit run. SKT, bon, mais... Pas imprenable. Peut-être pas le meilleur de cette compétition. So far, on n'a pas vu assez de quarts de finale, je pense. On attend surtout le prochain. J'ai trouvé FPX très, 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 très fort hier. Pareillement. J'ai trouvé IG... la botlane est vraiment horrible, mais le reste marche complètement sur l'eau. Voilà, il y a un gros point d'interrogation. J'attends de voir G2.
Ce serait vraiment, vraiment, vraiment dommage pour l'histoire de LoL que G2 passe pas aujourd'hui. Sur le 0-3, sur un 0-3 Europe et en demi-finale, finalement, on se retrouve avec l'Asie dans Corée, Chine. C'est toujours un petit peu décevant pour les Occidentaux. Qu'on n'ait pas les NA, tu vois. Je vais te dire, on est habitué, tu vois. Mais qu'on ait pas l'Europe. L'Europe, c'est toujours un peu le deuxième élève, tu vois. Ouais. Il est toujours second. Ouais, donc, c'est vrai qu'on a. Moi, j'ai envie de voir l'Europe aller jusqu'en finale, aller à Paris. J'ai envie d'aller voir G2. Allez jusqu'à Paris et on a une petite interview de Faker qu'on va vous passer tout de suite. Return to the World Championship. What does it mean to make it to the semi-final once again? 너무 축하드립니다. 작년에 롤드컵 진출을 못했는데 오늘 다시 4강 진출하셨습니다. 소감 한마디 부탁드려요. 이렇게 다시 4강에 가게 돼서 정말 좋은 것 같고 앞으로 경기력 더 올려서 결승까지 가도록 하겠습니다. So it feels great to go to the semi-finals again, and we will even improve so that we can show you a better performance and reach the finals. Is it too loud or is it not the earpiece? Is everything okay? Could you ask if everything's okay? 너무 센가요 소리가? 잘 들려요? It's okay. Okay, so just wanted to check. Now this was a heavy, hard-fought match. Even though you guys were big, big favorites, what would you say the challenges were in facing this place? 이번 대전에서 많은 사람들이 SKT가 정말 우세하다고 생각했는데 스플라이스가 정말 잘 싸워줬어요. 어떤 점이 힘들었나요? 일단 저희 팀이 좀 실수가 많았던 것 같기도 하고요. 그리고 좀 스플라이스 팀도 굉장히 적극적으로 플레이를 했던 것 같아서 좀 되게 치열한 경기가 나온 것 같아요. So we made a lot of mistakes and Splice was really proactive in this matchup. That's why I think we had this hard-fought match. In the end, you got the win. And one important thing is that you got your 100th international win at Worlds at MSI. What do you think of hitting milestones like that in your career? 아, 그리고 이번 경기 중에 100번째 국제대회 승리를 거두셨습니다. 정말 큰 한 획을 그으셨는데 소감 한마디 부탁드려요. 네, 100번째 승리라니까 굉장히 좀 적은 것 같이 들리는데 앞으로 좀 더 열심히 해서 200승까지 하도록 하겠습니다. Actually, when you say 100 victories, it doesn't sound that much. So I'll keep trying hard to get to the 200. Well, you're definitely on your way to that. Now, the last time we saw SKT at the international event at MSI, things ended in the semi-final. What is different about this SKT at this World Championship? 우리가 SKT에서 마지막으로 국제대회에서 만났을 때는 4강에서 탈락을 하셨는데 이번 롤드컵에는 SKT가 어떻게 달라졌나요? 이전보다 저희가 조금 더 경기력은 좋아졌다고 생각하고 있고요. 그래도 아직은 부족한 점이 많아서 조금만 보완한다면 이번에는 우승까지 할 수 있다고 생각합니다. So I think we still have room for improvement and we are playing better than before, but we can still improve. And if we do that, I think we can even win the whole tournament. That is definitely what some people are thinking. Now your next match will be either against Damwon Gaming from your own LCK or that rematch versus G2 Esports. Who would you prefer to face and why? 다음 경기는 LCK의 담원 아니면 LEC의 G2로 만나게 될 텐데 누구를 만나고 싶으신가요? 저는 어느 팀이 와도 크게 상관없을 것 같고요. 뭐 G2를 다시 만난다면 저희가 복수할 기회를 갖는 거라서 나쁘지 않을 것 같아요. G2를 만나는 것도. 네. So I don't really mind, but I think if you were to face G2 again, we can have our revenge. So I think it's going to be fun to meet G2. That would be on the cards. Thank you very much, 감사합니다, Faker, and thank you, Hajin. SKT are through to the semifinals. Racontée en chuchotant entre les bancs de l'amphithéâtre et les allées de la bibliothèque. Cette histoire, c'est celle de... La Grosse Ligue ! La Ligue étudiante officielle de League of Legends ! Constitue ton équipe. Choisissez votre capitaine, partez en conquérant, revenez en héros. Vous serez répartis par paliers en fonction du niveau de chacun des joueurs. Les plus talentueux rejoindront le palier Baron. Une compétition impitoyable, avec ses phases finales retransmises en live sur Ogaming. Les Outsiders combattront dans le palier Dragon et tenteront de forger leur légende. Enfin, pour tous les autres, vous aurez aussi l'occasion de briller. Et vous deviendrez des héros parmi les héros. Ou voire même l'Empereur des Carapateurs, notre toute nouvelle division.
Que vous soyez tueur de dragons ou scout chasseur d'abeilles, tout le monde aura sa chance. Et vous reviendrez tous les bras chargés de trésors. Soyez prêts chaque semaine à affronter les autres équipes de votre région et pour les meilleurs d'entre vous, à représenter votre école au niveau national. Levez-vous, entraînez-vous et préparez-vous à des combats sans merci. La Grosse Ligue, la gloire à portée de clavier. Inscrivez-vous sur lagrosseligue.com. En partenariat avec...